Je te stream ça, tu veux? Ou je suis là aussi. Toi, t'es là aussi? Je suis là pour le Civ Draft. Ouais. Bon, sauf, on va pas parler de TFT hein, ce soir, désolé, c'est Civ. Non, bon. Bah non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je saurais me retenir. Ok, je pense que t'as regardé plus de games de Civ que tu n'en as joué cette saison. Bah comme d'hab. Oui mais là tu vois j'étais vraiment sûr de moi sur le coup, tu vois, peut-être que certaines années j'aurais pu un peu douter, là j'étais quasiment persuadé. Est-ce que t'as regardé pas mal de games de D1? Bah quasiment toutes hein. Moi souvent quand ouais. Je joue à TFT j'ai un stream en fond hein. Ok, donc du coup LSC, des Sharks, t'as regardé plusieurs de leurs matchs, vois à peu près leur niveau. Est-ce que le niveau a bien augmenté? Comment ça se passe? Est-ce que ces deux équipes elles te plaisent déjà? Alors toi, moi je suis très content en vrai que les D-Sharks soient qualifiés, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un petit nouveau pour la CWC là. Ok, cool. Donc plutôt content. Et le niveau, non je pense en vrai le niveau il est là où il doit être. Le niveau j'ai pas l'impression qu'il est spécialement augmenté. Ouais. Ceci peut-être la Steak Company en vrai je trouve, qui ont bien performé, plus que ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. Ils ont sorti des pics en plus, et moi je le disais tout à l'heure, Ludwig et puis le duo Suède-Lincoln la dernière fois, c'est une des seules équipes qui arrive à se permettre à sortir des trucs comme ça, et qui explore des nouveaux pans de la méta, tu vois, c'est très intéressant, et on va voir s'ils vont faire encore une fois ce genre de composition pour les playoffs. Quand t'as une équipe comme ça justement, t'es quand même pas mal pour des playoffs, tu vois, avoir la possibilité de sortir des stratégies un petit peu hors des sentiers communs, tu vois, donc ça m'a l'air d'être un point positif, non? Après, encore faut-il que ces stratégies marchent, hein, parce que les seules fois où ils les ont sortis, ils ont perdu quand même. Donc. Ouais, t'as tout à fait raison, c'est vrai. Ils sont actifs et ils sont à l'aise sur des pics exotiques. Donc peut-être, tu vois, des petites strates à travailler pour la CWC pour renforcer, tu vois, la stratégie. Parce que pour l'instant, elles n'étaient pas trop au point. Mais ça a failli passer à chaque fois, tu vois. Il n'a pas fallu grand-chose, justement. Il manque un petit truc. On regarde les bans. On est donc sur Pangée Standard. On a déjà ban 3 pics du côté de Deschark. Et mon dieu, les voilà, les pics militaires de la game. Macédoine, Mongolie, City, les 3 premiers bans du côté des gentils requins. En face, nous avons Ptolémaïque, Rome. Et on va voir sûrement un petit summer, cette metagame sur les pics plein inondables avec beaucoup de tempo. On aura peut-être un coupé aussi qu'on a vu sortir en training ou alors dans des matchs officiels aussi en last pick du côté de Pangée Standard, tout simplement parce que le pic a beaucoup de tempo. C'est un peu ce patch là, beaucoup de tempo, des pics militaires qui vont avoir beaucoup de pression sur mid game avec beaucoup de science sur la Frink Quarry. Voilà les trois plans et les trois axes, je trouve très importants, tu vois, dans la metagame actuellement aujourd'hui. Surtout sur Pangée Standard en vrai. Et puis là, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Hein. On a donc du coup D-Shark et First Pick ce soir. Donc du coup, qui bannent un peu toutes les siges militaires parce que D-Shark, ils veulent pas First Pick forcément une sige militaire, tu vois. Ils préfèrent le pick, comme tu dis, des Ptolémaïques, des Summer, etc. Donc du coup, on enlève les siges militaires. Alors que du côté de la Steak Company, justement, on enlève ces gros picks qui sont des bons First Pick. Donc Théodora, la petite Égypte. Et je trouve que c'est des bans logiques. Ouais, je suis d'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, j'ai l'impression, tu vois, il n'y a pas de truc un petit peu étonnant qu'on pourrait voir. Alors, on en parle souvent avec le patch actuellement, avec la bêta, etc. Mais est-ce qu'un petit Mali, on pourrait le sortir sur ce patch-là? Un petit Mali? Ouais, on sait que le Chuck le joue très très bien. Est-ce que tu penses que ça serait possible? Je pense que ça serait possible, mais moi, selon les retours que j'ai du Mali, ATM, c'est vraiment pas ouf, hein. Okay. Et surtout, en vrai, je pense que ça colle pas trop à Pangée. Enfin, sur la méta qu'on a actuellement sur Pangée, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de picks assez agressifs, je pense que le Mali collerait pas très bien à ça. En fait, c'est un peu un pick gumble, un peu comme potentiellement le Maori, tu vois. En mode, il spawn free sim, c'est GG, tu vois. Enfin, c'est GG. C'est... Peut-être la en last pick part bien, déjà. Peut-être en last pick. En tout cas, le Mali, il sera pas à prioritariser. On a un Zulu qui a été enlevé, et c'est donc les deux derniers bans de chacune des deux équipes. Qu'est-ce qu'on a encore un peu dans le map pool, dans le Civ pool? On va voir Ludwig, évidemment, toujours, mais je pense que celui-là, il restera là, normalement. On a le Vietnam. Ouh, je pense que ça, c'est à pic ou ban, non? Le Vietnam, surtout contre la Steak Company. Hein. On a Chuck et, Malm, en vrai. Et en plus, je pense que c'est vraiment une bonne Civ de deuxième, enfin, quand tu n'es pas first pick, à double pick comme ça. Je pense vraiment qu'elle est très très bien. C'est si obvious que ça me décevrait de la part de Deschark qu'ils aient pas pris ça en compte, tu vois. Donc du coup, je m'attends à un first pick de Vietnam pour avoir le deny, tu vois, de la part de l'équipe adverse qui est
très à l'aise sur au-dessus, et en plus avoir le power pick Vietnam, une Sif qui va pouvoir te tout booster en early game, avoir de très bons bonus militaires, une early, une mid game UU, donc unité unique sur une mid game qui va avoir de très bons bonus, tu vois, la possibilité de taper, de se déplacer, etc. Et rester en 70-70, enfin être en 70-70 très tôt dans la partie. Donc je pense, enfin j'espère en tout cas, que ça va être un Vietnam récupéré pour Floppy. On sait aussi que Floppy joue le Vietnam depuis longtemps, donc il y a encore beaucoup de bonne cive, hein. Il y a Gandhi qui est encore open. Ah, j'avais oublié Gandhi. Vrai. Oui. Il y a Gandhi. Il y a Gandhi. En first pick, ça peut être pas mal en vrai, hein, sur Pange Standard. Ok, Gandhi. Ouais, Vietnam, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vois d'autre là, vite fait Oh, il est enlevé. Il est enlevé, ah, c'est vois. Eux qui le ban. Tu vois, ils ont eu peur. Ils étaient là. Non, Vietnam first pick, c'est effrayant. Je suis d'accord avec eux. C'est marrant, c'est marrant. Mais tu sais, quand je pense en vrai, tu vois, le ban Summer de D-Shark, ça aurait dû être le ban Vietnam. Et inversement, le ban de la Snex, ça aurait dû être le Summer. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, en réalité. Mais tu sais que même Vietnam, moi, je le mets extrêmement haut. Je sais pas si je le mets au-dessus d'un Gandhi, mais ça me fait chier de trade en tout cas un Gandhi pour une Vietnam. Je suis là, j'aime pas mon trade. On va voir le first pick maintenant du côté des Desharks. Qu'est-ce qu'on va se prioriser? Est-ce qu'on va se prioriser quelque chose de militaire, quelque chose qui a énormément de tempo, ou alors quelque chose d'un peu plus exotique? Alors le troisième point, je n'imagine pas. Peut-être quelque chose qui va faire des relations justement entre les joueurs, avoir un lien, quelque chose de collectif comme une Cléopâtre, pourquoi pas? Non, tout simplement, t'en parlais. Moi je pense que c'est normal. En vrai, c'est la première game du BO. On la joue tranquille, on la joue safe. Pas besoin de plan de jeu exotique. Voilà, on prend des picks qui sont solides et puis c'est parti quoi. Gandhi, dans une game en playoff comme ça, c'est étonnant de le voir sélectionné, tu trouves pas quand même? Parce que ça a été un pick qui a été ban durant toute la saison, en pangée classique, en pangée standard. La première rotation du côté de l'Aztec Company est directement récupérée. Ma push plus Aztec, même. Bah, t'as, ça annonce un peu la couleur, hein. Enfin, je pense que ça annonce clairement la couleur. Là, on va très sûrement répondre par peut-être une Perse, en vrai, qui pourrait bien tenir au niveau de, voilà, un peu de bonus militaire, des bons bonus de sim, qui irait bien compléter la draft de D-Shark, je pense, avec Sofer Speak Gandhi. Mais c'est il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on peut prendre trucs, du côté de D-Shark, hein. Tu peux prendre une goal si t'en as envie, tu vas manquer un petit peu de goal, évidemment, sur les débuts de partie, ça peut être compliqué, mais tu vas voir tes match-ups qui vont être normalement assez positifs au fur et à mesure. Tu peux prendre une Cléo si tu as envie d'avoir un petit trade en early game et avoir vraiment ton Gandhi dans le max confort possible. Mais moi, cette première rotation du côté de LSC dans un pick Gandhi, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Je vois un pick Gandhi, j'ai quand même envie de me récupérer une perse. T'as eu le nez très très fin. C'était évident. Non mais je suis pas en désaccord avec toi. Pour moi c'était évident. Je trouve ça étonnant qu'ils prennent pas, tu vois, un truc de sim vraiment qui puisse rivaliser avec Gandhi. Ça veut dire qu'ils ont peut-être quelque chose dans leur popoche, sous leur botte, nos amis LSC. Donc à voir du côté de la deuxième rota. C'est ça, et je pense aussi peut-être qu'ils avaient envie de sécuriser un peu des pics militaires maintenant forts pour pas qu'ils soient ban, pour éviter de justement pas pouvoir les récupérer dans la deuxième rota, parce qu'en vrai l'Otaro Aztec, l'Otaro sur le mid-game qui peut avoir énormément d'impact, et l'Aztec pareil, un Aztec free sim, s'il a un peu un split continent en late-game, on arrive avec un plus 8, plus 9, ça fait peur quand même. Sur le late-game, je suis d'accord avec toi, l'Aztec je pense qu'il n'est pas... il n'a pas de rivalité, je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment le contester, à part le Taxis d'un Théodora, d'une Byzance, sur le late game. Ma push aussi, tu disais, hein, que ce soit avec les Malons level 2 avec la Terracotta, etc. Ou alors la possibilité avec la loyauté de faire flip les villes. J'ai vu une game il n'y a pas si longtemps d'un mec qui a fait ça. Ça m'a fait rigoler. En plus, j'ai trouvé la compétence assez forte au final. On va suivre la deuxième rotation. Et on n'a pas ban Babylon du côté de LDK. Babylon, Espagne. Espagne, c'est logique. Babylon, hein. Espagne. Ouais, logique en vrai. Super logique. On a pris Gandhi. On n'a pas envie de laisser l'Espagne qui aurait un bonus du coup militaire contre Gandhi et qui en plus est une cifre qui peut sécure le naval et qui va pouvoir générer du gold. Donc, très bon ban. On rajoute un petit point supplémentaire avec le prédicateur itinérant. T'as trois croyances avec Gandhi. Tu veux prendre souvent prédicateur plus le truc de science ou le truc de culture, dépendant de la game que tu veux faire. Généralement, c'est un peu plus dialogue interculturel. Donc, le point de science sur les followers présents dans les villes étrangères à d'autres civilisations que la tienne. Et donc, du coup, le fait que l'Espagne soit ban, c'est vachement intelligent parce que avec ton Gandhi, tu vas vouloir spread justement tes coéquipiers et ils vont avoir justement cette religion qui aurait pu permettre à cette Espagne d'avoir un plus 5 de force militaire sur ces dites civilisations. Dernier ban du côté de LSC. Qu'est-ce qu'on va enlever du Sif Pool? Est-ce que c'est Il reste encore le Hongrie. Hein.
Bah ouais, ils peuvent peut-être récupérer le Maori, la Steak Company, parce qu'ils sont en réintroduction de draft, donc c'est eux qui vont avoir la prix au pic. Donc un petit Maori, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Peut-être un Khmer, pour aller fit un peu ce Gandhi sur les lieux saints, le scaling, pourquoi alors, pas moi j'aime bien, mais après tu vas avoir une composition qui va manquer un poil de gueule quand même. Si tu vas pas être sur des trucs plantation où tu vas avoir généré avec ton langue un petit peu de confort gold, tu sais, en early game, ça va être un peu compliqué quand même pour pouvoir acheter les bonnes cases à gauche à droite pour le tour 35-36 pour que tout le monde puisse poser ses différents quartiers, etc. Donc je sais pas si ça va être privilégié. Par contre, coupé, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas un mauvais pic. Ça va permettre de prendre du gold assez facilement. Faudrait avoir un autre truc de tempo pour qu'il puisse aller justement sur cette côte. On a que du Nobias aussi du côté de LSC pour le moment, je crois. Mapouche, c'est un bias montagne, peut-être. Je crois que c'est un bias montagne. Ouais, T3, T4, peut-être un peu loin. On est Nobias du côté de l'Aztec. Aztec n'a pas de bias. Il y a Cléopâtre encore open aussi. Cléopâtre, c'est bien, je pense. Je pense que Cléo, c'est bon pic, hein. En vrai. Gorgo, Japon, il y a encore plein de civs qui se rébouillent très très bien sur Pangé Standard. Et en plus, Cléo, ça fait encore un match-up positif jusqu'au tour, tu vois, 50, 60 face à un adversaire. C'est-à-dire que tu vas avoir de la tempo un peu naturelle avec le bias plein inondable, tes Monkey, ton Panthéon, ton BO un petit peu tranquille et classique. Mais en plus, si t'es proche d'un adversaire ou si tu es en face d'une cive dite un peu militaire, bah t'as quand même les Marianou, quoi. Donc normalement, ton match-up, tu le gagnes face à quiconque dans la metagame. Donc Cléo, pour moi, je pense que ça serait un bon pic. À voir maintenant du côté de LSC, il n'y a plus que 10 secondes au compteur. Il y a toujours une goal aussi, histoire de pouvoir défendre, mettre des push avec homme d'armes ou quoi que ce soit avec le roi des éburons. On a l'Australie qui a un pic en last pick qui pourrait être récupéré du côté d'une des deux équipes. Et on prend le cri. Oh, le cri. Alors en vrai, Malm, je le vois souvent quand il joue le cri, faire, tu sais, il va sur Agogé et il fait une petite vague d'Okishito qui l'envoie sur le mec. Est-ce qu'il va le faire ce game? Je sais pas, mais je sais qu'il connaît le BO Oki. Le BO Oki, il le connaît et il le joue plutôt bien en vrai. Et on va voir des guerriers aigle aussi du côté de la Steak. On va voir un Mapouche dès le T30 qui va avoir son plus 5. Attention quand même, le early game peut être très compliqué si on n'a pas des sites qui vont avoir vraiment une solidité avec leurs différentes unités ou quoi que ce soit. Il va falloir faire attention en tout cas du côté de Deshark pour ce early game. Okishito, guerrier aigle. Ça peut faire des dégâts, que ce soit sur une cité-état ou sur votre ville, sur une plaine inondable par exemple. Attention. Et là, il a speak goal. Que des civs qui vont mettre de la pression sur les centres-villes en début de Allemagne game. Allemagne. Ah, pour la CS, moi je parlais des centres-villes adverses. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, mais Allemagne, tu vois. Ça... Et voilà, le petit coupe-coupe, la tempo France en plus. Coupe-coupe, moi je suis complètement d'accord. Hein. France, un peu plus étonné, pas toi? Pourquoi en vrai, la France a son petit plus 3, ça fait une cive militaire quand même, parce qu'ils n'avaient pas trop de cives Dishark en vrai, de cives dites agressives, tu vois, qui vont vraiment aller à l'agression. Mm-hmm. Donc toutes les cives peuvent le faire, tu vois, mais la France le fait très très bien sur le mid-game, avec l'espion, les coursiers, on peut peut-être deny une terracotta du coup à la team adverse, espion niveau 2. Non, j'aime beaucoup ce pick France en vrai. Et en plus, c'est le seul pick à Bias Rivière dans leur draft, alors qu'il y a 3 Nobias. Dans leur composition Nobias, enfin avec le costal du côté du Maori. Donc on va avoir un peu plus de chance peut-être d'avoir cette France au milieu de la map et avoir la possibilité de mettre des coursiers un peu partout sur les différents adversaires plus ou moins proches de celle-ci. Dernier pic du côté de l'Est. Alors est-ce que c'est une Allemagne? Est-ce que c'est... Toi t'avais dit quoi déjà? T'avais dit... La Gaule. Voilà, la Gaule. On va taper des centres-villes. les gars. Je peux vous dire qu'on peut, peut-être la win avant le T40 cette game. Avant le T30, avant le T20. Le Gezat, le Garyegle, l'Okishito. Les gars, va falloir partir tir à l'arc rapidement si on est au milieu de la map. Notre petite France, elle, par exemple, ça peut être un de ses BO. Archery directement. Voilà, à mon avis. La France risque d'être au milieu de la map. Au vu des bias, celle qui a le plus de chance... Après, comme d'hab, on sait jamais, avec BBS, elle peut te faire spawn sur la rivière, sur la péninsule. Qu'est-ce que tu penses des deux drafts? Il va mourir Gaston, non. Alors, en vrai... Merci André. Je préfère la draft de Dishark dans le sens où elle est beaucoup plus versatile. Et je pense qu'ils s'en sortiront, ils peuvent s'en sortir, peu importe leur position dans la map. Là où la Steak Company, il y a un peu moins de gros scaling, je dirais quand même. Gandhi coupé en free sim, moi ça me fait plutôt peur. Alors que, bon, Gold free sim c'est effrayant, tu vois, mais ça me fait moins peur qu'un Gandhi ou un Maori par exemple. Et si t'as ton cri qui est un peu frontline, ils sont les gold, tu vois, les GPT de early game un peu confort. Ouais, mais quand tu vas avoir Aztec, Aztec Mapouche à part Platco, tout le monde part Platco. Et
bah, on va voir, mais pour moi, c'est pas des pics qui font vraiment naturellement du goal. Le crit, bah, tu vois, il en fait vraiment confortablement avec son route interne, même son Magnux, etc. T'auras toujours ton petit 40 GPT, même si t'as pas trop de camp ou quoi que ce soit chez toi. Les autres, ça peut être un peu plus compliqué. On a des ups malons à faire. Peut-être qu'on veut faire des ups hommes d'armes ou quoi que ce soit. On n'aura pas peut-être beaucoup d'argent du côté de LSC sur un mid-game pour faire un push. Ça me rappelle un peu peut-être la situation dernière. Je sais pas si t'as vu cette game entre SPA et Deschark où on avait mis beaucoup d'argent sur un push de Apple pour ses coursiers français pour aller tuer le Maori. Oui, je l'ai vu. Oui, et donc bien du coup, on a mis beaucoup d'argent, tu sais, pour quelque chose qui a pas été en termes de rentabilité extrêmement extrêmement positif. Et là, j'ai l'impression qu'on va devoir économiser pas mal d'argent pour un truc qui va devoir être vraiment positif parce que sinon la suite de la partie va être compliquée. Et ce dont je parle, bah, c'est le push Malon qui arrivera à tour 50, 55. Quelque chose comme ça dans la partie. Donc si on a du mal à faire du goal, et au vu de la composition, moi j'ai l'impression qu'ils vont avoir un peu de mal à faire du goal, surtout si la position du Kree est plutôt front lane justement dans la partie, on risque de passer une game compliquée du côté de l'essai, un peu derrière tout le temps. Et on le sait, quand on passe une game un peu derrière, au moins, on est moins confort pour ses plans de jeu, pour agresser, pour comprendre en fait le sim backlane, pour aller voler la grande bibliothèque, pour penser à son colisée, etc. etc. Bah après, en vrai, c'est un peu une draft, je dirais presque gumble, du côté de la Stake Company, parce qu'en en vrai, vraiment, tu vois, s'ils spawnent vraiment bien, ouah, par exemple, t'es Gandhi, tu spawns au milieu de Nade, de, non, pardon, de ah, tu spawns un peu Rix, Tezuma et les Oki, là, ouah. Oh, déjà, tu poses ta B2, t'as des grosses gouttes de sueur. Et t'avais 3, pouf. Ah mais je suis d'accord que... jamais sortir, hein. Parce que, il peut y avoir des dérapages très rapides dans la game quand même. Je ne voudrais pas jouer cette game du côté de Deschark avant le T30. Après le T30, c'est bon, je vais bien prendre la game. Mais avant le T30, pouf, t'as la pression, t'as le palpitant qui a 200, hein. C'est sûr et certain. Ah mais là je te jure que les remaps, là, ça va être ok, on a vu qui est où. Le nom des rivières. Où le est le... Est-ce qu'on a vu Moctezuma où est le guerrier aigle? Oh mon dieu, il a 90 de militaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sachant que ça fait 28 aigle. Ça fait 28, 28 x 3, ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ont eu des huttes de gold, ils ont acheté un Gezat, on me dit dans l'oreillette. Alors, il faut y penser aussi, le Gezat, c'était un des problèmes que j'avais eu la dernière fois. On peut pas acheter de petits guerriers. Si on commence à se faire entourer par un guerrier de Nadersha avec une petite unité de la France ou ce genre de choses, eh bien c'est 120, 160, je sais plus exactement, le Gezat, le prix du Gezat. Donc on peut pas acheter un guerrier, il y a que fondeur, que éclaireur. Et c'est un peu BDC comme on dit dans le milieu. Je crois que c'est 120, je crois que c'est à peu près au même prix que le guerrier aigle. Donc ça peut être un très très un très bon avantage, un très bon point positif du côté de l'essai, ce Gezat qui va taper plus fort justement sur les centres-villes, mais ça peut être aussi un inconvénient à voir maintenant dans la game. Combien de remap? 2 remap? On est en playoff, les deux équipes vont remap, on est d'accord? Bah je pense que la draft de l'Aztec c'est vraiment du positionnement, tu veux vraiment aller bolos quelqu'un en early game, ou même si tu le tues pas, tu vois, mettre tellement de pression avec tes unités fortes en early, de le sortir de la game juste par cette pression. Donc je pense que l'Aztec va beaucoup jouer sur le positionnement, le remap est pareil pour Deschark, hein. On va vouloir que Gandhi, Nader, Coupé soient un peu dans les... Plutôt que Gandhi et Coupé soient dans les meilleures positions possibles pour pouvoir être ici mais vraiment carry la game. C'est quoi l'autre situation peut-être de LSC qui ne remap pas? C'est la prise de cité-état early game? Une prise de state à early game et peut-être un BOKI de Malm qui peut vraiment peut-être atteindre deux personnes assez rapidement. C'est lesquels qu'on voudrait bien atteindre rapidement? C'est pas le coupé qui lui va avoir des poissons à travailler, etc. J'imagine. En vrai, si, parce que le BOKI il est fait pour vraiment bully et empêcher vraiment les colons de sortir. Tu peux pas aller settle ta B2, B3. Et en vrai, c'est assez simple du coup d'aller deny un settle à un Maori parce qu'il veut très souvent settle sur la côte. Donc à voir. À voir. Et on est dans un bon spawn du côté du XPLI, messieurs, dames. Il y a des petites rivières, il y a des petites montagnes, on a des guilds. Je vois de la 3-2, de la 3-2, de la 3-1 ici. On a une petite 2-2-3 dans les parages. On va pouvoir se mettre sur une 1-2 avec des 2-2 à côté, de la plénondale, un petit sucre. Un matos de Tipila un peu loin, mais en tout cas, bon petit spawn du côté du Mapouche qui a l'air d'être au milieu de la map. Donc, à voir évidemment quel milieu de la map dont on parle, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal pour le moment. Il y a Cardiff en bas à gauche. Moi ça me fait pas trop rêver pour le push. Bah les attraits, on a beaucoup de jungle, des attraits. Ah je suis d'accord, ok. C'est ça le snowball, hein. Ah ouais, tu penses? Même s'il y a des bonnes heals.
On est d'accord qu'il a des bonnes heals, mais vraiment, les Shimamoul, c'est... Ah, la culture, la prod et tout, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, tu préfères avoir, par exemple, un bon attrait que, par exemple, un peu plus de heals en early game avec ton Mapouche? C'est une vraie question. Moi, personnellement, hein. Ouais. Moi, personnellement, okay. Je préfère. Je préfère avoir des bons Shimamoul pour bien snowball ma culture. C'est pourquoi? C'est pour toucher mercenaires, par exemple? Bah ouais, toucher des trucs plus vite, puis tu boostes à ta team aussi en early. Bon, alors, en l'occurrence, il y a la gold, mais du coup, tu peux boost rapidement des, merci, des petites histoires écrites en faisant un BO double campus, etc. Donc, plus de stats de science aussi, etc. Donc, moi, je préfère avoir des bons schémas. Mais ouais. Après, là, en vrai, il va avoir une très grosse cape. Ça va être assez explosif. Artemis, on nous dit dans le chat. Oh, il y a un bel Artemis. Il y a un bel Artemis. Après, est-ce qu'on le rush? Je ne sais pas. On verra. La Perse, juste en bas à droite. Ça, c'est un des premiers match-up de la game. Ils sont pas ensemble, hein, les deux. On a d'un côté Xpli, qui est du côté de la Steak Company, et l'autre côté, c'est Floppy, qui est sur le Perse, avec un spawn un peu moins bon pour le coup, mais on va pouvoir mettre un petit peu de Pyridaiza. La B2 va être sur le matos de Chipila, donc normalement, on arrivera à s'en sortir, on aura un free Panthéon, et il le verra normalement assez rapidement. À côté de lui, alors on va avoir quand même une choke assez facilement défendable, j'ai l'impression, avec une ville qui va être posée là, et puis après, on va pouvoir settle peut-être un petit peu dans le back, aller prendre les settles un peu moins bons, mais justement dans son back, donc du coup, le match-up contre le map push m'a l'air d'être plutôt ok avec cette front lane là. De l'autre côté, par contre, on a la goal. J'ai l'impression qu'il va surtout être un peu box avec cette goal, du coup, à sa droite. Parce que la goal, on va pas jouer sur beaucoup de villes. Hein. Elle peut intervenir par cette rivière là, donc double rivière quand même pour pouvoir traverser, mais on va pouvoir faire un push homme d'armes, peut-être statue de Zeus, profiter des rois et des éburons, être en front lane véritablement, avoir ses frontières collées à la Perse au fur et à mesure de settle vers lui. Donc du coup, c'est plutôt positif, je trouve, de se faire un 2v1 contre la Perse, là justement, avec le Mapouche et la Gaule. Je dirais que c'est pas une position facile du côté de Machat, du côté de Floppy pour le moment. À voir maintenant comment se passe la map, tu vois, et comment se map passe surtout la position des autres. Alors, LDK est apparemment un peu tout seul. Il y a la France de Pipo qui est au sud de lui. Par contre, la chaîne de montagne, t'es frissime là. Alors t'es plutôt frissime, et pour faire un peu de dégâts avec ton guerrier, ça va être difficile. Hein. Va falloir tout traverser. C'est fastidieux, comme on dit. Oh, bah là, il y aura pas de. Bah là, c'est juste une Aztec frissime. Est-ce qu'il a un split continent ou pas? Avec la chaîne de montagne, j'imagine. Ouais. Ok. Deux splits, c'est ok. On pourra monter facilement si on arrive à mettre une ville sur la porte. Et elle est tellement petite la le rouge là. Et on n'aura pas les gardes impériaux du côté de la France, hein. D'ailleurs, non la plus, France ouais, aura les gardes impériaux sur son partenaire, le Perse, s'il en a envie. Est-ce qu'on a quelqu'un en bas à droite? On n'a personne en bas à droite, donc c'est-à-dire que tout le continent en bas à droite est pour la France. Il n'est pas terrible, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, c'est le cas. Donc on a un petit peu du free sim du côté de la France qui va être derrière la montagne par rapport à la Gaule. La Gaule pourrait, elle, aller peut-être dans cette zone-là, ça pourrait être un petit peu risqué parce que justement, on est pas loin des gardes impériaux si on commence à les mettre B4, B5 dans cette zone-là du côté de la France. Un bon spawn du côté de Pipo. Banane 3-2, petit cacao, on a de la plantation, moi j'aime bien. On va faire beaucoup de gold avec cette France, hein. On a vraiment beaucoup de plantation, hein. C'est incroyable, hein. Thé, cacao, même on a les petites bananes, on a vraiment beaucoup de cacao. Hein. Ouais. C'est un truc de malade. Et je trouve que c'est rush pas mal. Rush irrigation là, rush irrigation non. Bah, rush campus irrigation. Campus irrigation là, ça me paraît... C'est Ring 3, ça c'est un peu cher. Faudrait que tu arrives à trouver un truc, tu vois, qui arrive à te mettre un petit campus plus 3 avec une petite place de gouffre pas trop chère et tu tournes autour de ça. Là, oh waouh, au-dessus, c'est beau hein, aussi. Hein. 3-2, enfin, 3-2. On a des belles expandes. Ah, c'est bien, c'est bien. La Gaule, on n'a pas trop regardé son spawn. Bah, c'est pas terrible, hein. On n'a pas d'Oppidum. Les Oppidum, si on a, ça va, on a un plus 4 sur la cape, mais après, on en a un plus 4 en haut entre deux carrières. Ça va en vrai, deux Oppidum plus 4. Ouais, c'est incroyable, mais c'est ok. Ça donne pas trop envie, hein, pour être franc avec toi. Tu vas être obligé, tu vas te mettre où? Tu vas mettre là pour pas casser le Servidé, parce que Servidé, deux chop là comme ça, en early game, ça va te faire chier. Tu vas le mettre peut-être de l'autre côté, je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire, comment il va nous cook ça. Mais j'aime pas trop les expandes non plus, parce que encore une fois, tu vas faire quoi? Ton Oppidum, tu vas le mettre là, parce que ça va être ta B2 ici. Ah, c'est... En vrai, franchement, c'est chiant, un mauvais spawn de Gaulle. C'est un mauvais spawn de Gaulle. Parce qu'en plus, il est dans les montagnes. Cible. Tu veux juste, en vrai, vraiment, un autre joke avec la Gaulle, tu veux juste être dans du land, pas une montagne, plein de collines partout, c'est tout. Parce que t'es... Et ça, ça te dérange pas si t'as quelques carrières à côté, si tu mets un bel Oppidum, parce qu'après tu feras moulin, ferme, machin, etc. Si t'as quelques chops, c'est pas un land que tu détestes. Mais je suis d'accord avec toi, là, les montagnes, le manque un peu d'espace, les Oppidum qui se mettent pas super bien. On va voir comment ça se passait, mais c'est pas terrible. On n'a pas regardé à gauche la map.
le coupé et le grand. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Frissime. Apologie totalement frissime. Alors, sur un coin de la map, à côté de l'eau, à côté de son coupé, donc ça veut dire quoi? Une relation trade costale très facile, le prédicateur ou en tout cas le spread chez une personne facilement aussi, beaucoup de points positifs, pas de personnes aux alentours qui pourraient nous faire vraiment chier. Attention quand même, on a le cri qui est ici, on l'avait pas vu. Est-ce qu'on a beaucoup de bétail? 1, 2, 3, 4 chevaux en ring 3. Allez, 6 avec le mouton. Non, 4 chevaux, 5 avec le mouton. Mais c'est un peu compliqué à aller chercher, c'est du ring 2 ou du ring 3 la majorité. Donc ah, c'est un peu chiant. Un petit peu chiant. Et le spawn n'est pas si bon que ça non plus. Non, les expans ne sont pas incroyables. Alors après ça va parce que le sud, parce qu'on a l'impression que ça manque de bouffe, mais bon, comme du coup il a pas mal de pâturage sur sa cape, ça compensera avec les routes internes. Ça c'est bien ça, hein, ce land là. Ouais. En vrai, ouais, c'est pas mal pour créer. Et regarde là, 2-3, 1-3, 2-2, du chop. T'es sur du jaune. Non, les deux expandes ici et là sont vraiment très très bonnes pour un cri, comme tu le disais, avec la possibilité d'avoir plus de food avec le bonus du cri, tout simplement. À chaque fois que vous travaillez un camp, vous avez plus 1 de food sur vos routes internes. Ok, on est et tour 4. Maori vite fait. Qu'est-ce qu'on a besoin avec un Maori? On a besoin de poissons et de bois. Qu'est-ce qu'on a? Des carrières. On a des bois, les poissons par contre... Oh, les carrières. Chiant, chiant les carrières. Très très chiant parce que du coup là il y a deux campus qu'on peut pas poser ici. c'est pas grave. Tu trouves que c'est pas grave? Je trouve que c'est oméga chiant ce spawn de Maori. En vrai, son spawn est trop chiant à jouer. Parce que même les autres quartiers qu'il peut poser, il est dans la jungle. Donc du coup, il est obligé d'aller tech try du bronze pour poser des campus. Ah, c'est chiant. En vrai, c'est chiant à jouer. Là, il est parti arbor. Oui, c'est joué, hein. Bien sûr. Mais. Il va, donc, chiant à jouer, il va donc partir arbor. Oh, bâtisseur de notre côté, haha, bien sûr. Mais il n'y a rien à travailler. Un peu dommage du côté de Joss. Donc il va partir donc arbor. Il va se mettre sur cette côte-là, tu vois, en bas, en haut. Il va devoir faire son petit Magnus interne. Il va pas pouvoir travailler quoi que ce soit. Je vois même pas de ressources de luxe hein, sur son land. S'il y a une petite agrum ici. Campus qui va être difficile. Attends, c'est pas comme continent. Ah. C'est l'océan. Violet, ok, donc là, les continents c'est comment du coup? C'est réparti à deux... deux continents à à deux. Les Berk à deux continents et la Steak en a... Oh, la Steak, ils sont tous sur le violet. Ouais, mais... Ah, ouais, ouais. On est au bord des autres. Mais t'as quatre joueurs sur le même continent de départ, c'est chiant quand même. Ok, je suis d'accord que c'est un élément de remap en plus. Dans ton analyse, dans ton argumentaire, tu dois y penser. On regarde les cités-états. Est-ce que ça peut être game breaker dans cette game en vrai, les cités-états? Il n'y a qu'une seule bleue. Il n'y a pas de campus opening de folie normalement dans la game. On aurait pu avoir pas mal d'oranges qui auraient pu bénéficier justement à la goal, entre guillemets. On a Auckland, Cardiff, Bruxelles, justement comme cités-états orange. On va avoir 3 cités-états rouges, Lavalette, Preslav, Lahore. 3 cités-états jaunes, Hunza, Venise et Zanzibar. Ça, c'est pour toutes les plateformes commerciales et Arbor Opening. Une cité-état blanche et une cité-état violette. Voilà. Pas grand chose à dire là-dedans, en vrai. Hein. Ouais, voilà, je suis d'accord. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est des CS, ça me fait rêver, moi. Auckland, qui est ici d'ailleurs, qui devrait être scouté d'ailleurs par le Maori, s'il envoie une petite unité dans l'eau et qui voit justement sur les côtes un petit guerrier, une petite unité de la part de la cité-état. Alors, est-ce qu'on s'est vu ici? Je crois qu'on s'est pas encore vu du côté des joueurs. On va traverser peut-être cette rivière du côté du Gaulois. On a peut-être remarqué le nom des rivières, comme on le disait précédemment. Lac du Bourget, non, ça c'est pas russe, pas de problème. Ouais, on va pas tarder à se rencontrer. Oh, le petit bâtisseur. D'ailleurs, on est parti quoi de la part des joueurs? Est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers? Campement, voilà. J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs particuliers. Floppy, travail d'exploitation minière pour aller travailler ses carrières en début de game. Il aura des 2-3 et non des 2-2. Donc ça, c'est pas mal. Petit Panthéon aussi qui va pouvoir récupérer avec sa B2 à côté du matelot Tipila. Il va prendre sûrement un DSD carrière, j'imagine, s'il travaille 2-3 carrières en début de partie. On en a même qui sont derrière. Peut-être un posage sur le T à la limite, alors qu'il serait un peu bolgy, mais pourquoi pas. On pourrait partir en menu hein, avec son spawn. Hein. Il y a des joueurs du côté du Ulysse. Ils n'hésiteraient pas une seule seconde. Je pense pas que Floppy va partir en menu. Je suis d'accord, mais je dis. Parce que DSD, j'attends, carrière, bon. Tu te mets sur une petite cité, de merveille de foi, ça joue. Hein. Commence à avoir. Alors, c'est pas une bonne DSD de la Terre, évidemment, mais bon. Il peut y avoir quelque chose. On a deux scouts en bas à gauche de la map du côté de XP. Il n'y a rien à scouter excepté des cités-états. À cet endroit-là, on va remonter un petit peu sur le Perse et on est en train de le trianguler actuellement avec les deux scouts. Un troisième du côté de la Gaule. Attention, on est tour 10 maintenant. Est-ce qu'on va avoir un remap du côté d'une, de l'autre équipe?
Je crois qu'on aime pas trop la position du... Moi je pense que c'est la frame up côté steak en vrai. Ouais. Je suis plutôt d'accord. La goal a pas un très bon spawn. En vrai, le cri, son land est pas non plus incroyable. Soyons honnêtes, il va être très vite box. Ouais, et je pense qu'il a pas choisi le bon settle. Là, le settle back. Le settle back après, sur le maïs. Il a peut-être pas scout le settle sud. Regarde, ça, ce settle, il est bon quand même là, non? Il est bon, mais il est un peu lent. Peut-être qu'il veut un settle rapide pour la B2. Il envoie la B3 4. Directement. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 tours, là, t'es là. Et là, tu te mets sur un maïs, t'as un petit. Surtout peu plus qu'il de pas... Peut-être qu'il a voulu gamble, je sais pas en vrai. Peut-être qu'il a voulu un peu gamble. Alors, plutôt un remap du côté de LSC. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat? LSC remap ou plutôt des sharks? Moi, j'ai l'impression que des sharks avec ce Gandhi un peu dans le bac, le coupé qui sera là pour front, ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Le point négatif, c'est qu'il y a quand même un cri qui va pouvoir mettre de la pression ici, justement, sur ce plan de jeu-là. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tous les joueurs de des sharks qui peuvent se prendre de la pression si LSC joue bien. Tu vois, alors que c'est pas le cas du côté de LSC. J'ai l'impression que cet Aztec n'aura aucune pression de la game. L'Aztec remap. C'était pas incroyable en vrai leur spawn. Oh, 2-3, j'avais pas vu. 4-0, 2-3. Qui a été pas mal. Hein. 4-0, 2-3, je connais un joueur du côté de Ulysse. Il part au colon first. Hein. Guerrier ou pas hein. Il met automatiseur, shift enter. Ah, il est parti. Et on le connaît tous. Ok, 1-0 du côté de Deshark, un remap à 0. Rien à dire, je pense, pour les openings là actuellement. Il n'y a pas eu de dinguerie qu'on a vu. Non. Ça, en vrai, par contre, je suis en train, juste pour avant de passer à la prochaine game, l'Aztec, il avait une death des camps. Death des camps. Elle était. Il avait une death des camps, il avait 7 camps, je crois. Ouais, j'ai vu, il y avait du miel, etc. Il y a du cerf. J'ai pas remarqué, mais. Ok. Quand on a du gold autant en early que ça nous permet justement de faire des plays aussi, vous voyez, de transition de snowball du early au mid game. C'est-à-dire, tu vas faire en sorte de faire 3-4 villes pour avoir un cumul de production pour 10 tours après afin d'être très très pertinent sur le tour 45-50. Et quand tu as un petit peu de gold que tu peux économiser 300 balles et EP des unités sur le moment où tu viens d'avoir une nouvelle technologie pour débloquer une nouvelle unité militaire, c'est extrêmement pertinent, extrêmement clutch généralement dans les games à haut niveau. Donc c'est beaucoup ce qu'on recherche, essayer de mettre de la proactivité dans les games. Voilà, donc une death de la chasse, c'est top. En vrai, quand t'analyses un peu, c'est logique, l'Aztec remap, goal, pas spawn incroyable, le creep, il est bord de Tundra, il avait pas vu la côte à droite, mais t'as se proche de la côte. On est que sur un seul continent, enfin au niveau des caps de départ. C'est quand même beaucoup de choses, tu vois, qui disaient quand même, le remap est... Ouais. Le remap est bon. Le 5 plus 4, diraient certains. Campus. Sinon. Ouais, peut-être un campus, hein, Stico, t'en penses quoi? Paris, qui a été settle du côté de la Pipes, il est au milieu de la map. C'est ce qu'on vous disait un petit peu avec les Bias Rivières. Et bien, on est plus généralement un peu plus centré. Et là, on a plutôt ce qu'on veut généralement pour enclencher du play coursé un peu partout sur la map. Est-ce qu'on a des gardes impériaux? Non, ça sera pour la défense. Au niveau du garde impérial, je vous rappelle que le garde impérial, une unité qu'on récupère sur Science Militaire et qui va bénéficier de gros bonus sur le continent d'origine de la capitale française. Donc, on a Pipo au milieu de la map. À gauche, on a Aduataka, c'est Chuck. À droite, on a Teo Chichan, c'est l'Aztec, c'est LDK. Ça a l'air d'être plutôt positif actuellement. On n'est pas very close. On est un peu en mid-range. C'est parfait pour essayer justement de mettre la pression à gauche, à droite sur le tour 50 avec un espion ou deux, etc. Enfin, un espion déjà. Et essayer de mettre la pression sur quelqu'un, je trouve. T'en penses quoi? Ce positionnement est pas mal en vrai. Au milieu de deux joueurs de... Et même trois là. Regarde. En vrai, il peut faire une très grosse game. Comme ça peut flop et il peut se faire contenir. Je suis d'accord. Comme ça peut oméga flop. Et pourquoi aussi? Parce que la France, ça n'a pas de tempo de base. C'est une cive qui est vraiment très vanille. Vous avez vos bonus militaires, vous avez un château qui va arriver sur féodalité, je crois, qui va vous apporter de l'habitation, de la culture pour arriver sur nationalisme plus rapidement. Mais sinon, en early game, si dans votre BO, il y a quelques accros, vous allez pas être bien au-dessus de quiconque en fait dans la partie. Vous allez peut-être vous faire stall parce que vous allez manquer, on va dire, de snowball dans la partie. Là, par contre, on a une petite B2 sur une 1-2 avec une 3-2. Il n'y a aucune 2-2 en face. Faudrait une petite crue supplémentaire. Les B2, là on a une petite ville ici qui a l'air d'être très sympa. On a de la science à récupérer. Il y a une game à faire du côté de la Pipes.
Mec, il y a surtout le cri aussi au nord, il est au milieu de toute l'équipe. Oh, je l'avais pas vu! Oh la vache! Donc, hé! Au niveau positionnement, on a vu un mec. Au niveau positionnement, on est d'accord? Tu la remontes jamais? Bah là, bah après, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les infos autour du remap, Bien mais sûr. s'ils ont l'info autour du remap, mais encore une fois, ça peut être à double tranchant parce que là, ça veut dire que le milieu de la team adverse, tu peux avoir dans ton land les guerriers aigles, des Jezzats, des Oki, tu vois, ça peut vite déraper aussi, quoi. Est-ce que les unités sont parties au milieu du côté des différents joueurs? Oh! Oh! Comme la musique là. Ouh, c'est chaud, vous savez quoi? J'ai l'impression qu'ils imaginent qu'il pourrait y avoir personne en haut au milieu d'eux. Non, je pense pas en vrai, parce qu'il y a vraiment la À voir, distance, bah, il à y a voir. vraiment la distance pour qu'il y ait quelqu'un au milieu d'eux. Je pense pas qu'il fasse cette erreur-là, mais le Jezzat qui part en haut à gauche, ça m'étonne un petit poil quand même. Mais bon, voilà. On regarde au milieu, là, il y a Kilimanjaro aussi. 4-2, 3-2, 3-2, 3-3, Ouais. 3. Et un superbe Ambre en 4-2-1 qui ira être settle, qui sera settle à un moment de la part du cri normalement. Où sont les autres joueurs du côté de Deschark? Nous avons un Gandhi qui est sur ce bout de terre, qui va être normalement assez bien sur ce bout de continent-là. On va voir du land aller settle, des chops un petit peu partout. On va voir un fight naval normalement contre l'Aztec si on se settle cette côte-là. Et puis c'est tout, hein. On va faire son petit jeu, son petit sim, et puis on est bien avec un Gandhi là. Et FreeSim, en plus, le land a l'air plus que correct en termes de yield. Franchement, un grand FreeSim, c'est tout ce qu'ils veulent, hein, je pense. Hein, Suis qu'ils d'accord. partent Arbor, qu'ils partent lieu 5, qu'ils partent vraiment, hein, S'en vraiment fout. très 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 agréable. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a Genève, une cité-état. On avait Mogadiscio, cité-état jaune aussi. Hunzad, une deuxième cité-état jaune. On a quatre cités-états bleues dans la partie. Bonjour et Quoi? bienvenue, les campus opening de la partie. Là, normalement, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Comment est-ce qu'on est du côté du Mapouche avant qu'on regarde les Ouais. CS? Au niveau du spawn, On est sur des Ouais. moutons. On est sur du mouton. Les attraits? J'ai l'impression qu'on aura des meilleurs attraits là. Ok. Un petit peu. Ok. Un Est-ce que petit peu, ça se travaille. ça se travaille vraiment? Est-ce que alors comment ça marche le schéma moule? C'est sur des époustouflants, hein, on est d'accord. Il me semble que c'est sur des époustouflants et que ça scale aux fonctions de. La prod et la culture que tu gagnes augmentent au fur et à mesure du niveau de l'attrait de la case. Donc du coup, époustouflant, ça commence à 4. Okay. Donc il faut au moins de la 4. Ensuite, du Faut coup, de la 5, donc tu 4. gagnes un prod de culture. Ok. 6, tu gagnes un prod de culture. Mais Ok, ça ok. se travaille l'attrait. On peut faire Liang Park Urbain pour Ouais. augmenter l'attrait. On peut peut-être imagine une petite Reyna qui augmente les attraits Oh, dans la oh, capitale. oh. Bonjour Je n'ai jamais Asticos, vu encore ce une play. fois. Si, si, Je si, n'ai jamais vu si. ce play, mais. Sur le Mapouche? Ok, peut-être que je l'ai pas vu alors, mais. Mais Asticos a tout fait par rapport à ça. Ah, Les pardon, pardon. Reyna Opening, monsieur, s'il vous plaît. Petit bâtisseur du côté de la Hunza. C'était chaud à prendre en vrai avec si peu de yield. Mais bien joué à elle. On a trois scouts du côté de N'Goulou Mapo. On va voir le colon qui va sortir dans 5 tours. Pareil du côté de Paris. On va regarder les deux derniers joueurs du côté de Deschar. Il y en a un. Oh, il est. Oh là Oh! là, il est tellement Il est frissime! tellement freesim. Par contre, il est un peu box par les montagnes. Ça va qu'il y a quelques emplacements où on peut Mais balancer du settler. écarte-toi, il va mourir C'est-à-dire, on va d'instant, pouvoir non? mettre un petit settler peut-être ici ou un peu plus loin pour aller se conserver une petite case sur la côte. On va pouvoir envoyer un settler sur la carrière pour avoir un super land de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. D'ailleurs, ça peut être un de ces settles B2 ici, hein, pour aller poser n'importe quoi après. Et puis, bah, on va sim. On va sim jusqu'à l'infini avec une superbe ville avec double tortue ici, double sel en plus avec un ambre, avec une 1-4 qui va être activée sur Premier Empire. C'est un bon land Maori, ça, Softstyle. Toi qui es représentant Maori sur CFR. Je suis représentant Maori, Tu es ok. représentant Non, Maori. en vrai, son land n'est pas trop mal. On est Frissime, on a du poisson. Là, on a trois poissons directement. Puis on a le bâtisseur, on est parti bat first, j'ai l'impression. Enfin, là, sa game. En vrai, il va avoir une tempo. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On a tellement de forêts, genre, on va avoir de la prod. On peut avoir des stats facilement avec ces montagnes, campus, port. Enfin, ça va être. En plus, ces campus sont pas chiants à poser, contrairement à la map d'avant. Non, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et s'il take pas chevaux assez rapidement, il va pouvoir peut-être mettre sa petite place de gouv avec son petit arbor. On va voir comment il va faire. Mais il n'a pas besoin de taker en plus horse normalement assez rapidement dans le jeu s'il n'y en a pas la nécessité. Après, du côté de la France, normalement, on aime bien quand même avoir quelques chevaux en early game, surtout au vu de sa position. Je voulais mettre une petite note par rapport au cité-état. J'ai l'impression que. Les joueurs LDC les verront plus rapidement dans la partie. Voilà, on est plus positionné à côté de Cité-État, il y en a plus à côté de nous, Nalanda du côté nord, Fess ici, on a Shinguetti aussi, alors qu'il servira
majoritairement plutôt à Gandhi ou au Maori, parce que le Maori va avoir des build orders avec un petit dieu saint, avec éducation jésuite, etc. Donc on aura, j'ai l'impression, un peu plus d'informations concernant les cités-états. Dernier joueur du côté des Desharks à regarder, analyser, c'est le Perse. Le Perse, bon, on a un petit peu de deals un peu partout, on va pouvoir choper tout ça, on va pouvoir mettre des paris d'Aiza pour avoir un peu plus de culture, on va voir des campus sympathiques à poser avec une petite place de gouffre, pourquoi pas. On a un land plein inondable, donc pourquoi pas une Reyna aussi, manque un peu de chop quand même sur cette ville-là. Et puis après, des petits lacs qui manquent un peu de heals, pour être tout à fait franc avec vous. On va peut-être essayer d'aller voir un peu plus avec ces cases de forêt trop, les cases de bois ici, des chops. On va essayer d'aller peut-être aussi un petit peu en bas, aller profiter de la fissure géothermique. Mais va falloir faire attention à pas box non plus notre perse. Va falloir trouver un plan de jeu pour faire en sorte que ce land soit aussi pertinent, impactful dans la partie. Alors ça peut être quoi? Peut-être prendre la frontline avec le Gaulois ici, voilà, avec cette montagne qui se dessine un petit peu, cette frontière naturelle qui se dessine avec le Gaulois, et réussir à lui mettre peut-être un peu de pression. Mais mettre de la pression à un Gaulois, c'est un peu compliqué dans une game. Il y a un spawn intéressant du côté de Chuck. On n'avait pas vu ça. Ouais, bon, c'était pas arrêté sur lui. On a beaucoup de yields, mais par contre, on n'a pas d'obidum. attends, effectivement, on a nos petits dooms à côté du cheval ici. On en a donc en plus 2 uniquement. Voilà, on a encore un petit plus 2 là, si on en a envie. Alors, les yields sont incroyables, ça je suis d'accord, mais du coup pour tes oppidums, c'est très chiant. Parce qu'en fait, le truc de la goal, c'est que c'est une sieve qui est assez low stat. En fait, on focus beaucoup les yields grâce aux oppidums. Avec la goal, on dégueule en général de production en early game. Et là, du coup, donc on va avoir des belles yields, mais je sais pas trop. Hein. Les oppidums, c'est vraiment ce qui te donne à la goal la tempo, le boost de l'early game pour transitionner sur un play militaire, le late game, etc. Donc là, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas des très bons oppidums, et les prochains, comment ils s'en sortent. Et les prochains sont pas faciles à trouver non plus. Hein. Voilà, je le dis, j'en vois un petit en plus 4, voilà, ils ont bien vu leur map, bonne vision de jeu, nous d'autre point de vue spectateur, cette map doit pas être remap du côté des Desharks, on est d'accord, Saftin? Non, je pense pas qu'ils devaient la remap. On a Gandhi, Maori, Frissim, je pense qu'ils l'ont très vite analysé, au vu de leur positionnement, ils savent que la France est toute seule au milieu de la map, donc potentiellement au milieu de 2, 3, 4 joueurs, non, vraiment, ils ont un super positionnement là-dessus. Oh, on a déjà le Panthéon? On a déjà le Panthéon. On a eu 10 de fois. On a eu 10 de fois. On a eu 10 de fois. Oh, le roller. C'est tranquille. Voilà, j'ai envie de te dire. Dieu de la mer, 4-2-1, 4-2-1, avec deux petites 3-2 en plus. Premier empire qui va arriver, ça va faire de la 3-3. Colon en 5 tours. On est parti. On prend la mer, on hisse la grand voile, et c'est parti pour le Stonewall du côté de Joss. Wow. Il y avait un truc que je voulais dire avant que tu enchaînes. C'était la relation trader-naval. Facile à poser. Genre, une ville. Ça, je voulais... Vas-y, pardon, excuse-moi. Je voulais en parler. Ouais, c'était juste une ville du côté de la Perse, et puis tu vas voir facilement justement ta relation trader naval, whistlebanken, mercenaire, quand tu veux, alliance. Enfin, tu vas voir du gold plus que les adversaires normalement. Je voulais en parler de cette Perse en fait, parce que finalement, juste avant qu'on switch sur les belles îles de la Gaule, c'est que en fait son land à plat le land à droite de la Perse est extrêmement plat, et en fait, finalement, ses exploits naturels, ça va être une petite ville sur le lac en bas. Et après, en fait, c'est juste, tu prends la rivière en haut, la rivière au sud et la côte à gauche. Et il y a même un monde où, du coup, il s'étale pas, quasiment pas à droite. Parce que vraiment, la rivière à droite, elle est très nulle. Hein. Tant que t'as pas construction... Oh ouais, mais même, est-ce que t'as envie d'utiliser de la production de bâtisseurs pour aménager une ville qui va être donc frontline d'une goal, etc. Je suis pas sûr, tu vois, en termes de stratégie de teamer. Tu vas peut-être utiliser cette ville avec un Magnus, tu vois, pour mettre des chops, tu vois. Bon, alors, c'est un Perse, donc ça sera rarement le cas. Ça, c'est Firaxis. Firaxis vient de t'aider, fertilité accrue sur 4 cases. Ça, c'est niant. Cette ville, elle est ok en vrai. Voilà, bam. Tu vois, une ville moulin et t'es Menanki. Bah, voilà. Cette ville peut être ok, tu vois. Mais genre, après, les restes à droite, là, c'est fatigué. Hein. C'est très fatigué, je trouve. Et comment on fait du côté de Floppy pour. C'est Floppy qui joue le Perse ? C'est Floppy qui joue le Perse. Comment on fait pour Floppy, justement, pour avoir un impact dans la partie ? On essaye de trouver, justement, un play avec Shinguetti et partir dans le bag vers le cri. On essaye de faire quoi ? Parce que sa game m'a l'air donc d'être. Trouver le trade naval évidemment avec le Maori, mais après être en supériorité, réussir à outsim un Gaulois dans cette position m'a l'air d'être dur. Oh, l'opidum plus 4 ici, on plus 6. On a deux opidums, on a un plus 6 et un plus 4 pour deux villes. On a même un autre plus 4. En vrai, les opidums au nord sont ok. J'ai en train de voir là les petites carrières, etc. On a des belles possibilités du côté de Chuck, okay. Mais ouais, bah dessus, non, c'est.
c'est juste sa cape en vrai. C'est juste sa cape que c'est. Ça fait pas rêver. Par contre, on a une sacrée tempo avec ces trois bananes. C'est si rapide. Non mais attends, que l'on prochain tour, on a deux tours du côté de ce snowball du Maori. Rappelez-vous, hein, avec Dieu de la mer, 4-2, etc. Et bah, on est en avance du côté du Gaulois. Et lui aussi, il va falloir qu'il fasse une grosse game. Regarde la France. On est 5 tours le colon. Regarde la différence de tempo. Par contre, on a eu un petit. Feu de forêt. Alors feu de forêt qui vient de. Bah, c'est... Il y a eu... On a perdu un pop ou pas ? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a eu un pop qui était. Tu peux le voir, je crois, si tu regardes la météo. Effectivement. La météo, la tempête faiblit, la météo ici, tu veux les événements ? Ouais, événements, on n'a pas perdu de pop sur le feu de forêt. Tu vas se faire utiliser une actuellement. Oh là 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 là, comment ça se passe ici ? Commence à taper, mais bon, il faudra plus. Oh, on a déjà cette minute. Le bâtard. Et d'ailleurs, la steak, du coup, le split continent, est-ce qu'on peut. Un split continent négatif. On en a qu'un. Après on est sur la côte, est-ce qu'on a peut-être des... on peut peut-être récupérer des petites tortues ou autres pour récupérer, mais bon ça va être chiant. On va pas monter très haut sur le bonus, sauf si on tue la France. Eh c'est chaud hein, enfin c'est chaud, il doit être en train de tuer. Je me mets dans sa situation, je vois un Aztèque avec un guerrier aigle, il y a un Mapuche qui est pas loin, Il a pas vu le Mapuche, mais viens bientôt le voir. Il va settle sa ville, il a déjà acheté un frondeur. Est-ce qu'ils ont déjà du gold en banque? Ils sont en train d'économiser au cas où, regardez-moi ça, Pipo, 88 balles, rachète un guerrier. On va acheter une case et peut-être on va acheter un guerrier après dans la ville derrière. On va voir comment ça se passait. Par contre, au niveau des yields, 2-3, 3-3, ça va un peu mieux maintenant. On va trouver peut-être cette tempo qui nous manque naturelle du côté de la France. Oh, les deux scouts qui arrivent au sud, ils peuvent être assassins. Hein. Parce que là, le prochain colon de la France, il va partir au sud ou... Bah si, au sud, je pense pas qu'il va partir au nord. Là, ces deux scouts, s'ils sont bien joués de la part de l'exploit, ils peuvent vraiment faire des dégâts. On va s'étendre la ville et je pense qu'on va acheter un guerrier. Hein. Je pense qu'on va le faire direct. Hein. Le guerrier, allô. On a déjà mis un coup dans la ville quand même. Je pense pas que ça fera quelque chose, mais ça force déjà. Psychologiquement, t'es là en mode putain, fais chier quand même. Hey, c'est les playoffs, ça fait chier. Tu perds ta B2 sur guerrier aigle. C'est relou. Là, la pression psychologique est massive déjà. Massive. Non mais moi je me mets à sa place. C'est genre je suis tellement mec. Est-ce qu'on peut continuer de taper avec les gens? Je pense pas. On a la colline en plus. Ah, victoire majeure. Je pense pas. Eu, par contre, en vrai, s'il y avait eu un scout en plus qu'on pouvait mettre du coup la ville en siège, je pense qu'on pouvait faire quelque chose. La ville en siège? Ah bah oui, carrément là. Parce que la ville en siège, là ça aurait été. En plus, ça aurait été chaud. Hein. Ça aurait été chaud. On n'a pas le level aller. Up. Par contre, on avait donc le plus 1, comme tu disais. Très intéressant. On avait déjà travaillé quelque chose. Le petit ambre, j'ai c'est l'impression qu'il était sur la plaine. Non, c'est la B2, non. On a cette. Bétail. Ah bah non, ok. Ok, on s'est décalé et on a tapé directement. Parti bad first pour le. Ouh, okay. Parti bad first, ouais, effectivement. C'est ça, bad first. On a aménagé deux ambres et on a le poisson. Ok. Et derrière, on a fait triple, quadruple colon du côté de la steak. J'aime bien. Il a bénéficié de sa tempo avec le bâtisseur first. Pas de monument. On a trois de culture en plus. On va aller chercher les dômes via ça. Et puis, on va essayer de bénéficier d'un peu plus de tempo avec un quatrième colon. Ça me convient. Par contre, premier empire, 4 tours. Et ça, là, je suis moins d'accord. Tout d'un coup. Ta première empire là dans 4 tours, c'est con. Pourquoi tu fais pas justement un petit monument? T'attends 4 tours, tu relances premier empire sur tes deux B1, B2. Ah, c'est vrai qu'il avait tellement de culture avec ses deux armes qu'on aurait pu, pu délai un peu. Ah, c'est un peu dommage. Ouais, est-ce qu'on a mis la carte culte impériale? Oui, et on attend culte impériale. Donc, du coup, dans 3 tours, on va changer sa carte et on mettra la carte des colons, etc. etc. Comment ça se passe ici? Deux scouts en plus. Oh, on a tapé. Il s'est passé. Il a pas tenté de mettre la. La ville ancienne. On a level up, attention! Ouais, on peut shift hunter. Oh, well played! Okay, première Pipo. Victoire! Oh là, Pipo qui fait smoothel des cartes. Première victoire, c'est chaud! Tire à l'arc, et boost! Là, en vrai, s'il avait eu la promote, il aurait été chiant. Oh, et la promote? Le plus 10 contre les unités à distance? Ou maintenant, le plus 7 là? Oh là là! Explique, il va où son colon? Il le voit? Ok, pardon. Tranquille. J'allais dire, il voit le scout avec la forêt. Ouais, si, il voit. Non, c'était Colin machin, c'était pas sûr. Hein. Je pense pas qu'il le voit. Mais si, il le voit, on est à la frontière. Ah, si, putain, je suis con. On est bêta. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, tu vas faire. On peut se mettre. Je suis fatigué, c'est le printemps, changement d'heure. On peut se mettre sur A2-2 en étant safe en plus du côté de Pipo ici. En allant travailler en la petite truffe, en ayant un spawn correct. Donc, pas de problème pour sa B3. Ça m'a l'air d'être bon.
du côté de Pipo. Je pense que c'est un peu chiant toujours avec les scouts de ma puche. Il faudrait faire en sorte que ce petit bâtisseur soit safe. Mais ça va l'air d'être ok maintenant. On va voir maintenant plutôt du côté des autres joueurs. Okay. Attention, il y a quand même pas mal d'unités ici. Floppy, un petit GZAD qui a été fait, acheté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le colon B4 pour Chuck. Rite initiatique. Ah ouais. Eh ouais mon homme. Oh, attention à la ville. Ah non, le GZAD va se mettre dedans, ça devrait aller. Ouais, il va Shift Hunter dedans. Et puis plus ouais, tranquille. GZAD 8 tours, ça c'est faux. Initiatique. Alors attends, je suis... Ok. Bah, je suis étonné en vrai. Bah GZAD, 120 gold. Si t'as rien d'autre à prendre, si t'as pas travaillé de early trucs, si... Alors il avait quand même des plantations de dingue. Je suis d'accord, mais t'es la Gaule. Tu travailles une mine, t'as une culture supplémentaire. Donc tu vas travailler quoi? Tes mines pour faire des meilleurs opidum ou alors tes plantations pour avoir une culture supplémentaire? Bah je sais pas, tu vois, moi j'aime bien Rite Initiatique. C'est safe, c'est collectif, c'est teamer, c'est... On se sécurise avant le T30, on a une énorme tempo en early game, on le sait. On est parti colon B4, il va sortir tour 20. C'est énorme, mec, c'est énorme comme tempo. Donc du coup, on se safe. Ouais, j'entends. Non mais c'est safe, mais je suis pas fan. Je pense qu'il y avait quand même mieux dans ça. Je pense qu'il y avait d'autres options qui auraient pu être meilleures. Mais je comprends en vrai le choix. Je comprends totalement le choix. Et là, on peut plus taper, hein, évidemment. De l'autre côté, tout se passe bien. On va travailler le petit cheval. Oh, regarde Malm, le cri, le colon qui a dû repartir de la France. Parce qu'on s'est fait deny le settle. Bah. Bien joué. Le guerrier, tu le vois. Sur la forêt de 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait normalement le temps. J'avais regardé avec Malm le scoop. Malm n'avait pas bougé son guerrier, donc okay. Il a dû traverser la rivière en last move, into first move, parce que peut-être on avait eu l'info, la colon en mode on l'avait pas vu, tu vois, du côté display, donc en mode bah le colon il va vers toi, tu vois, quand on le voit pas à un moment au sud, machin. Donc bon. Est-ce qu'on peut aller deny du coup? Non. On peut, hein. Non, on peut pas. Ah bah non, il peut pas aller là. Il est à close directement. Mais en jeu de Shift Hunter, tu vois, si tu vas sur la colline. Non, c'est impossible. Bah si. Ah non, c'est impossible. Ah mais non, il a encore tous ses mouvements, le colon a tous ses mouvements ou le... Le colon a tous ses mouvements, donc il va se déplacer là, il va se déplacer là. Ok, tout va bien. Hop, tranquillement, on a régène un petit peu, on a tapé. Oh, Chuck qui a bougé le scout, ok. Waouh, et bouger le scout là, il aurait pu avoir une troisième tape, hein. C'est chaud de taper à travers la rivière quand même, non? Bah ouais, de dingue, je trouve. Après, s'il avait pu taper avec ce scout là, Chuck a failli faire une erreur. Hein. Quand il est monté sur la colline avec le scout, il a de la chance que Pipo a pas bougé le scout pour prendre la case. Hein. Parce que là, avec 3 tapes en vrai, en siège, il y avait peut-être des trucs qui pouvaient se passer. Mais je trouve que c'est un peu. C'est un peu présomptueux quand même du côté des Sharks de tenter ça. Avec un GZAD dans la ville, à travers les rivières, sur une colline. Enfin, si ça passe. Qu'est-ce que c'est, Siv? Tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est trop sinon. Alors, on a un bon panthéon des plaines inondables au final, puisqu'il va y avoir. Il y a eu une autre crue ici, fertilité accrue sur une seule case, et on s'est mis sur la plaine inondable. On a le petit tabac peut-être à acheter, possiblement du côté de Floppy. On a 12 de foie actuellement en plus, donc on va peut-être pouvoir se prendre ce panthéon. Ça doit être peut-être même à lui. On va voir comment ça se passait. Est-ce que ça retape là? Non, hein. Hein, les gars. Non. Et on régène. Bah, en vrai, la ville est en siège. Hein. Bah ouais. Elle va plus l'être pour longtemps. Mais pour l'instant, elle est en siège. Pour l'instant, elle est en siège. On a été acheter beaucoup de cases ici. Alors, on avait récupéré ça avec le gros passif, j'imagine. Mais par contre, la 4-2, on a acheté 45 ou 40 de gold au niveau du cri, justement, dépensé pour les petites tailles. Death de la ville, super perron panthéon du côté du cri. Ça va nous permettre d'avoir les plateformes commerciales le plus rapidement possible et d'avoir la priorité normalement sur les marchands et avoir son snowball classique avec le Magnus interne d'un cri. On est ressorti sur une quatrième ville, c'est bien en plus puisqu'on va avoir une route supplémentaire du côté du cri, donc on aura deux routes directement. On va pouvoir faire par exemple une petite plateforme commerciale dans Paxo Ashik et faire son marché pour avoir la troisième route depuis cette ville qui est en train de sortir. C'est une bonne tempo aussi du côté du cri. On s'était pas beaucoup arrêté sur le cri, mais il a une bonne cap cri en vrai. Ça va vraiment... 4, bétail, 5, bétail, 6. On a une très bonne cap cri. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. On peut se mettre un petit Artemis aussi. On a beaucoup de collines à aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est sur du land jaune. Donc, du coup, beaucoup de production à les récupérer. Ça a l'air d'être pas mal. Par contre, celui qui est en avance actuellement dans la partie, c'est quand même Joss. Avec son Maori, il vient de débloquer premier empire. On a Arbor 2 tours. Évidemment, Dieu de la mer, 4 tours ici. On est sur 8 tours là. Elle est belle. Petit bâtisseur avec la perle qui est travaillée, avec la tortue, excuse-moi, qui est travaillée. On va aller acheter l'ambre derrière pour se faire sûrement un plus 3 d'activité. Et on a retapé
Eh oui, monsieur Lam. Oh, Pipo, il first move. Eh, là, je te jure, par contre. Oh, oh là là là, ça c'est. Oh, ça. Oh là là là, c'est Sylve, messieurs dames. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est des plays. Putain. Wow. Oh, mais tu sais qu'il a libéré la case. Non, oh, c'est un fou, tu vois. Et voilà les inconvénients de la Gaule, messieurs dames. Putain, un Gesad, ça ne tape pas dans un guerrier, ça fait de la merde. Oh la vache. Non mais tu sais qu'il a perdu la vie parce qu'il a libéré la case. Que le scout oui. C'est un vrai misplay, hein. Oui. C'est un vrai misplay. Oui, oui, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça pour taper le guerrier en fin de tour. Il a voulu juste en mettre un petit coup. Quel game déjà, on est tour 23, messieurs dames. Il avait une ultra tempo et maintenant il en est où? Mais il en est un peu derrière que les autres joueurs dans la partie. Et il n'est pas totalement irréel, parce qu'il a eu un spawn incroyable. Mais quelle décision et quelle prise de vie de la part de Descharmes. Bien joué à eux. Franchement, ah, là. Oh, il y a game, hein. Ah, il y a game, hein. Oh, la B3. En vrai, ça, heureusement qu'il a fait B4 fast, parce que là, il va du coup déjà reposer la ville. Ouais. Mais ouah, c'est chiant quand même, hein. C'est... Waouh. Et t'as 3 Gesad. Et t'as pris Rit Initiatique, frère. T'as pris Rit Initiatique. Et ça. Finalement, tu vois, c'est l'Aztec qui avait la compo dite, entre guillemets, agro early, qui perd une ville. Oh non, c'est pas possible. Ouais, c'est beaucoup, hein. DSD Festival, Campus Opening, 4 cités tableaux, je vous rappelle, dans le game. On est parti pour la France. Bâtisseur du côté de la Gaule, qui est parti donc... Campement, travail du fer, actuellement pour aller débloquer ses Oppidum. Est-ce qu'on a son âge d'or du côté de toutes les cives? Actuellement, plutôt, il nous manque 2 personnes actuellement, 16 sur 19 du côté de Xplay et aussi Pipo. 18 sur 19, normalement avec le campus, etc. Ça devrait aller, il ne devrait pas avoir de soucis. On a 7 tours avant le score d'air, le déblocage de l'âge d'or. Et on a bien pris Dame des Roseaux et des Marais du côté de Floppy, c'est bien, première route qui va sortir. De bâtisseur, on fait pas la petite erreur du monument, et c'est bien. On a bon moyen d'aller mettre du Pyridaiza, au moins sur 2 villes, minimum, même 3 villes. Donc on va essayer d'en profiter. Campus opening ou plateforme commerciale directement? Je pense que c'est plateforme co, hein, direct du côté de Floppy, j'ai l'impression, étant donné qu'il n'y a pas de campus qui est encore posé. Du côté du Maori, on l'avait dit, c'était les Arbors. Et du côté des autres joueurs, on va regarder un petit peu notre ami Gordy quand même. Gordy complètement frissible. Ça c'est moi, regarde. Ça c'est moi en finale, ça. Oh là là, les gars, on vient de prendre une ville de l'autre côté de la map. Je suis mais dans une position mentale mais terriblement positive, quoi. Je me sens. Mais tu sais qu'en vrai, attends, check vite fait la vision des deux équipes, parce que je pense qu'il y a un monde où ce Gordy n'est jamais scout, hein. Oh mec. Mais attends, regarde. Oh là. Regarde la stack. Mais mec, la stack, mais il a mec. Vu le scout. Oh les non. Mecs, regarde, oh, il a vu. Il est apparu en mode, mais il vient d'où lui? Oh non mais c'était dingo ça. Imagine. Mais regarde, il est à 12 celui-là. Comment ça se fait? Construction navale, c'est le Maori? Il a changé de couleur? C'est bizarre. Il a fait la petite galère. Ouais, il fait la petite galère, il se dit bah merde, putain, j'ai peut-être Gandhi en face. Il en fait deux tout de suite, t'as vu? Ouais. Oh finesse. Oh la vache. Ah c'est chaud. Je ne suis pas sûr qu'il faille miser s'il y a toujours la prédiction du côté de l'essai. Je mets la petite piécette avec ce clutch déjà de début de game du côté de Descharques. On avait vu les positions qui étaient pour Descharques. On avait vu cette position-là qui était très compliquée pour Pipo en début de partie avec les bonus des différentes civilisations qui étaient portées sur des unités de early game justement qui pouvaient mettre à mal une ville, une B2, une B3. Au final, il s'en est bien sorti. C'est la Gaule de Chuck qui, lui, a perdu une ville avant le T30. C'est très très rare. Ce que vous venez de voir, c'est un play incroyable et un play où on a vu en plus du skill. Mécaniquement parlant, c'était bien. C'était vraiment bien. C'était bien tenté en vrai. Mais vraiment, le move de Chuck là, qui enlève son scout pour la troisième table, je. Ça, c'est pour moi, je suis désolé, c'est carton rouge. Hein. Là, il perd la ville sur ce play, hein, littéralement. Il a voulu je tenter dis, autre chose. En fait, tu vois, si le scout cross river du côté de la France, il perd le siège tu vois, de la ville. Donc du coup la ville se regène, donc ils peuvent pas, tu vois, prendre la ville, ils peuvent pas taper. Non. Là c'est... ouais. Il peut s'en sortir ou pas? Est-ce qu'il peut revenir dans la gamme? Moi je disais qu'il était un petit peu en retard, on avait une ultra tempo, on est en 28-28 maintenant, on a un 25-23 du côté de Floppy. Est-ce que ça a pas juste rééquilibré le match-up? Rééquilibré le match-up... Bah non, parce que Chuck il a pas un bon panthéon pour Snowball, donc Ouais. J'ai pas l'impression que ça a équilibré. Sans Chuck était très très bien dans la game et il avait besoin justement de cette tempo, je pense, pour prendre de l'avance sur son vis-à-vis. Là, du coup, la perte de la B3, ça va quand même pas mal le ralentir. Mm-hmm. Et du coup, tu vois, peut-être la France, elle va se dire, bah, je sors de la montagne et je vais un peu encore plus le foutre dans la boue, tu vois, tu lui envoies quelques unités. Ça peut être chiant. Bolas move du côté de Loki. On a une route ici, il y a le bâtisseur qui vient de sortir. Là, je peux vous dire, t'es là, bon,
Ok, il va me falloir une solution. Est-ce qu'on a un petit frondeur à acheter possiblement? Non, on n'a pas de petit frondeur. On s'est posé sur une case. Alors, on s'est posé ici. C'est un peu étonnant parce que ça veut dire que prochain tour, ça va se poser là. Et on va pouvoir shift hunter normalement. Est-ce qu'on arriverait à tuer l'éclaireur? Non, on n'arrivera pas à tuer l'éclaireur. On va pouvoir avoir en plus un level up. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser l'éclaireur ici du côté de Floppy avec le négociant. Faire un shift hunter pour que la route arrive dans Machad. Et faire un shift hunter pour que peut-être l'éclaireur aille dans le bac de Tarsus. Je pense qu'il y a une situation où il ne perd rien. Donc let's go, Floppy, va falloir essayer. Par contre, après, derrière, malheureusement, on va peut-être essayer d'aller voler ça. Voler le bâtisseur derrière, voler peut-être quelque chose qui pourrait arriver depuis la B3. Il est bien ce petit Okishito, hein. Il fait chier. Guerrier en production, petit frondeur. Ça met un bal un peu tard, la tempo. C'est bien ce qu'il fait, mal, mais je pense qu'ils sont aussi un peu en train de chercher le Maori également, parce que je suppose qu'ils l'ont toujours pas vu. Et tu vois, le fait d'aller prendre les infos, du coup, de passer outre le land, et pour le late même, tu vois, avoir une ville pour un espion, c'est toujours des plays qui sont extrêmement importants. Ouloulouloulou, la petite place de Gouv avec les deux arbors. On avait mis Kaopoi ici, on a des 2-3, des 1-4. On va voir une quatrième ville qui va arriver, très important. C'est un peu le même délire que Rome, le Maori. Vous voulez avoir de la tempo? Essayez de faire le plus de villes possible en liant votre bonus de premier empire. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir 5 villes sur le tour 25-26 en étant en train de travailler des 2-3, là vous allez avoir de la prod, les copains. Comment ça se passe ici? Ah Alors, on se fait seulement first move, hein. Oh, l'impression. Vache! C'est possible ça? Malm, il se fait first move dans le jeu? Apparemment. Apparemment. Floppy a un bon setup, hein. Alors, des Sharks, c'est quand même une des équipes qui a un des meilleurs setups de la compétition. La dernière fois, la semaine dernière, qu'on avait vu des Sharks contre SPA, tout le monde avait des PC de compétition qui sortaient directement de l'ingénierie spatiale. Et il y avait du first move de partout. Il y avait des unités qui étaient cliquées. Moi, j'avais même pas l'eau de mon tour que je voyais déjà 5 ou 6 moves qui étaient en train d'être faits. Alors que j'étais spec. C'est quand que nous on a des investisseurs là qui nous achètent des PC chez Ulysse pour c'est les Saoudiens bientôt. On a des événements e-sport qui arrivent du côté de l'Arabie Saoudite. Donc peut-être qu'ils mettront un peu d'argent dans ces jeux. Nickel. Merci la Saoudie. Ride de fertilité qui a été récupéré du côté de l'Aztec. Alors ça ne donne plus de bâtisseurs, hein. Rappelez-vous, ça vous donne juste un point de bouffe supplémentaire sur bétail, riz et ferme. On en a un petit peu. Mais on était sur du land vert, mais on était sur du harbor. C'est pas un panthéon que j'apprécie particulièrement dans sa situation. Je me demande même si Idole religieuse aurait pas été un petit peu mieux pour donner un peu de tempo de goal à son équipe, pour récupérer peut-être de la foi un peu plus tard. Pourquoi pas, sur aide de fertilité, mais c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif pour le moment. On est en train de faire un guerrier aigle. C'est AB2 et Settle sur AB Tile, donc il a AB2 quand même en 4-0. Il a plusieurs cases en 4-0 actuellement. Il n'y a pas d'habitation. Vas-y. Mais tranquille. Il n'y a pas d'habitation, c'est-à-dire qu'il est sur un lac. Il aura forcément l'habitation. Et il est en 4 sur 5 actuellement, il n'a pas travaillé une seule case. Quand il va arriver République Classique, il aura une habitation en plus, je suis d'accord. Mais il est en train d'overgrow. Il met en fait beaucoup trop de bouffe par rapport à l'habitation qu'il a actuellement. Et c'est pour ça que j'aime pas trop son choix-là. Je trouve que c'est pas extrêmement petit. J'aurais préféré, moi dans le cas, avoir quelque chose qui puisse peut-être le faire snowball un peu plus tard dans la game. Un peu plus, toi, mid, long terme. Même une étincelle divine, tu vois, j'aurais peut-être préféré dans la situation. Même un écume pour avoir deux cultures en plus. C'est peut-être un peu bizarre, mais je trouve que ça match pas bien avec son land, son choix de panthéon. Voilà. Ok, je vois, j'entends l'argument. Ouais, et en plus, il n'y a pas beaucoup de poissons, tu vois, dans son lac, là non plus. Là, il travaille une 4-0, enfin, c'est bizarre, quoi. Donc, voilà. Je pense pas qu'il a travaillé cette 4-0. Bah, j'espère pas. voilà. T'as 2 de pop, t'as pas d'habitation, ça serait du troll de la travailler. On a le marché qui est en train d'arriver, prochain tour. Et donc, du coup, on va pouvoir s'arracher une troisième route ou alors se faire une troisième route avec la ville qu'on est en train de settle. Où est-ce qu'on la met, cette ville-là, d'ailleurs? Sur l'un, deux. C'est le seul emplacement où on peut la mettre. Ou alors, on va se mettre sur le Kili. On aurait pu la mettre sur l'Ambre, pourquoi pas, mais on aurait récupéré cette case-là, ça aurait pas été extrêmement optique. Donc on va se mettre sur la 1-2, je pense que ça va être le seul choix. Et l'Aztec, il fait quoi dans cette game? L'Aztec de... Mince, LDK, il fait quoi dans cette game, Soft? Eh bien, s'il scoute qu'il a pas de front naval, parce que Gandhi n'a pas ce tête à la côte, juste il prend, je pense que c'est à lui, de ce côté de la map, de prendre l'absorption de la France. Ok. Elle affronte la France, et c'est à lui de prendre... d'absorption. Tu vois, Malm, il met juste une ville au niveau de la choke en haut. Tu fais deux piquets là-dedans. Voilà, tu mets Victor, ville Victor, ça passe. Voilà, t'es tranquille. Mais faut faire attention quand même.
Et je pense que c'est vraiment à lui d'absorber, en tout cas de cette côté de la map, d'absorber la France. On a des villes qui peuvent être très bien placées collectivement, stratégiquement, du côté de LSC pour pouvoir contenir ce Français qui va pouvoir intervenir sur plusieurs endroits. Je vous rappelle, il n'y a pas de gardes impériaux hein, dans cette game, excepté en défense. Donc c'est quand même très très bon évidemment du côté de la France. C'est-à-dire qu'il va survivre pendant très longtemps dans la partie parce que le garde impériaux, c'est une super unité. En attendant, on a quand même, donc, comme je vous disais, au niveau de la défense, des villes comme ici, par exemple, du côté de Mapouche, qui va pouvoir défendre assez facilement avec les chocs, une seule case où il va pouvoir intervenir en défense, où il va pouvoir mettre une unité pour pouvoir se défendre d'une agression française. Un peu pareil, mais moins, du côté de l'Aztèque, grâce à cette rivière, où il va pouvoir mettre peut-être quelque chose sur un marécage ici, mais ça va être plus compliqué. Ça va être peut-être l'Aztèque qui va avoir le land le plus difficile à défendre, puisque au sud, comme tu le disais, voilà. On peut encore une fois trouver un bon emplacement sur la 2-1, là par exemple, avec la forêt tropicale en face, réussir à prendre les positions, réussir à taper sur cette 2-1 qui serait la seule case qui pourrait vraiment faire des dégâts au centre-ville. On a des choix défensifs assez faciles, assez favorables du côté de LSC, mais par contre, on a tellement d'endroits possibles où attaquer du côté de cette France que bah il va falloir être très très rigoureux du côté stratégique, tu vois. Du côté, bah il va falloir mettre les villes au bon moment, mettre les bonnes unités tous en même temps pour que bah. Bien joué, il se rattrape, il se venge. Bien joué, Pipo. Un petit 0-1. Voilà, on a réussi à tuer l'éclaireur, mais on a le bat qui vient de mourir. Petit archer ici. Plus, la France, franchement, la France a un super spawn pour un spawn coursier. Il a des bons campus, donc il peut faire rapidement des stats. Genre là, une fois qu'il a fini ses campus à place de gouffre, tu ressors deux colons histoire d'être sur 5 villes quand même. Tu discountes un petit campement et ça part. Hein. Et juste ça part. Eh, hein. Hey, regarde ça. 12-18 déjà, hein. 72 de score, ouais. C'est pas mal pour une cible qui est vanille. 90 du côté de Apology. Bonjour, on a pris quoi? On a pris prédicateur. Ah, c'est peut-être un peu dommage. Je pense bah, que après, c'est... Bah... c'est peut-être un peu dommage à voir. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est sur 12, plus 20%. On est bon, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est bon aussi. Tu peux voir le spread hein, en cliquant sur le code de route. Oui, t'as raison aussi. Et on est bon sur deux villes. Là, actuellement, on est bon sur trois villes. Ok. Donc, prédicateur est bon. Pourquoi? Parce que prédicateur, en fait, quand vous n'avez pas prédicateur, votre pression religieuse va aller jusqu'à 12 cases de votre lieu saint. Et donc du coup, il faut compter un petit peu jusqu'où en fait vous allez pouvoir spread. Si vous êtes assez proche des gens, pas besoin de spread de prédicateur entre guillemets, même si prédicateur est très bien au final. Là, c'est un prédicateur qui va pouvoir toucher trois villes et donc réussir à faire de la science au fur et à mesure. Et ces villes-là vont spread sur les autres villes au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc j'étais en train de dire, peut-être c'était pas très très bien, c'était pas très opti. Je pense que c'est quand même correct. Mais bon, c'est juste qu'il y a personne à droite, tu vois, il y a personne en bas. C'est un peu dommage parce que... Alors, je pense que ça reste le meilleur parce que c'est très fort en ce moment. Mais je... Voilà, je suis du fidus. C'est dommage dans le sens où c'est des ennemis, tu vois, à tout moment. Ça discount un lieu saint en face, ou ça fait un lieu saint pour l'âge d'or, une religion, tu vois, et hop, on enlève la religion, quoi. Donc en vrai, je sais pas si c'est un très très bon play. Ça reste ok, je pense, mais en tout cas, il y a des plays pour counter ce play assez simple à faire, à mettre en place du côté de la stack. Et on est parti sur Coral, en plus. Un petit peu plus de culture qui va nous permettre d'utiliser moins de gold dans nos BO et peut-être favoriser un hub de coursier sur mid-game du côté de Pipo, avec sa France, par exemple. Un nouveau colon qui est en train de sortir, et on est parti sur un petit Moksha. C'est de la tempo mid-game, ça, c'est ça, hein. Pas de Magnus interne, pas de plateforme commerciale discount avec double route ou ce genre de choses. On est parti, d'ailleurs, c'est un négociant qui part de Paris pour aller vers La Rochelle, j'ai l'impression. C'est ma petite impression, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas trop. Mais ouais, de toute façon, en vrai, son plan de jeu est très simple à plus point. Ça, c'est le training que j'ai fait l'autre jour, plan de jeu très simple. On va Cyrel, on fait des stats en early, on fait du coup BO Campus, push mid game, et c'est parti. C'est vraiment très très simple. Chemin sacré. C'est vrai qu'on n'a pas fait le tour de tous les panthéons. Ouais, mais j'avais pas noté. Pas de bêtises. Chemin sacré, alors qu'est-ce qu'on aurait pu prendre à la place? Pas grand chose en vrai. Étincelle divine, ça marche bien sur les cives à lieu saint comme ça, qui vont pouvoir discount deux campus derrière, tu vas pouvoir générer pas mal de choses profitables pour toi, ta team, et pour générer du personnage Elius, grande bibliothèque qui vient derrière. C'est vraiment pouce, on va dire, avec le Panthéon, puisque tu vas avoir une bibliothèque qui va arriver directement dedans, peut-être que tu vas avoir un Hypatine, deuxième bibliothèque, étincelle divine avec tes lieux saints, ça va proc, donc tu vas générer plus de fois. Donc c'était un choix qui était convenable. Il a choisi le chemin sacré, c'est correct aussi, hein. Il y avait de la forêt, du bois un peu partout autour de ces lieux saints, moi ça me dérange pas.
Ouais, puis ça lui fait un bon snowball pour l'early, on est déjà à 36 de fois par tour quand même. Donc Et on a on déjà a... commencé d'ailleurs les âges d'or, oui. Normalement, tout le monde, voilà, tous les âges d'or ont été récupérés, et on va voir qui a quoi. Monumentalité du côté du Gandhi, je pense que ça sera le seul. Stylo du côté de Floppy, stylo du côté de Pipo, stylo du côté de Joss, stylo du côté de Chuck, stylo du côté de Mam, stylo du côté d'Expli, et stylo du côté de LDK. Ouais, ce qui pourrait être intéressant, c'est les pipos, voir si, genre là, on discount triple campement et deuxième âge, on part sur tambour. Je pense que ça serait vraiment un bon plan de jeu pour lui. Mmh. J'aime bien ce que tu dis. On est parti maçonnerie actuellement. Campement là, ça me plairait. Là. Je comprends déjà pas, puis il est déjà pas un quatrième quartier là, enfin un quartier à Rennes qui soit pré-lock, genre un campement. Donc, si tu peux discounter assez facilement parce qu'on a fait déjà place de Gouv et de campus. Exactement, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il veut discount une plateforme commerciale? Je ça sais ça pas. C'est une erreur pour moi. De son positionnement, faire des plateaux, là, c'est une erreur. Moi, je pense aussi, je pense que tu as tout à fait raison. C'est normalement le campement dans la B2 la plus forte pour pouvoir poser Terracotta, pour pouvoir préparer justement, tu vois, son play vraiment sur le mid-game avec son espion niveau 1 qui va passer niveau 2 avec la Terracotta. Il faut qu'il prépare ce genre de choses, je pense. Et donc, du coup, bah, ça serait le meilleur play. Je suis d'accord. Double colon du côté de Chuck. Et on a quelques unités qui sont ici. Il y a double Gesat, hein, qui est... Alors, il s'est fait un petit peu taper dessus, celui-là. On va réussir normalement à sauvegarder les différentes unités. Il va falloir faire un petit peu gaffe quand même du côté de Floppy. Hein. Un petit shift center back, ça serait pas de refus. 4 archers en préparation. Oh la vache! On fait du GPT? On a l'air de faire du GPT. Hein. 39, 7, 28, 15. Et ici, énormément de goals. J'avais dit en début de game, en début de draft, oui, il faut faire attention au niveau des goals. Si le cri il est en front line, ça peut être dérangeant. Alors effectivement, c'est le cri qui en fait le plus. Mais LDK, XPli et Chuck font leur vingtaine de GPT aussi, grâce à PN Brush, grâce aussi, surtout à leur land. Ah, il a pas des bons hôpitaux. Là, je suis en train de voir celui de la CAP et celui de la B4. On a que 2 plus 2. Bon, heureusement, on a quelques collines à côté quand même pour aller chercher un petit plus 3, plus 4. Mais ouais, c'est des hôpitaux à droite. On est en plus 10 actuellement au niveau des Opidum, ce que ça nous donne en termes de production. Et regarde, on a Nio, gold à 46 de prod. Ah, c'est... Ah, on n'est pas sur un bon spawn de go. Bah, après, il a perdu une ville en vrai. Je peux pas... Bah ouais, je peux pas... Ah, ah, ouais, bah, bien sûr, il avait une super tempo. Et il aurait été ouais, pas, il aurait pas été comme ça dans si la game c'était... S'il avait eu sa B2 ou sa B3, je me rappelle plus. Campement de discount directement. Et on a Imhotep, messieurs dames, comme ingénieur illustre. Ça, c'est une statue de Zeus, ça, c'est une Terracotta. Hein. Regarde, on a une petite case de plat. Ouais, ça pue, hein. Moi, pour moi, je pense que c'est le play à faire justement de sa game. Roi des éburons, homme d'armes, pikeman dans la bouche justement de Floppy. Il faut qu'il arrive justement à être un peu clutch, un peu impactful dans sa game, tout en lui produisant des units. Pas, tu vois, en upgradant ou quoi que ce soit, en faisant en sorte qu'avec un trône de guerre, avec un statut de Zeus, il one turn, two turn, des trucs comme ça. Et il n'a pas encore choisi sa place de goût, son bâtiment. Ça veut dire qu'il ne veut pas faire de salle ancestrale. Et ça veut dire que son audience, il est en train d'y réfléchir. Donc à mon avis, il y a un trône qui peut partir. On est parti sur... J'ai encore un commandeur. Ouais, voilà. Combien de campements dans la game? On a l'Inde qui a mis la carte, on a le général à la carte aussi du côté de l'Aztec. On a mis la carte. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont mis la carte des généraux. Alors le Mapouche. Tu sais que ça, et là regarde, voilà la France. Attends, c'est quoi qu'elle a posé? C'est un campement là? Qu'elle a pré-lock? Oui, et un campement. Voilà, et là, comme tout le monde a mis la carte, là juste tu fais des projets, tu récupères les généraux, tu cuck la team adverse, c'est terminé. Alors sauf le Gaulois peut-être, parce que le Gaulois justement il a un sauf campement. Le Gaulois, parce que le Gaulois voilà, mais en l'occurrence genre l'Aztec tu vois qui a mis la carte. Étonnant que l'Aztec mette la carte, tu trouves pas? Est-ce que c'est... Il est en front, ouais. Je comprends le play, mais ouais. Du coup quitte à faire ça, du coup tu mettais le campement et tu prends vraiment la front lane, tu vois. Regarde, Expli là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Magnus interne, Liang tournante, j'ai l'impression, ça c'est un BO de Sim ça. Je pense qu'il est en position de Sim ouais. En vrai. J'ai pas l'impression que c'est un BO Malon, je sais pas, je pense pas qu'il ait la position pour faire un bon BO Malon. Il en enverra sûrement un petit peu parce que voilà, c'est le Mapuche et que les Malons tu les envoies à 50 cases, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut qu'ils siment. En fait avec Malm ils ont un peu la position des deux simmers on va dire chez l'Aztec. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que LDK prenne un peu cette position de c'est moi qui vais absorber la France, c'est moi qui vais mettre de la pression à la France pour l'obliger un peu à rester chez elle et à pas partir push mes copains. Ok, donc Magnus interne, on prend de la production et on va essayer de mettre de la prod justement sur cette France. Mais moi, tu vois, là où le bas blesse, c'est que je trouve que tu ne pourras pas beaucoup mettre de pression sur cette France, sur cette choc-là. Ça m'a l'air d'être très compliqué. Le lac est bien positionné, en tout cas la ville, pour ne pas se faire avoir avec des catapultes, tu sais, à travers d'un lac ou ce genre de choses. On va voir cette case-là, on va pouvoir taper. On va pouvoir taper avec ces deux cases-là ou même ces trois cases-là sur le campement du côté de l'Aztec. Mais il va falloir le travailler, c'est contre une France, il n'a pas beaucoup de tempo de science. Normalement, du côté de notre ami Aztec,
12-17, tu vois, en termes de yields de début de game. C'est pas beaucoup face aux 20-27. Tu vois, c'est une vraie différence, on le sait, tu vois, en teamer haut niveau, quand t'as une petite différence de early game comme ça, bah c'est pas toi qui va avoir la proactivité, c'est pas toi qui va être le premier sur les prochaines unités. Et donc, du coup, si c'est t'as deux tours avant les coursiers du côté de la France et qu'il est deux tours avant, bah lui, il aura pas eu le temps de mettre de la pression, justement, le pauvre Aztec, justement, sur cette France-là, qui a un land, lui aussi, très difficilement empêchable. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est bien quand même qu'il y ait des gens qui soient alloués au backline sim du côté de LSC. Mais je pense que c'est laisser miroiter quelque chose de trop beau de penser que l'Aztec peut mettre de la pression à une France dans cette game. Voilà. Mais même s'il met pas de pression, vraiment qu'il absorbe la frontline au moins, tu vois. Ouais, oui, alors, là, mais ah bah, il va absorber. Là, tu vois, Rennes, moi... le colon, il part à droite. Hein. Là, ah bon, tu penses? Bah, en bas à droite dans la montagne. Ah genre, ouais, en bas là. À droite dans la montagne. Là, c'est une bonne rampe, une bonne ville défensive, ouais, et une bonne rampe pour potentiellement aller push les joueurs. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir ton opening sur le Mapouche. Le Mapouche qui aurait dû, comme je le pensais, mettre une ville ici pour bloquer justement l'accès et avoir sa rampe défensive, lui, plutôt, justement, pour contrer une offensive française. Alors que là, c'est la France qui va prendre la position et qui va réussir à avoir genre de lien possible pour envoyer des coursiers qui auront un espion, peut-être level 2, sur un mec. Et peut-être en a chambre aussi. C'est ça, peut-être aussi le plan. Contre un Mapouche. Aïe, aïe, aïe. Il peut se passer des choses, en tout cas. Et même check. Pardon. Salle d'audience. T'en penses quoi? Dis-moi. Salle d'audience aussi ici. Double salle d'audience alors qu'on avait prévu des trônes là, actuellement. Premier général récupéré ici. Je pense que le trône de la France, il me paraît évident en vrai. Ouais. Parce que vraiment sa position. En fait, tu t'en fous entre guillemets de monter à 7-10 de pop. Parce que là, en fait, la game de la France, de par son positionnement, s'arrête, on va dire entre gros guillemets, au coursier. On va faire énormément de coursiers, on les envoie sur un peu tout le monde pour essayer de d'irel, ou alors on focus deux personnes pour être sûr d'irel deux personnes, mais en l'occurrence sa game elle ira pas plus loin que ça. Ouais. Et je pense que c'est un peu du coup, s'il fait cette salle d'audience dans le sens où il pense qu'il va scale pour poser plus de quartiers, je pense que c'est un peu d'élu. Et ça serait pour poser quoi donc du coup, parce qu'il est déjà campus, campement, il voudrait rajouter de la plateforme co dans son sim, du theater, tu vois, c'est un peu étonnant. Alors qu'on va voir des cartes qui vont pouvoir te débloquer l'habitation, ça doit être son problème dans la Rochelle, l'habitation, tu vois, par exemple. On va voir Insulae, République Classique, tu vas voir Medina un peu plus tard, mais tu vas voir la caserne aussi possible dans la Rochelle si t'en as envie, travailler ta petite teinture qui est derrière la montagne, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. Mais il y a quand même des moyens, donc du coup, je suis d'accord avec toi, cette salle d'audience, elle est pas bien sentie, je trouve, du côté de Pipax dans cette game-là, alors qu'il a la position rêvée pour beaucoup de joueurs pour faire un trône. Du côté de la Gaulle, c'est un choix, justement, de sa part. C'est en vrai, la Gaulle. Voilà. C'est pas nul, en vrai, le fait qu'il ait perdu sa B3, ça rend vraiment sa game pas évidente à jouer. Mais le truc, c'est qu'il a qu'une seule personne à vraiment IRL, qui est floppy, donc du coup, est-ce que t'as vraiment envie de commit trône de seigneur sur qu'une seule personne, je sais pas trop. Ouais. Oh, on a back, shift center, on a pris beaucoup beaucoup de sécurité là du côté de Chuck, et on va pouvoir se mettre un petit opidum ici qui sera en plus 4 messieurs dames, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on reste ici? On va se récupérer la 2-2-1, on se récupère cette petite 2-2 en plus, on a une ressource de luxe. Moi le problème de cette là, c'est qu'il est un peu open quoi. C'est-à-dire que, bon, alors tu peux bien te défendre, t'as des bonnes collines derrière avec des archers qui peuvent prendre les positions, etc. Avec le roi des éperons, tu peux avoir des hommes d'armes, des spadassins, tu vois, ça peut être super solide, hein, peut y avoir aucun souci. Mais quand même, il y a des archers qui vont pouvoir taper tout le temps, les positions ici, c'est offensivement parlant, avec un adder qui tape à plus 5, ça fait un peu peur quand même, des catapultes qui peuvent venir si le mec il a un général, s'il est un peu chaud, ça peut faire un peu peur. Bon, je pense qu'il n'y aura pas grand chose pour le début de partie, surtout que les deux sont un peu IRL prod, tu vois, ils sont un peu dans la même situation, ils ont pas envie de faire ça, ils sont en train de resettle un peu des deux côtés d'ailleurs, ils sont plutôt en train de resim les deux que le contraire. À moins qu'il y ait une formation campant, excusez-moi, je me suis un peu bafouillé. Formation campant, donc double général du côté de la Gaulle. Ça veut deny à qui, Soft? À la France? Soit deny, soit faire double front, peut-être. Peut-être que son objectif, c'est de faire un double front en mid-game avec peut-être des hommes d'armes. Sur la Perse et alors la France. En vrai, s'il arrive à prendre la choke au sud, là, celle sur La Rochelle, je pense que c'est impossible à push. Mais si là, t'as, voilà, la choke ici, là, à ce niveau-là, si t'arrives à la prendre, peut-être que tu peux envoyer des unités. À voir. Mais ça m'a l'air compliqué quand même. Bah non, compliqué comme tâche. Premier cheval, deuxième cheval. Et on est en train d'être construit du côté de notre ami Mapouche maintenant. Et il va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe.
De l'autre côté, on n'est pas parti complètement à côté de la faille géothermique. On a préféré prendre quelque chose de beaucoup plus safe du côté de Pipo. Et on va se rechercher un autre très bon campus qui sera en plus 3. Les premières merveilles, on a vu les premiers quartiers. On a Malm qui a fini un jardin suspendu ici avec son cri. Très bien, avec une cive qui a de la croissance excédentaire, de la food excédentaire avec ses routes. C'est une merveille qui fait beaucoup de sens. Plus d'habitations dans la ville qui est construite et plus d'habitations en zone. En plus d'avoir une croissance de food excédentaire de 15% supplémentaire. Donc là, très bon sim, bon snowball du côté du cri dans cette partie-là. Il est en train de backline sim, il le fait dans la game. Il le fait là, il est en train de sortir des petits poneys pour aller secure, on va dire, entre guillemets, ses potentielles prochaines villes, la front lane. Oh, Chuck qui est parti en externe directement. On a déjà lancé nos routes vers le cri. Ok, et du plutôt... coup, ça trace une route en vrai pour des prochains colons peut-être, voilà, rapide, style rapide. Petit colon. Regarde, petit colon rapide ici, là, sans rien, off-water. Ah bah non, pas du tout en fait. On va aller prendre, la ville en bas, j'imagine, avec un peu plus de guise. Ouais, on va aller prendre la front. Et on prend là surtout la front. Prochain tour pour le campement ici. On a un Victor qui est en train d'arriver. Victor 3, peut-être. On a un Pingala 2 sûrement ici. On a une salle d'audience, donc ça sera pas un Victor 3 pour le moment. On a mis 3 gouverneurs, 4 gouverneurs dans ces 4 premières villes. On va essayer de spread. On va essayer d'avoir des villes, tu vois, 7, 10 de pop. Au fur et à mesure, on va essayer d'avoir quand même des villes qui vont avoir la possibilité de prod, de hard build des grosses unités au bout d'un moment, ou alors de one turn. Mais bon, one turn, c'est aussi possible avec le trône de seigneur de guerre. Je voulais juste te montrer. On a Fess. Voilà, il y a Fess qui a été récupéré de la part de Joss, et c'est pour ça aussi qu'on a chop un petit cheval. C'est qu'il y avait quelques unités de la part de la cité-état. Ouais, puis on va peut-être aller la raser, du coup, ça fait une ville gratuite. Parce qu'en vrai, si tu regardes aussi la stack, ils sont pas beaucoup de CS à aller prendre facilement. Genre en mode, tu sais, t'as ton stack, ah bah là, il y a une CS à aller prendre. On n'a pas trop de CS à aller prendre. Alors, la stack compagnie ou la stack de LDK? La stack, tu vois, par exemple, qui n'a pas de CS à aller prendre. Pareil, le Mapouche, tu vois, alors pas de vraiment... Ouais, moi, je trouvais que c'était justement un peu le contraire. On avait déjà la vision sur les trois cités tableaux très rapidement avec... Bien sûr, mais des CS à prendre militairement parlant, justement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ou alors, tu te kills ta cité tableau, ce que tu n'as pas forcément envie dans la game. Alors que du côté des joueurs adverses, bah, Mogadiscio sera prise, ça c'est sûr, à terme, du côté du Gandhi. On aura peut-être Cardiff, mais bon, c'est quand même dans la toundra du côté de notre ami Maori. On aura la Valette, ça c'est sûr et certain. Valette facile à prendre. Et Belleville, en plus, en vérité. Très belle ville. Prochain colon qui va nous travailler. Une nouvelle tortue, un crabe, je vous rappelle qu'on a Dieu de la mer, on est sur des marailles un petit peu, on est en train de faire un premier archer ici, et on va regarder un petit peu les yields, on est avant le tour 40, on est en 108, 105 avec le Maori, pas mal comme deuxième rotation pick. Ah on est super, en plus on a fait un petit vieux sein là, mais par contre je voulais voir, c'était Loki niveau 2 de Malm qui est en train d'arriver, on a été chercher, ça c'est bien joué en vrai, on a été chercher ce Maori. Et on va voir la vision sur ces villes, on va pouvoir envoyer un espion et on va pouvoir voir un petit peu aussi ce qu'il fait en termes de merveilles, en termes de build order, qu'est-ce qu'il va avoir comme plan de jeu sur le late game, entre guillemets. On n'est pas très bien du côté de Apo dans la partie, hein. 57-50, 37 deux fois par tour, on a 24 GPT tout de même, mais on est en train de faire des trucs, je nous vois avec une petite arena, c'est-à-dire un colisée en préparation. Je vois pas d'arena en préparation du côté de la stack, qui est sur une formation en campement aussi. On utilise la prod sur ce début de mid-game pour essayer de récupérer un général dans cette partie. On a un général normalement du côté de la France et on va en avoir deux du côté de la Gaule. Un en plus récupéré du côté de la stack prochain tour normalement et ça sera bon. On aura les quatre premiers généraux de la partie. Donc ça devrait être eux qui devraient mettre de la pression, on est d'accord Soft? Non. Non Aztec, France et Gaule. Bah, ah oui, non, c'est E3 qui devrait mettre de la pression, je pensais que peux... la stack qui va mettre de la pression. Ah dans la oui, non, bah oui, mais la stack et la stack, c'est... alors appelons... Pardon. Appelons la stack compagnie la viande, et puis la stack tout simplement, donc la stack okay, en général, ainsi que son allié de la viande gaulois, qui a lui aussi des généraux, deux généraux de son côté, je crois qu'il en a claqué un, genre je vois plus le deuxième, on a peut-être récupéré le bouquin. Non, il l'a pas encore recruté. Encore recruté. Ok, tout simplement. On a même refusé. Il a refusé, ok. Pour ok. C'est marrant, ça. Pourquoi il a refusé, le copain? Il veut le prochain, il veut un trébuchet, peut-être gratos. Peut-être. Je sais pas, parce que du coup, la France, elle va pas débloquer avant longtemps, quand même, aussi.
On a 3 points d'ingénieur, on va avoir 27 points, c'est-à-dire dans 8 tours, on pourrait avoir à peu près 8 tours, parce qu'on devrait avoir peut-être un Oppidum en plus, ou quoi que ce soit qui pourrait arriver. Dans 8 tours, on pourrait avoir Imhotep, c'est-à-dire une statue de Zeus, c'est-à-dire peut-être des hommes d'armes. Tactique militaire, 10 tours du côté de Chuck, on est parti. Et là, cette salle d'audience me fait un peu de la peine, du coup, tu vois. On a un gouverneur actuellement, on a un petit Victor qui va être dans Bibrax, c'est bien, je suis d'accord, mais... Trône de guerre, avec ce plan de jeu-là, tactique militaire aussitôt, le Imhotep, la statue de Zeus, ça me paraissait... quand même bien, quoi, dans une game où tu dois aller mettre aussi un peu de pression à la France si t'as envie que la France elle reste un peu dans ses frontières, qu'elle soit calme, qu'elle soit temporisée dans la partie pour qu'on puisse avoir une chance d'avoir un cri qui puisse snowball dans notre game. Marais est de tour. En vrai, il y a un play par contre. Ah non, il n'y a pas. C'est compliqué. En vrai, la game est compliquée pour l'Aztec. En fait, Chuck, il peut clutch. Chuck, le seul moyen qu'il clutch, c'est qu'il arrive à passer sur floppy. Mais. Eh, je suis d'accord avec toi. Il va falloir du goal pour tout ça. On est par contre bien en termes de goal. 120, 140 GPT. On remercie 100. Le... On remercie le cri avec ses 10 000 pâturages sur la cape pour la génération de goal. Ah ouais, mais même les airboards du côté de la steak, là, ça fait son petit pesant de cacahuète. Pour être tout à fait franc avec toi, on est à 160 GPT, quasiment 160 GPT du côté de la steak compagnie, du côté de la viande. Donc si on a envie d'avoir des ups d'armes, des ups... de spadassin en homme d'armes, on va avoir la possibilité, on est en train de pré-build du spad en deux des majeures villes du côté de la Gaule, donc il y aura peut-être un petit play comme ça. De l'autre côté, des chevaux, un peu d'archers, il y a du bat, c'est pas mal, on est en train de chop, toujours un cinquième, sixième colon qui est en train de sortir du côté de la Perse, on a posé des petites paradisa, on est parti plateforme commerciale interne, on est en 1941, on va voir histoire écrite bientôt, et on a la même direction du côté de Chuck, fonction publique, qui va être hit du côté des deux joueurs à peu près, je pense, en même temps. Féodalité un peu plus tôt du côté de Apology, il est sur deux tours actuellement, trois tours du côté de Malm, et ça sera le plus tôt du côté de l'équipe LSC. Du côté des Guilds, on est en avance du côté de Joss dans la partie, mais on n'est pas si loin du côté de Malm en 100-100, et on va être en 70-70 à peu près du côté des autres actuellement dans la partie. Un petit peu mieux du côté de Apo, si on considère la foi. Il est tellement devant Joss en termes de Guilds. Et regarde là. Son spawn était vraiment super explosif. Hein. Ah, les trois poissons plus le dieu de la mer... Et j'attends toujours de voir cette petite ville quand même qui, quand elle va spawn, va avoir des petites 2-3 un petit peu partout avec une petite 3-1 pour pouvoir grow efficacement. Voilà, c'est des trucs à faire. Je pense que... je pense que le colon qui sort, tu vois, c'est dans la cape, il voulait aller là. Hein. Je pense aussi. Il peut aller d'autre. Hein. On va pas pouvoir tuer cet Okushito directement, mais par contre, dans deux tours, peut-être qu'on y arrivera si on a les first moves, évidemment, dans la partie. Et voilà, ça sera le même... Ça sera même pas un tout d'or. En vrai, attends, c'est dans combien de tours là, Âge d'or. Oh, je pense pas que ça soit tout de suite. 10-19 actuellement. Okay. Ça aurait pu être le genre de play, tu vois, où bah, après t'es obligé de réparer le lieu saint, tu deny le lieu saint, tu comptais sur la création de religion pour ton âge d'or. On a un petit complexe de loisirs, justement, tu parlais de l'âge d'or. On a un bâtiment exclusif du côté de la steak pour pouvoir se rapprocher de celui-ci. On va regarder. Oh là là! C'est très très sombre actuellement du côté des joueurs, à part du côté de Joss, cette ville, 35 de pop actuellement dans la partie, c'est aussi ça qu'on voit là, hein, le snowball dans les games de civilisation, plus vous avez de citoyens, plus on peut travailler de bonnes cases, et bah, plus on a forcément de stats, et en plus, plus on a de citoyens avec le Maori, plus on peut travailler de meilleures cases que l'adversaire, parce qu'on a des 2-3 un peu partout, donc c'est vraiment bonnard. Caserne, ça c'est le play Exode dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'était plutôt écurie là, vu qu'on va faire des poneys. Alors, c'est une vraie question ça. La caserne, ça coûte 45 de prod, l'écurie, ça coûte 60. L'écurie, ça nous permet d'avoir plus d'expérience sur les unités de cavalerie, si je dis pas de bêtises, et ça va nous donner rien d'autre comme bonus. Ah, l'écurie qui marche aussi sur les catapultes? Sur les engins si, sur les engins de siège aussi. Donc on a plus d'expérience quand on va à chaque fois taper avec une catapulte ou avec une cavalerie, quand on va sortir cette unité, quand on va avoir construit une écurie. Même chose pour les lanciers, les hommes d'armes, donc les unités de combat rapprochées, les unités de combat à distance, pour l'écurie. Pour la caserne, excusez-moi. Par contre, quand on fait une caserne, on peut faire une statue de Zeus, on peut faire une terracotta, ce qui n'est pas possible quand on fait une écurie. Donc qu'est-ce qu'on fait, dans quel moment, Softstyle, toi qui as en plus beaucoup l'habitude de sortir ce genre de bâtiment, un peu plus que moi justement, est-ce que tu peux m'expliquer toi ton raisonnement? Bah, tu peux faire une caserne, comme tu as dit, pour la terracotta. Enfin, en plus, vu que c'est la France, je pense que tu es obligé... quasiment d'aller faire cette caserne pour la terracotta pour ton espion niveau 2, avoir encore plus de visibilité diplo sur l'adversaire. Mais je pense que faire deux casernes, j'aurais préféré peut-être une écurie en vrai à Rennes,
Et justement, on faisait les prébulles de poney à Rennes pour l'expérience, etc. Et à La Rochelle, du coup, vu qu'on a la case de plat en plus pour faire la terracotta, eh ben on faisait la terracotta à La Rochelle et on faisait pas les prébulles dans cette ville. Ok, bah, pas mal. Écurie, ça C'est marche comme ça que aussi. je l'aurais fait, moi, en tout cas. Ok, C'est comme ça que je non l'aurais mais fait. pourquoi pas, hein. Tu values donc l'écurie quand tu vas faire ton Moi, push militaire. je la value quand même pas mal, ouais, l'écurie. Quand je fais des playponies, même si elle coûte un peu plus cher en prod, et vu la tempo qu'il a en vrai, il avait encore pas mal de chops, je pense que c'était tout à fait ok de faire une écurie dans sa situation. Et on est parti maintenant pour le round de bâtisseurs. On est sur féodalité. On a 5 bâtisseurs dans les 5 villes qui sont en train de sortir. Pas de nouveaux colons. On reste sur ces 5 villes. On va mettre 5 gouverneurs. On va les up. On va avoir des belles villes qui vont up de population et donc du coup de production, de casse travaillée au fur et à mesure. Avec apprentissage, on aura des 2, 3, etc., etc. Et on va essayer de mettre un flux constant d'unités sur la map dans cette game. Est-ce qu'on va Alors récupérer le attention. général là avec les petits chevaux là? Est-ce qu'on va aller Ouais, là? j'allais dire attention, même il installe sa ville, mais sa défense n'est pas encore en place. On a une petite ville ici sur le cacao, on a un cheval qui est en train de sortir et on a un guerrier ici. Il faut juste le up. Normalement, on est bon là. Voilà, bien. Mais voilà. On va mettre la défense en place, on mettra Victor et je pense que ça devrait aller après plus tard. Mais bon, cette ville, elle est quand même. Ça va demander quand même à Malm d'investir un peu de militaire pour éviter. Parce que cette ville, c'est vraiment la ville qui va faire. Si son empire tient ou pas, parce que si cette ville tombe, après, c'est un snowball sur tout le reste de son empire. Il lui faut débattre là. Là, il lui faut débattre, c'est un moment important, il est très bien dans la game, il est en 114-131, mais on peut avoir un petit glissade si on fait les mauvaises productions à ce moment-là. Il y a beaucoup de chops, il y a beaucoup de choses à récupérer avec un cri, puisqu'on va avoir beaucoup d'habitations et beaucoup de populations. Donc on a de l'apprentissage qui va être extrêmement important, on va devoir faire des battes partout, partout et partout, encore une fois. Là, vous voyez, petite bibliothèque, petit campus, on était à un tour de féodalité, on aurait bien voulu voir un petit prébuild, peut-être qu'il les a placés déjà, et peut-être qu'il va changer justement ces petits bâtisseurs là à un tour qu'il avait déjà switch. Mais voilà, là il manque un petit détail de tempo au niveau de la backline. Et ça pourquoi? Peut-être parce qu'on a été interpellé par le petit go là, des cavaliers, etc. On a commencé à voir, donc on a pu penser, etc. On n'est plus tout à fait extrêmement concentré dans ce qu'on doit faire dans la game. Comme t'as le Apparemment, monument. juste petite info pour toi, Ouais. le Maori s'est fait carjacker un colon, voilà, de la part de Non! Loki. Le Et si. carjack de la part de... De Loki qui était sur le lieu saint. Ah ouais. Et Loki Regarde, qui est là maintenant. il a fait une virgule et il a été chercher le colon du coup. Oh, let's Il s'est go! introduit dans le land. Alors attendez, est-ce qu'on peut revoir ça? Je vais essayer d'aller récupérer ça sur le truc Je sais pas de... si c'est chez Michael ou chez Malm. Enfin, je pense que c'est chez Malm, si, il a du first move, mais. Bah oui, bien sûr, je suis bête. Mais je vais les regarder du côté de chez Michael. Hop. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a eu? Ah ouais, non, Michael, c'est plus possible, c'est vrai, il a plus les vidéos directement sur Twitch. Aïe 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 aïe, 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 terrible. aïe. Donc, un colon volé, ça rééquilibre un petit peu au niveau de la tempo, puisque bah, on est revenu un petit peu hein, en termes de prod. Par contre, on a un peu plus de chance du côté de Joss. Élément important, on a un des marqueurs dont on parle souvent actuellement du côté des castes et du côté des teamers, qu'on n'a pas encore vu actuellement dans cette partie de lancée, c'est la grande bibliothèque. Je vais regarder un petit peu en bas à droite les notifications. Pyramide, Apology. Elle avait commencé dans cette ville-là. On a Magnus qui est en train d'arriver. Il y a Féo en plus, ça va être très bien. Colisée qui a été start et qui est bientôt fini 5 tours. Attention quand même, parce que on va avoir ici un petit complexe de loisirs et ici aussi. Donc je sais pas comment ça se passait, si on va avoir du chop ou quoi que ce soit. On a un Stonehenge qui a été fini du côté de LDK. On va aller choisir sa religion dans le prochain tour. Attention d'ailleurs, parce qu'on pourrait deny peut-être une petite religion du côté de l'Aztèque. Ici, avec. Non, c'est bon. Il y avait le Maori qui avait déjà. Choisi sa religion, il nous a pris le protestantisme avec méditation zen et ordre sacré pour baisser le prix des missionnaires des apôtres et convertir plus efficacement ces villes et les villes voisines aussi, pourquoi pas. Le petit oie qui est en train de sortir, cette ville va, avec le marais, travaille donc des cases avec de la culture, de la foi sur chacune des cases de caractéristiques de terrain. Donc ça comprend aussi les plaines inondables et les marécages. Et on va récupérer le toa pour nous faire un petit peu de score d'air. Combien de score d'air le toa, soft? C'est 8 de score d'air, hein, toi. Ouais, mais putain, c'est beaucoup! Comment ça se fait? Ah, parce que nous avons donc du coup le toit hein, qui va vous rapporter 4 points, une unité unique, et vous avez le toit qui peut construire un bâtiment qui vous donnera également 4 points. Comment il Je s'appelle ne sais ce plus le bâtiment? nom, je crois que c'est le pas, Le non? pas! Ouais, Exactement! Alors attention, parce que c'est un bâtiment qui doit être construit sur une colline.
des fois, on se retrouve sur du plat avec le Maori avec un Towa sur le dernier move, dernier tour, en mode on essaie, il faudra pouvoir construire son aménagement. Mais non, en fait, il faut être sur une colline pour bénéficier donc de ce fort qui est exclusif au Maori, puissance de combat en défense plus 4, et gain instantané de 2 tours de retranchement. Une unité Maori occupant un pas se swag, même mais si elle vient juste de se déplacer ou d'attaquer. Tu sais ce qui est vraiment triste en vrai dans tout ce qu'on est en train de dire ? C'est que bah, le Towa, il sert vraiment juste à faire 8 points d'air. Non, c'est pas vrai. Parce que l'idée est vraiment pas incroyable. En défense, elle est très bonne. Pas de général. Ouais, en défense. En défense, pas de général, un pas. Et t'as un Maori derrière une rivière, y a pas grand chose qui passe. Et y a venu la gueule. Ça me manque, tu sais, moi, les push Towa, tu vois. Ça me manque. Enfin, les openings. Je vous arrange en mec. Pink à la first, en plus, en rush Towa. Ça me manque, tu vois, quand t'as une armée de Towa qui débarque comme ça, ça me manque. Alors, c'est pas des Towa, c'est des Gesat en préparation. Et je pense qu'on est en train d'économiser. Ouais, exactement. 160, 187, on va avoir 500 balles à peu près. On est sur fonction publique. On n'aura pas mercenaires tout de suite, tout de suite. Tactique militaire, prochain tour. Mais on aura 6, 7, 8, peut-être 9 hommes d'armes qui vont arriver avec un général du côté de notre ami Nader Shah. Peut-être même avec un H-Sombre, on a 9 tours, notre score d'air du côté de la game, et on va avoir la nécessité de se construire une vraie défense maintenant. On a des bâtisseurs qui arrivent, mais dans un petit peu de temps, le timing féo était pas très très léché du côté de Floppy sur le coup, et on va avoir besoin de quoi ? De plus grosses unités. On est parti sur Château actuellement du côté de Floppy. C'est un bon choix pour contrer hommes d'armes, etc. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est le plus rapide. C'est le plus rapide, mais je pense pas que ça soit un bon choix. Je pense que, tu vois, des chevaliers arbas en front, ça serait mieux. Ouais, des arbas en plus 5 là. Ou hommes d'armes arbas. Alors c'est un peu plus chiant aller chercher hommes d'armes arbas, parce que c'est sur des arbres un peu opposés. Mais le plus simple, un chevalier arbas. Surtout qu'en plus on a vraiment des bonnes poses pour défendre avec chevalier arbas, parce qu'au niveau autour des lacs, le campement qui est très bien posé dans la cape. Donc c'est assez. Il est bien setup pour défendre, mais du coup maintenant il faut mixer avec les bonnes unités. Et on en envoie aussi du côté de la France, du côté de La Rochelle. On n'a pas été settle tout en bas comme tu pouvais l'imaginer. On est resté très proche pour garder de la tempo au niveau de son settle de colon à gauche à droite. On est resté aussi sur peu de villes, entre guillemets. On en a 6, alors qu'on s'en a fait voler une en début de game, je vous le rappelle. Et on a posé 2 spadassins ici. On a 4 de l'autre côté avec généraux des deux côtés. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Homme d'armes et on essaye de push à travers cette choke. On y pense, on y croit. Est-ce que c'est vraiment possible ? Je pense qu'il va juste poser les 2 spadassins au niveau de La Rochelle et il va te défendre en mode voilà. Genre ça c'est tu restes ici, tu viens pas chez moi. Et c'est ce qu'ils ont un peu tous fait, regarde Malm qui a mis son campement également dans la ville, tu vois, en mode tu restes chez toi, tu viens pas chez moi. Et je pense que c'est ce que tout va faire un peu la steak. Et du coup Chuck va lui juste partir dans l'autre sens. Va partir sur la Perse. Et on l'avait vu, regarde cette ville là aussi qui fait exactement la même chose. On bloque défensivement, stratégiquement les différentes positions où la France pourrait être impactante dans le jeu. Et la France, je trouve, elle est un peu late en vrai. En vrai, je pense qu'elle aurait déjà dû envoyer des vagues de poney. Le discount du campement est venu un peu tard. Je pense que l'opening campus était très très bien sur son spawn. Mais là, tu vois, il met un peu trop de temps à se préparer. Et du coup, ça laisse l'occasion à la team adverse de se préparer également pour défendre. On est en 5-30 en termes de... Regarde mal, le Victor, on fait les murs, tu vois, genre ça, tu vois, ça passera pas ici. Ça passera jamais. Il se passera jamais rien normalement ici, on a aucune case où on va pouvoir en plus attaquer, tu vois, un peu un petit peu malinement, si je peux m'exprimer ainsi, sournoisement peut-être avec un force move de catapulte, tu vois, sur derrière un lac ou quoi que ce soit. Là, on a aucune position qui est vraiment bonne à prendre, donc ça... On oublie directement ce front-là. Celui-là est en train d'être défendu avec les 3 spadassins. Peut-être qu'on arrivera à partir sur la choke inférieure ici. Et on a toujours un petit peu cet espace-là. Mais des lanciers sont en train d'être préparés un petit peu partout. Donc on est en train de se défendre sur toutes nos frontières du côté de la Steak Company. C'est beau à voir en vrai. C'est beau. Il avait pris quoi comme pantalon la France ? Je pense vraiment qu'il est en train de passer à côté de sa gamme. Des festivals. 57-51. Et il se passe un truc, hein. Il a de la prod. Il a beaucoup de stats, mais... Il a de la prod, il a beaucoup de stats. Il a plus de stats qu'un Aztec qui est actuellement free sim dans la partie, tu vois ce que je veux dire. Donc attention. Une fois que la défense est en place, c'est fini. Hein. Une fois que là les chocs sont pris, c'est terminé. C'est pour ça. Je pense, là, en vrai,
Mais la France, moi, tu me donnes sa position, mec, c'est tout droit. Je fais campus, discount campement, dieu de la forge, le trône du seigneur de guerre, et je commence à y aller avant les coursiers. Genre, j'envoie déjà des poneys pour prendre les positions, et après, je fais les jobs des coursiers. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, la Stec, il joue super bien là, par contre. Ils sont en train vraiment de fermer le land de la France, et en fait, il va pas avoir l'impact de fou qu'il aurait pu avoir. Qu'il aurait dû sûrement avoir quand il est entouré des 4 adversaires justement comme ça dans une partie. Attention tout de même, je viens de voir un petit personnage illustre recruté, je pensais que c'était un général. Non, un scientifique, imagine, Hypatie. Non, on a claqué directement l'Eureka pour mathématiques et une technologie aléatoire de l'ère médiévale. Un peu étonnant de claquer comme ça en fin de move. Mais bon, c'était son choix. Jezat, encore une fois, et encore une fois... Ouais, il y a beaucoup, on n'a pas de général du côté de Floppy. Attention, la game est en train de se rééquilibrer tout d'un coup, j'ai l'impression, grâce au plan de jeu stratégique et la vision de jeu qu'a réussi à mettre en place Aztec Company dans la partie pour le moment. On a réussi à fermer, comme tu disais, l'impact que pouvait avoir la France, et on est en train de se créer le seul front plutôt positif de la partie avec le front gaulois contre Perse. Je vous rappelle les bonus du côté de la Gaule. La Gaule va récupérer de la force militaire par unité de combat rapprochée qui va être autour de l'unité qui va taper. Et en face, on va pouvoir taper à plus 5 de force militaire si l'unité adverse est full life. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu barbare pour ceux qui connaissent pas trop si, mais vous inquiétez pas, ça marche plutôt pas mal. On a récupéré une nouvelle ville, on est donc sur 7 villes du côté de la Perse, une ville de plus par rapport à la Gaule, mais on va être maintenant sur le moment de la Gaule de cette partie. Est-ce qu'on attend féodalité et mercenaires, surtout, pour up du côté de Chuck ou on up en flat? On vous doit attendre, je pense. On a 160. Que... Bah, en fait, là, c'est un push qui est lent, dans tous les cas, parce que c'est des unités qui avancent pas très vite. Mais je pense que t'attends pour en up le plus, pour avoir une grosse boule. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'aura pas d'autres unités à accompagner. Bon, j'espère en tout cas qu'après il va redescendre, faire quelques pré-bulles d'archers. Parce que je pense que juste des hommes d'armes, si Floppy il arrive à mettre les bonnes unités en place, ça avancera pas, tu vois, au bout d'un moment. Ça va stuck sur les 2-2, sur voilà, les arbalètes en face qui vont piller. C'est comment le land pour défendre et pour attaquer, justement, pour attaquer du côté de la Gaule et pour défendre du côté de la Perse? En vrai, c'est un peu chiant, les deux. Alors, pour défendre un peu, c'est un peu... En fait, les choix qu'a fait Floppy sont bien pour défendre au niveau de la position de la ville, du campement, etc. Mais que ça soit pour push ou défendre, en vrai, c'est un peu tricky parce que le land est très plat. Du coup, on n'a pas les collines, on n'a pas les collines de forêt qui nous donnent des bonus défensifs. Et tu vois, même si Floppy se décide de défendre sur le peu de forêt qu'il a au niveau de sa cape, bah, c'est des cases qui sont très ouvertes et qui peuvent être tirées. Bah, mm-hmm. On peut tirer dessus avec des arbas et autres et on peut pas... répondre avec d'autres tirs d'arbas sur ces cases. Donc c'est un peu tricky en vrai. En vrai, c'est pas facile à défendre, mais je pense que c'est pas non plus facile à attaquer. Ça me ressemble à un No Man's Land un petit peu, ces cases de plat là, où tu vas avoir une boucherie, ça va être la charpie entre les différentes unités. C'est pas du tout avec féodal, avec mercenaires qu'on va up, hein. Tout va être up en dur, messieurs, dames. On va utiliser 600, 700 balles pour des hommes d'armes. Roi des Éburons gaulois, tour 49, avec un général. Messieurs, dames, c'est parti, c'est maintenant. Ingénieur qui a été récupéré, on aura peut-être une statue de Zeus ici. Il va falloir trouver la tech. Maintenant, du côté de notre ami Floppy, 5 tours tactique militaire. En 5 tours, on a le temps de prendre les positions, j'ai l'impression, hein, Soft. On a largement le temps, parce que quand même, on a le général. Donc, c'est bien évidemment des hommes d'armes qui ont 3 PM. Et le land, comme tu as dit, est très ouvert. Donc là, 3 PM, déjà prochain tour, ils sont au niveau de l'immortel. Dans 2 tours, ils sont quasiment collés à la ville, s'il arrive à taper. Dans 3 tours, on peut commencer à taper dans une ville, peut-être. Ça va très vite. Genre, on n'a pas. Alors, ça ne court pas aussi vite qu'un poney, bien sûr, mais le land est tellement ouvert que là, ça va vraiment aller aussi rapidement que des unités de cavalerie. C'est le round 2, c'est la vengeance de Chuck. C'est parti, il va vouloir se venger sur les villes du Perse. On a 2 tours, une formation en campement ici, mais par contre, on n'aura pas encore le général. On n'a pas encore le général et tout. Ça, en vrai, ça peut craquer chez Floppy. On n'a pas le... Alors, vraiment, encore une fois, la ville et le campement sont... pas. Positionné pour la défense, bah, il va le voir, non? Il va voir le militaire up. Bah normalement là il voit 53 déjà. 53. Il doit se dire c'est vrai qu'il faudrait un petit bélier en vrai. Je viens de voir dans le chat là un petit bélier parce que Chuck là on fait des murs, le push peut presque être stoppé. Hein. Mm-hmm. Un petit mur à la place du marché, puis bon peut-être ce marché en 3 tours on le garde. Je suis pas forcément en désaccord, mais là encore un peu plus d'units et peut-être conserver ses goals. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. On a 800 balles. En stock du côté des Sharks, et je n'ai pas l'impression qu'ils ont vu justement ce play-là, parce que le call marché dans Tartus m'a l'air d'être un tout petit peu sus. De l'autre côté, on a Terracotta 3 tours.
On a un frame rate 6. Avec un ingénieur, est-ce qu'ils ont la vision que Pipo fait Parce que j'ai vu Chuck faire une caserne, il a l'ingénieur. Est-ce qu'ils vont pas tenter un play où ils le volent? Ouais, peut-être. Hein. Regarde. Regarde la caserne, c'est le prochain tour. On a la case. Est-ce que ça one turn avec sur la carte? Oui, parce que ça doit être 200 de prod la terracotta. Je pense que c'est ça. Et donc du coup avec la carte ça one turn terracotta. Oh, le play. Ça serait un beau play hein. Et là les hommes d'armes niveau 1 en vrai. Là, en vrai les hommes d'armes niveau 1. Mama Sita. Et qui tape, t'en mets 2-3 qui te défendent les tirs que tu mets en front et les autres qui tapent à plus 7 là. Et on aura, tu sais que là en vrai par contre chez Floppy il y a un vrai truc, là on va peut-être avoir un différentiel entre les unités, entre le général, le plus 7 de la promotion, on peut avoir un différentiel de plus 13. Hein. Plus la force de l'homme d'armes par rapport à l'immortel, on va avoir un très gros différentiel s'il arrive à mettre en place son... Alors attends, parce qu'en plus il y avait un petit problème du côté de cette terracotta, du côté de Pipo là. Je le vois, il a pas coursier encore, il va avoir donc dans deux tours terracotta, il y a droit divin qui est en train de se up, donc voilà, château prochain tour. Voilà, c'était pour ça. Ah, Pipo il peut pas chop en fait, il est obligé d'attendre deux tours parce que prochain tour il sort l'espion, il prend la promotion de l'espion et seulement là après il peut... Il peut. Attends. Donc il peut chop prochain tour. Là il peut chop prochain tour. Il faut pas qu'il se précipite parce que s'il prend genre là, s'il prend pas la promotion... Oh là 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 là, c'est dingue. Hey mec, on va peut-être avoir un play de mécanique de skill de backlane, vraiment. Tu Est-ce vois, que Chuck il a déjà mis la carte niveau. Ou pas Est-ce qu'il a Parce déjà que mis Est-ce que je mets 6-6 prochain tour et où il veut changer prochain tour? Il a mis la carte déjà. Il a déjà mis la carte. Tu sais que ça va partir instant, je pense. Regarde, l'ingénieur est déjà en place, ça va genre partir instant. Il faut mettre le truc, il faut mettre la terracotta, il faut la trouver, il faut la mettre derrière directement. Peut-être que tu l'oublies. Pipo il doit d'abord prendre la promotion et après chop. Donc il a beaucoup de moves à faire comparé à Chuck qui peut juste poser un peu de terracotta avec l'ingénieur. Ouais, mais Pipo a un meilleur PC. Peut-être. J'ai pas l'info. Attention. Pas l'info. Allez, allez, il a pris. L'espion. Allez. Ouf, c'est lui qui l'a. Chuck est très mou, Chuck. Très vieux. Même pas lancé. Très vieux personne. Aïe. Dommage, en vrai ça aurait été incroyable. Ouais, ça aurait été trop bien comme play. Ça aurait été un des plays comme ça qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, sorcier. Comment? Du coup, il a one turn la statue de Zeus. C'est ok. Voilà. C'est ok. Et c'était peut-être ce qu'il voulait faire aussi, tu sais, on sait pas. Peut-être qu'il voulait faire ça, peut-être qu'il voulait pas du tout deny. Parce que ça lui donne le bélier, ça lui donne 3 armas pour soutenir le push d'homme d'armes. Et ça lui donne la production bonus sur les unités anti-cave. C'est rarement à mettre de côté quand on joue la goal normalement, donc allons-y. Floppy. Imagine, il voulait pas du tout deny. Vraiment, imagine, il était juste sur son play. Je veux faire. Ouais, trop bien. En train de se hype pour rien du Let's tout, go, trop sais. Bien, trop malin. Wow, 500 IQ. Agence de renseignement, okay. 3 tours. On a coursier prochain. On va vouloir up tout ça. On a mercenaire 2 du côté de Floppy, certes. Mais on a guild du côté de Pipo. Donc on doit avoir mercenaire. Bibliothèque en train d'être construite actuellement ici, c'est un peu plus étonnant pour être franc avec vous. Est-ce qu'on a les âges d'or? On s'est mis sur un âge normal du côté de la pips et ça j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce que c'est que ça qui nous a construit comme grand bain ici alors qu'il aurait pu avoir un âge chambre? Ah ok. Il a voulu avoir Il peut poser un château pour son âge d'or. Ah donc il veut avoir un âge d'or qui était pour moi vraiment pas du tout nécessaire, pas utile et surtout négatif pour lui alors qu'il veut push justement pour les prochains tours avec peut-être cette carte d'âge chambre. Tu parlais de Exode des Évangélistes, je suis d'accord. Mais si t'as trop de production à faire justement pour Exode, c'est pas nécessaire, c'est pas efficace. Alors, on a pris un immortel j'ai l'impression déjà. Oui, je pense. Et on va devoir... up dans deux tours des petits châteaux. On a quatre tours à formation en campement ici. Est-ce qu'on a une possibilité de chop ce petit bois en last move pour récupérer un général? C'est chaud. Il faut utiliser un petit peu de gold sur Floppy. Il y en a 800 sur lui. Oh, ça a back. Oh, quel... Oh, le... C'est vraiment une vieille personne. Bah non, mais en vrai, tu prends des promotions. Tu sais que les hommes d'armes, en vrai, genre vraiment, ils se subliment. Je trouve les unités de corps à corps comme ça se subliment avec les promotions. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis très forte, mais quand tu commences à voir que ça soit la défense sur les tirs à distance, le plus 7 quand tu tapes au corps à corps. Vraiment, non, mais t'as raison. C'est vraiment... En fait, ça, c'est une boule d'unité et tu veux. Regarde, vraiment qualifier. Mais moi, je pense. Ça, c'est vraiment le genre.
de push, tu veux que ça il dure longtemps le push et que tu veux vraiment que tes unités elles prennent de l'XP, que tu prends des levels et là et tu bah tu vois, je pense que Azagi qui joue beaucoup goal et beaucoup goal cette version là, tu sais, offensive etc, je pense qu'il aurait tapé avec l'homme d'armes qui était mid life là en mettant 3 unités derrière et je pense que ça aurait tué l'immortel, il aurait déjà pris la position et là il y a une chance qu'il n'arrive pas à prendre cette position. Voilà, okay, c'est... Et c'est pour ça que je disais un peu boomer, genre c'était un move que j'aurais pu faire, genre je back pour prendre le level up et attends je vois. Et attends, je vais taper full life, je vais pas perdre une unité et puis on je vais faire ma boule. Hein, par contre, désolé, pendant que tu parlais. Je pense qu'il faut. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Château, on va EP avec mercenaire. Non, non, on va EP les deux coursiers là directement. On va pas se soucier de ça à mon avis. On va peut-être essayer de récupérer justement la case que je vous disais de bois là qui peut être essentielle. Irène Latenienne qui va nous donner un petit titre de gouverneur en plus. Ça, oh là là, c'est un plus 3 en plus pour notre Victor. Merci, merci le marchand. Et oui, parce qu'on a récupéré un titre de gouverneur en plus. On n'a pas joué la route commerciale supplémentaire. On va jouer le Victor, la garnison supplémentaire. Et on a la valette, messieurs, dames, dans la partie. Très, 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 très bien joué de la part de Floppy. On n'a même pas eu besoin de faire ces murs. On a acheté dans cette première ville de Tarsus. Et on va commencer à hit et avoir un peu plus de sécurité, de solidité sur ces appuis du côté de Tarsus. Je vous rappelle que ce up a coûté la peau des fesses. Ça a coûté 800 balles parce que il y avait pas mercenaire. Ah, il a up sans mercenaire, donc ouais, ça a coûté très cher. Hein. Et maintenant, bon, il y a des coursiers français qui sont sur des lanciers aztèques. Est-ce qu'on a l'espion qui est parti? L'espion, il a quoi comme promo? Il a ce déguisement, suppression du délai requis pour éteindre. C'est incroyable actuellement du côté du français. Par contre, au niveau des guilds, on a eu un truc qui s'est passé dans la game. C'est du côté de Malm, avec son bon choix de Wonder, avec son bon choix de Builder d'heure, on est à 200 de production actuellement dans la game, et on est au-dessus maintenant du côté du mari en termes de stats, en termes de prod, en termes de tout dans la game. Est-ce qu'on aurait la possibilité de prendre un nouveau un nouveau mur? On a encore pas mal de sous, on n'a pas la possibilité de prendre un nouveau mur encore. On a peut-être son général qui a été recruté, oui, général recruté du côté de la Perse, ça c'est bon. Et on va pouvoir défendre donc avec des unités qui vont être un petit peu level up. Va falloir réfléchir du côté de la flop. Voilà. Ça tape tellement pas l'archer. Ah non, l'archer ne tape pas. Vu qu'il y a même un monde où tu tapes pas pour éviter de lui donner des promotions avec l'archer. Hein. Je sais pas trop. Ok, le petit coursier ici. Est-ce qu'on se décale? Ah vache. Le bélier est en train d'arriver en même temps. Le bélier, on a trois arbas. En vrai, ça va vraiment bien aider Chuck, je pense, d'avoir des arbas ou même peut-être faire un trébuchet. Je sais pas si on peut récupérer le général du trébuchet pour Chuck, mais ça l'aiderait vraiment bien, je pense, dans son push. Au moins les arbas. La 4 arbas en soutien à ses hommes d'armes, ça peut vraiment débloquer la situation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on va voir normalement bientôt droit divin. On est parti, donc j'imagine qu'on a mercenaire. Mécanique 2 tours du côté de Chuck. On est en 13 GPT, actuellement moins 3 du côté de la Pips, qui, bah, avec le trône évidemment, aurait pu ne pas être en négatif dans cette game. On continue. Est-ce on ne parle plus de ça. On parle plus de ça. Vite fait, Apologie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. C'est vrai. Parce que, je trouve, pour une chorale, 76 de culture. Un peu low, on a un peu de mal à se mettre en jambes, là, dans son sim, du côté de notre ami indien. Et on n'a pas encore cette religion qui a été spread. On a fait une religion du côté de Malinalco. Et c'est un des trucs qu'il faut faire pour deny prédicateur itinérant. Mettre une religion pas loin du mec qui te met prédicateur. Tu vas voir aussi ta religion qui va se spread. Et ça va deny un petit peu la pression religieuse de l'adverse. Et tu vas peut-être réussir justement à deny un petit peu cette version-là. Du snowball, de la religion, inspiration divine et défenseur de la foi d'ailleurs. Ouais, c'est un peu dommage quand t'as pas un lieu saint pour acheter des unités, pour spread, mais... c'est ok, surtout que les villes du cri là à 10 de pop, tu ne spreads jamais là-dedans, hein, je te le dis. On est parti. Là même dans 50 tours, il n'y a pas de religion dans les villes là, à 10 là, de pop. Oh là là là, il y a le Kilimanjaro, excuse-moi. Oui, qui vient de péter. On a les first moves, okay, puis les piquets. Les piquets. Les piquets. L'espion est pas activé, les piquets. C'est chaud, hein. C'est chaud sa mère. Hein. Oh, le volcan qui va peut-être tuer. Oh non, ah, tu sais que vraiment. Cette explosion de volcan là sur le mob, bon, sur le timing pile du push. Mais c'est toujours comme ça, Soft. C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. Il a pas explosé, ça fait 50 tours, il est là, il chill. T'as 10 coursiers qui arrivent dans ton monde, il décide d'exploser à ce moment-là. Welcome. Welcome. Bon, c'est bon, on a réussi à se défendre du côté de Floppy actuellement. Ce push manquait de soutien, de mixité au niveau des unités. T'en parles souvent quand on caste ensemble. Avoir un team build d'unités, c'est ça qui permet de débloquer les fronts massifs de ce genre-là. Et donc les unités à distance, les petits arbas, les catapultes, ce que vous voulez. Mais avoir... Alors, on va être sur un statu quo. Hein. Pour le moment, oui. Avec le petit mur qui a été récupéré là dans ma chaîne, alors on n'a pas utilisé la valette, peut-être qu'on l'a deny. Non, Floppy qui a 8 émissaires. Il aurait pu en acheter un avec la foi dans pas si longtemps que ça, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il a 7 de fois par tour, donc ça aurait fait dans 3 tours. Donc il aurait pu se l'économiser, cette petite prod de rempart antique. Mais non, on essaye de rester un peu plus solide. Par contre, au niveau de la prod, au niveau de la tempo, eh bien, on est en train de s'écrouler du côté de Floppy. On est à 79-84 dans la game. Alors que du côté de Chuck, après avoir mis ce push-là, ça a coûté de l'argent, ça n'a pas pillé grand-chose comme case, mais ça lui a permis de prendre de l'espace. Et peut-être de resettle un petit peu son land au sud pour pouvoir avoir une game de re-snowball dans la game. Peut-être. 30 secondes avant le prochain push coursier. C'est chaud, c'est chaud. En vrai, c'est chaud de ouf là. L'explosion. Alors, on a acheté. Non, on a un poney pour défendre la case derrière. Mais du coup, on est obligé de refaire du militaire pour Malm. Alors que vraiment, il avait déjà investi de la prod militaire pour justement défendre ce push. Ouais. Oh, il y a un coursier qui passe là, j'ai l'impression. Où ça, là? Ouais, tu le fais passer, je suis pas sûr que je le fasse passer. Juste pour aller piller, là tu montes. Hein. Façon, tu passes par la ville, apparemment. Oh, allez, let's go. Okay, c'est bon. En vrai, c'est le bon play. Ça, c'est le bon play parce que Malm, là, sinon, il se fait ouvrir. Hein. Si là, il fait pas ça, en vrai, ça, c'est un bon play de LDK. Faut vraiment qu'il avance LDK, faut pas qu'il défende là. Parce que Malm, ça va pas tenir. Plus 5 de bonus d'attaque du côté. Ouh, des piquiers, et on est en plus 4 avec héritage oligarchique. On s'est mis en concave avec ces unités là, c'est pas mal puisqu'on a permis, on a permis en fait à créer une nouvelle ligne ici beaucoup plus solide. Par contre, je pense que ça tombe, hein, messieurs dames, ça tombe. Et donc, du coup, tu prends une autre position, tu peux retaper avec ça derrière. Attention quand même, hein. Tout ça peut va, taper. C'est chaud, hein. Tout ça va, peut ça taper. Passer comme, oui, oui, ça va passer. Par contre, on aurait pixel sur les moves, hein, je vous le dis. Du côté de Pipo et du côté de la défense, on est toujours bien du côté des Sharks, mais cette game est très équilibrée, messieurs dames. Game de civilisation, première game des playoffs de la saison régulière. Les équipes ont joué 12, 14 matchs durant la saison, ça a duré 2 mois et demi. On est en playoff, il y a eu un tie-break entre des Sharks et SPA la semaine dernière. Des Sharks a gagné la suite, superbe game. SPA avait montré un super niveau, et là encore aujourd'hui, les deux équipes nous procurent du très bon jeu. Ça va être dur, non? Moi, j'ai l'impression que ça va être dur à défendre, hein, pour moi. Alors, si on ne touche pas, c'est dead, hein. Ah ouais, c'est bien de jouer le petit décalage du côté de Chuck, mais les unités sont vachement affaiblies. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de Chuck pour avoir des unités autant affaiblies? J'ai l'impression que ça traîne, hein. Je vois du coursier qui est un petit peu low life, de l'home down. Il n'y a pas tant d'unités aussi du côté de Floppy, donc peut-être que tu vois, il y a eu des petites escarmouches de certaines unités. Et de l'autre côté, mais ça ressemble, comme je te le disais. Du côté de Joss, on n'en a pas trop reparlé. Il lui manque peut-être un petit peu de snowball. Il est un peu loin, ça, Joss. Ouais, en termes de sim, il lui manque peut-être un petit truc actuellement. Ma body. Oh, les âges d'or. Les âges d'or, on n'a pas vu. On n'a pas vu les âges d'or, frère. Âge sombre, âge normal du côté de Chuck, c'est le seul à être en âge normal c'est dans cette partie. Sinon, tout le monde est en âge d'or, même la Pips. On en avait parlé de la Pips tout à l'heure. Tambour de guerre. Ah, amusant, ça c'est bien. Tambour de guerre, France, 73-49. Tu sais, on disait, on critiquait un petit peu tout à l'heure, moi je préfère à chambre, etc. Avec à chambre, ça passait bien ici quand même, je pense, hein. Voilà. Mais le plus à chambre, en perso. Oh non ! Oh non, c'était avec le level 1 ! Oh non, le misplay ! Le misplay ! C'est le 1 qui a... Le misplay, petit power paps. PPX, comment dire. Ah, c'est vrai que du coup, il perd une tape, il perd un tour sur la case, sur la pose. Ah, ça se joue à ça en plus dans Civilization. Non, mais... Tu joues un tour, la case qui est prise, machin, et tu snowball derrière. Le coursier a toujours 6 PM, il avait le carapaçon, il avait le plus 5 contre les unités avantagées contre la cavalerie, contre le piqué. Il devait taper ça avec une autre unité, retaper et prendre deux positions à gauche, à droite, pour pouvoir retaper à droite là et à gauche ici. Il n'a pas fait ça, et malheureusement, je pense à cause de ça... Il y a quand même un plus 12 de renseignements. Malm n'a pas. Ça fait quand même chier. Malm n'a pas d'imprimerie, il n'a pas d'espion. Alors, Aegobé préserve. Alors, oui, effectivement, les réserves. Bon, ben voilà, on va voter pour ça. Et puis après, on va voter pour AA. C'est un gros congrès, Soft, quand même.
Le... C'est un gros con et sacré qui le gagne, c'est Sandy Shark, j'ai l'impression. Oh, alors que c'est plutôt une signature LSC de jouer les congrès, la Diplo, on est à 2 votes de plus du côté des Deschark, donc on va pouvoir saluer une des résolutions. J'ai commencé à voir le Mabody. Est-ce qu'on part sur une sneaky Diplo tout en essayant de gagner une résolution? Ça peut se faire en vrai. Est-ce qu'il y a un truc qui est plus important qu'un autre? Là, les routes co quand même. Ouais, les routes co, hein, route peut-être. C'est important. Doubler les ports, non? Ah, je pense que c'est plus important les routes co, non? C'est ton économie là, si le Maori il fait moins. Ah, parce que regarde la génération de gold là, des équipes au niveau des yields, on est quand même. Oh, on est mieux maintenant. C'est important. Hein. C'est important, le Maori, oui, c'est important hein, quand une génération de gold. C'est important qu'il continue à générer du gold. Hein. Ouais, je suis d'accord. Si tu veux faire des push, si tu veux up, si tu veux défendre, si tu veux mettre de la tempo sur la France par exemple, pour un prochain push à la cavalerie par exemple. Je pense que c'est important. Mais après, c'est chiant si tu te fais bloquer les ports. De toute façon, tu peux en gagner qu'un des deux. On est au mais premier congrès. La petite clochette de mid-game. Est-ce que tu as un pronostic, une prédiction, un truc? Est-ce que tu peux nous dire, bah là je sens un peu plus ça, ou on sentait pas trop D-Shark, on sentait pas trop machin. Est-ce que t'as un avis, un pronostic? Le promo de la mi-temps. La promo de la mi-temps, je sens toujours bien D-Shark. Par contre, la Stex, ils ont vraiment super bien joué pour bloquer un peu cette France. Donc ils déméritent pas, mais je pense quand même toujours que D-Shark est devant. On a toujours Apo et Joss complètement frissime hein, dans la game. Genre. Même si Mal fait une très très bonne game en termes de sim, c'est le seul qui a vraiment bien sim. Production doublée pour le centre-ville et moins. What? Il s'est passé quoi là? L'Aztec a bloqué les. Non. Si, c'est l'Aztec. Ouais, c'est l'Aztec qui a bloqué les centres-villes. Okay. Non, l'Aztec a choisi les centres-villes. Ils ont pas bloqué, c'est doublé. Ah oui, doublé, pardon. Doublé la production des centres-villes. Attends, si... oui, voilà. Je me suis pas trompé. C'est doublé la production pour les bâtiments de ce quartier, donc ça comprend les greniers, les monuments et les remparts uniques, évidemment. On avait choisi les ports du côté de l'équipe des Sharks. On a perdu ce congrès-là. Et sur la Diplo, eh bien, on a aussi perdu, puisqu'on a voulu jouer un petit peu tout et faire un super congrès Diplo. On avait commencé le Mahabody en plus du côté du coupé, et on a perdu celui-là aussi. C'est LDK qui reçoit la Diplo. On a quand même réussi à mettre le Minus Gold du côté de LDK. C'est un moindre mal, mais c'est dommage parce qu'on avait 2 votes de plus, et pourtant, on a perdu 2 des 3 résolutions, et on voit maintenant la Diplo bah, s'envoler. Il y a 4 points du côté de l'équipe LSC. On a beau avoir peut-être un tout petit peu de faveur de plus, c'est un congrès remporté du côté de LSC. Donc stratégiquement, si on peut résumer un peu ce début de game, militairement parlant, au niveau des plays, de l'impact, de la vision de jeu, des congrès, un peu de l'intelligence de jeu global, moi je mets quand même LSC devant dans cette partie. Ah ouais? Ah bah au niveau de tout ce qu'ils nous ont montré pendant ces 55 premiers tours, ils ont été devant en termes de IQ dans le game. Enfin, ils ont été devant. De gestion de jeu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, mais attention, ça m'inquiète. Apo et Joss là, c'est quoi d'ailleurs? On a pris quoi pendant la pause là? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme âge d'or? Ouais, pour le scaling. Alors, Apo est en menu, double menu, 70-87, okay. Let's go. On va resettle, on va réaménager nos cases, on va aller en haut, on va aller faire des trucs. De toute façon, cette deuxième menu, non? Regarde son land. Non, moi je pense que s'il veut vraiment rescale, il faut qu'il reparte en menu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un Pain and Rush? Ouais, même la menu, regarde son land à aménager, je le vois pas. Il a pas tant de ville que ça, resettle. Mais non, mais il va. Regarde, il va se remettre une petite ville sur la côte, il va mettre ses aménagements uniques. Et je prouve que c'est d'ailleurs un truc qui blesse un petit peu, qui est pas terrible sur son land actuellement, c'est que je n'en vois pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4. Moi, c'est un truc que je spam à partir de Fidelity avec Gandhi, l'aménagement de puits à degrés qui devient extrêmement fort. Et donc, qui permet justement sur des lands comme ça, en fait, d'avoir une ville correcte. Et donc du coup tu peux très bien mettre une petite ville dans la toundra là, tu vas travailler tes blés, tu vas travailler 2 mines, tu vas mettre 2 aménagements, je sais pas où là, sur le chop ici et puis sur la case de plat, et tu vas avoir une ville qui va avoir de l'habitation, qui va avoir de la food, qui va avoir de la foi, qui va réussir à travailler des cases, qui va lui permettre de gros et avoir la position des quartiers etc au fur et à mesure. Donc moi je déteste pas la deuxième menu, on n'a pas été voir sa religion non plus, est-ce qu'il a les watts, est-ce qu'il peut les acheter, est-ce qu'il va les produire, il est parti un petit peu sur Theater actuellement, je pense que si c'est très confort, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'enlever tout un plan macro game de la partie pour se focaliser sur qu'est-ce que je dois faire comme quartier, comme Wonder, etc. Et d'ailleurs, en parlant d'Wonder, j'ai vu Grand Bibliothèque, elle était lancée de la part de quelqu'un. Est-ce que c'est Malm? C'est lui qui avait l'air d'avoir la meilleure tempo, donc j'imaginais plutôt sur lui. Grand Bibliothèque, Maori, bah ouais, du coup, il avait une bonne tempo. Voilà, oui, c'est lui.
C'est bien, Joss. Voilà, des marqueurs importants dans la partie. Grande bibliothèque qui va vous permettre d'avoir des Eureka au fur et à mesure de la game. Plus il va y avoir de scientifiques qui ne vont pas être recrutés de votre part, plus vous allez récupérer des Eureka. Et si vous jouez intelligemment au jeu, essayez de débloquer vos Eureka les plus simples assez rapidement pour que les Eureka que vous n'arrivez pas à faire ou qui sont difficiles en termes de production à réaliser dans la partie puissent être faits par l'obtention d'un savant illustre par l'équipe adverse, par le joueur adverse. Genre, par exemple, voile carré. Bon, tu es une unité avec un mousquetaire. Ça se fait. Mais c'est relou. Voilà, parce c'est relou. Voilà, faut que tu fasses l'armurerie en plus. Donc, c'est quand même assez. Faut que tu fasses caserne, armurerie. Ah, le mousquet derrière, que tu sois à côté d'une cité-état, que tu kills l'unité et que ça débloque voile carré. Bon, bah, bonne chance, mon frérot. Mais ça se fait. Mais voilà, on préfère avoir ces petits boosts-là que par exemple mécanique, avec le boost des trois archers. Tout simplement. Voilà, donc petite pause encore pendant deux minutes. Ouais, vas-y, pour finir les âges d'or. Vas-y. Oui, les âges d'or, excuse-moi. Libre pensée du côté de Joss, tambour du côté de Pipo, libre pensée du côté de la flop, Apo qui est parti monieu, du côté de Chuck, âge normal, Malm est parti en âge d'or, stylo, stylo expli et stylo LDK. Ils sont vraiment pas fun hein, aujourd'hui. Alors que j'avais mis. Ah ouais, il y en a pas un qui a fait libre pensée là. Mec, il y a eu 4 stylos première R, il y a 3 stylos deuxième R. C'est genre, c'est. Alors que j'avais dit, oui, c'est l'équipe la plus exotique, ils font des plays un peu créatifs, ils jouent des drafts. Intéressante, etc. Et là, on voit des trucs un peu rompiches qu'on voyait, tu vois, un petit peu de old school, quoi. Avec ce double pen and brush très très classico-classique, même si la metagame se tourne plus sur libre pensée, plateforme co maintenant. Oui, ce que j'allais dire, en fait, finalement, c'est finalement un play exotique, là, cette deuxième. Oui, c'est pen and brush, on est plutôt sur une méta libre pensée, deuxième R actuellement. C'est plus inhabituel qu'avant, je suis d'accord avec toi au final. Puis il y a eu double stylo comme ça sur la deuxième R. Non. En vrai que les trois partent stylo, il y en a au moins un qui aurait dû partir libre pensée pour booster les copains, non? Si ta libre pensée elle est vraiment mauvaise. Hein? Est-ce qu'il y a vraiment de mauvaise libre pensée? Bah là déjà elle paraissait pas top hein. Bah pour Malm elle a pas l'air top. Après genre, 4, attends, 4, 8, ça fait 12. Mais en 12, fait c'est pas que ça en vrai, 13. En fait, c'est aussi le... Bah, c'est les boosts. Le boost des Eureka, bah ouais, le plus 10%, tu vois. C'est ça qui est bien aussi dans la libre pensée. Et tu vois, que sur les 3, t'en aies pas au moins un qui parte là-dessus pour boost justement la team, je trouve ça un peu bizarre. Et en vérité, je suis en train de regarder un peu partout. Tu vois, on a une dizaine minimum. On a les 14, je crois, ou 12 du côté du CRI, on en avait une dizaine minimum du côté de la Steak. C'était cliquable. Après, il y a peut-être des raisons de pourquoi aussi, du comment. On a peut-être Service Diplo qui a envie d'être cliqué du côté de LDK, tu vois, pour avoir des meilleurs traders. Il y a peut-être les deux étoiles qui sont importants pour lui. Il y a peut-être des timings qu'il imagine dans la game qui vont être plus essentiels que de partir sur une accumulation de chance un peu plus soutenue pour le mid-game. Alors là, ça va être important. Tu peux faire pause pipi avant que ça reprenne. Vas-y, mec. Tu veux faire toi. Je sais que t'aimes bien aussi aller. Non, j'ai pas encore trop envie. Vas-y, je te ferai plus tard. Pas de soucis, ça arrivera à un moment. Allez, 3, 2, 1, on est reparti, le coursier, on s'est mis un peu d'eau sur la gueule, on s'est mis 2-3 petites tapes, Rocky Balboa, Eye of the Tiger, on est parti du côté de la Pips. On a un petit piqui à taper, on peut réussir à faire un bail, est-ce qu'on peut Shift Hunter quelque chose? Est-ce qu'on peut réussir à mettre un cavalier dans la choke directement? Et non, on va avoir besoin d'un petit peu de tour supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur cette case, on se déplace. Moi, je pense qu'il faut rester sur cette case, hein. Parce que sinon tu vas pouvoir te faire taper, là ça va être la merde. Donc du coup ça va être débloqué. On a mur un tour, les murs ça va être bien, on a un arba qui arrive. Ça va augmenter la défense justement des projectiles des murs. Plus vous avez une unité à distance qui est augmentée en termes de niveau technologique, plus vos murs vont faire des dégâts. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que ça s'est bien passé du côté de touche pas? Je voulais pas noter parce que c'était le petit changement d'air etc. Mais les murs sont arrivés grâce à la valette encore une fois, donc touche pas. Eh ben, on a réussi à sauvegarder la ville. Ce push homme d'armes aura permis quoi du côté de Chuck? Bah, ça aurait permis en fait de se créer de l'espace, comme je disais tout à l'heure. On a un petit peu moins de science maintenant, on a un peu plus de score. Les deux sont plus ou moins dans la même situation, un peu irréel, mais il y en a un qui fait 100 GPT pour son équipe et qui va pouvoir peut-être permettre de remettre un push du côté de la France avec de la cavalerie, encore une fois, des trubuchés en train d'être mis. Est-ce qu'on veut aller sur le cri ici? Peut-être, pourquoi pas. Ça clique? Ça clique pas? On a encore 2 PM ici. Est-ce qu'on peut attaquer?
Je ne pense pas qu'on puisse attaquer, on ne peut pas attaquer du tout, messieurs, dames, dans ces coursiers français, que ce soit du côté de l'Aztec ou que ce soit du côté, surtout, du cri. First move. Mal, et first move normalement. Oh, on a pris cette position-là. Je n'y croyais pas, messieurs, dames. Les enfants, papa, réveillez-vous, il est en train de doubler. Je n'y croyais pas. Et c'est parti, c'est maintenant. On va avoir un bonus de contournement de plus 4, 6 PM, 3 pour franchir la rivière. Et on se déplace. On se déplace, on pille, on prend l'up. On se déplace, on prend up, on pille. Et on va pouvoir taper prochain tour. Mais allez, rempart. Et qu'est-ce que tu sais? Eh oui, vous avez perdu ce congrès. C'est malheureux, c'est dommage, mais un bonus de contournement plus 4. Softstyle revient, putain. Il se passe des trucs, plus aucun piqué sur la front lane. C'était un peu à prévoir. Piqué deux tours, piqué un tour. On est obligé de remettre de la prod. Il y en a un qui ça va profiter. C'est qui, messieurs, dames? C'est le Maori, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est Takupu, c'est Kaiopoi, c'est le Maori, c'est Joss qui est tout seul dans la partie, en free sim, actuellement, dans sa game. Un petit peu pareil aussi du côté du Gandhi. On a le Mapouche, on n'a pas été regardé. Il essaye de tenir en termes de stats 157-152. Pas Roger du tout pour une cible vraiment vanille qui est parti Magnus interne, plateforme commerciale avec un land qui est pas si efficace, si snowballant que ça au final. On a un petit varou d'ailleurs qui est aux frontières avec un petit cheval qui est pas loin, qui pourrait peut-être s'infiltrer dans les frontières du Mapouche pour piller 2-3 cases. Il y a l'air d'avoir des chevaux en défense quand même un petit peu partout. Je regarde d'ailleurs le score militaire. On est à 548 du côté de la paire, c'est pas lui que je cherche. 472 pour Xpli, on est qu'à 130 du côté d'Apology, donc... Le petit guerrier, le petit éclaireur, le marou, machin là, c'est le maximum qu'il y a évidemment dans son land. Amphithéâtre, théâtre, marché, il y a eu des bails, mec. Je te laisse regarder, mais ça s'est infiltré. Waouh. Ok. Waouh. J'ai fait pareil. J'ai fait waouh. Tout est mort. Il a pas réussi à bloquer. Après, c'était chaud avec l'explosion. On avait déjà deux piqués midlife. Bah, bien sûr. On n'avait rien derrière. En fait, on n'avait pas d'unité derrière pour le bonus de soutien également. Et on a imprimerie de retour. Ça pour moi c'est un petit misplay, tu vois. Agence de renseignement en prochain tour, on aura donc l'espion, on va devoir l'envoyer deux tours, trois tours de déplacement pour rééquilibrer un petit peu les bonus militaires. En attendant, éducation du côté de Pipo. C'est un peu étonnant quand même parce qu'il a une 80aine de sciences et avec 80 de sciences on peut partir comme ça tout de go sur sciences militaires et s'en foutre un peu de mettre des universités. Il voit peut-être une game un peu plus loin avec peut-être des hélicoptères dans sa game. Vas-y, clique, il l'a pas cliqué, il n'y avait pas de promotion. On a perdu un premier coursier. Tu sais que ça, et c'est là tu vois où je dis, je pense que c'était du coup à LDK hein, de prendre la front. Oh, il passe pas, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, quand même. T'sais, il y va tranquille, il essaie de pas se faire envoyer le général à la maison, j'ai l'impression qu'on y va tranquillement. Ouais, on a... Ah, et là, tu vois, voilà. C'est, et ça, c'est chiant, ça. Parce que là, voilà, Malm, il est obligé de faire des piquets dans toutes ses villes. Voilà. Et là, des... tu vois, Malm qui était pour l'instant le free simmer de l'équipe de la Stec, bah là... Et puis free sim. Et c'est pour ça que je te dis que j'aurais aimé en tout cas que LDK trouve le moyen d'aller prendre la frontline. Pour éviter ce genre de play. Cette frontline là. Ouais, celle-ci ici, là. Au niveau du lac. Ouais. Mais elle est difficile. Hein. Elle est dure. Hein. Elle est pas dure. Simple. Mais je pense que c'était son play, tu vois. C'est à lui de faire ça dans la game. Ok, j'entends. Et maintenant on est dans cette situation qui remet un petit peu les compteurs à zéro si on met vraiment les stats sur le papier et si on fait un calcul de foot prod total. Parce que j'ai l'impression que LC était un peu redevenu devant. Mais maintenant, oh my god, ça va être un peu chaud. On a Abou Al-Kassim Al-Zahraoui qui vient d'arriver et qui va permettre de défendre un peu plus efficacement, vraiment, pas vraiment, au final. Bah, le truc c'est que les coursiers là, en fait, c'est pas des coursiers pour prendre des villes, c'est des coursiers, ils vont être là pour piller, donc on va courir dans le land, on va essayer de piller des mines, on pille un maximum de cases justement pour bah, ralentir Malm dans la game. Et on va ça piller... va être ça, le but est Malm, lui va devoir essayer de fermer la frontline, en plus regarde, il y a la petite arène à pied pour ce heal, la petite ferme derrière, c'est l'arena aussi, le complexe donne de heal je crois. Non oui, t'as tout à fait raison, on a arena plus la ferme derrière, par contre attention, il y a des joueurs en face qui cliquent vite, bien. On peut avoir le petit homme d'armes s'il y a un général. Non, il n'y a pas de général, il ne pourra pas taper. Malinalco, bah, mur de tour. Il a flairé. Et je pense qu'il sent bien. Mais par contre, c'est encore une fois la production qui investit sur des moments qu'on n'a pas envie. Voilà, c'est deux tours de production dans une ville qui aurait préféré faire un nouveau bâtisseur pour aménager de nouvelles cases, etc. On n'a pas tapé au niveau des coursiers.
on n'a pas tapé au niveau des coursiers et on peut se faire peut-être un petit peu que qui sait ce qu'on va vouloir prendre la conca, faire un genre de C. Ça me paraîtrait un petit peu ballsy, mais on a beaucoup d'unités. Prochain tour, on va voir exactement bloquer le général, mais on pourrait reprendre la position. Pipo, c'est pas le plus gros first mover de la Terre. Hop, 151. Il a des bons first moves quand même, le gaillard. 151 ici, ça fait 450 gold. Oh, on se régale, ça c'est déjà juste worse. Hein. Déjà juste là, tout ce qui a été pillé, c'est worse. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est réparation plus des gold pour son équipe qui vont pouvoir être utilisés. Et autre chose aussi, c'est toute cette production. La prod investi, c'est... Ah, t'as vu tout ce qu'il est obligé d'investir en prod pour juste défendre. Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est même peut-être trop maintenant? Tu vois, les deux, voilà, c'est bien. On repart une Yves dans cette ville-là, l'autre ville aussi, je pense. On a assez de piquets, il n'y a plus que 4-5 coursiers. Peut-être qu'on va se faire avoir peut-être dans le bac, mais on va avoir la possibilité avec les piquets qui sont là peut-être de conserver justement le back lane sim encore du côté de ce cri-là. Je pense qu'il faut repartir sur un petit peu de sim. Maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Pipo de la suite de sa partie? Parce que c'est bien beau d'avoir fait 7 coursiers mercenaires pour pouvoir les up et aller piller quelques cases. Ça va peut-être... Est-ce qu'il y a un play chez le Mapouche? Peut-être des coursiers qui seraient partis au sud qu'on n'a pas vu. Ah, ok, c'est par contre c'est le Mapouche qui fait un play. Des malons. Ok, il y a deux coursiers ici aussi. Il y a des petits malons là. T'as raison. On est en âge d'or du côté de français. Tard, ces coursiers au sud là. La Hunza à pied, ça pourrait être pas mal ça par contre. La Hunza c'est à qui? C'est à LDK dans la game. On regarde les cités un instant. Xpli 12. Les cités tableaux, waouh. 12 émissaires Xpli. Les cités tableaux sur la stack. Ah, exactement. Et ça c'est Gamebreaker. C'est un impact qui va être. Ce qui peut être trop important dans la partie. On a Shingwetti qui est en train d'être récupéré. Shingwetti qui était pour Floppy actuellement dans la game. Et on va récupérer ça avec deux petits faux. Deux Gézas. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les CS bleus pour en avoir aucune? Alors on va regarder justement. On a Pipo qui est sur Ayutthaya. On va avoir Floppy qui était sur la Valette et c'était compréhensible. Je pense qu'on est en train d'économiser du côté de notre ami Joss. Joss, je ne l'ai pas vu sur une cité actuellement dans le début de la game. Je me rappelle pas de le voir. Ah, Fess peut-être. Il n'y avait pas Fess dans la game. Il n'y a pas 4 cités tableaux. C'est Fess qui a été rasé. Fess qui est ici. Très très bonne gestion des cités tableaux du côté de LC. On a 3 CS Pocket. J'ai l'impression. Enfin, on a 2 CS Pocket bleus. Donc c'est normal que celle-là les ait pas. Mais la 3ème en dessous de la France, ça c'est pas normal. Oh là là. Alors attention, on est Shift Hunter. Qu'est-ce qu'on fait? On a 2 fronts à gérer. 2 joueurs différents. 2 êtres humains, messieurs dames. Un joueur cri, un joueur Aztec qui sont en train de jouer contre le français. Les Shift Hunter. Peut-être pour se repositionner, pour aller sur les fermes, on a bien positionné les piquets, il y a un coursier qui fera rien, il y a un coursier qui fera rien qui sera tué directement, bien joué de la part du cri, on a renvoyé le général et ces deux coursiers qui viennent d'être tués, très très bien joué de la part de LSC, on va peut-être permettre quand même de récupérer encore une fois deux nouvelles cases, on est d'accord, mais c'est un moindre mal, on fait le taf quand même. Ok, pas Shift Hunter, c'est tout ce que je retiens. On est d'accord. Ah, c'est criminel, hein. Je suis désolé, Pipo, mais criminel ce que je viens de faire. Hein. Pas Shift Hunter. C'est une game importante, putain. Shift Hunter. Tu shift Hunter pas souvent dans une partie. Voilà, donc on est parti. Oh là là. Bon, on va faire réparer maintenant. Le Pony qui vient de perdre, par exemple, à Pachko Ashki, là, qui l'a perdu à gauche. Ça, c'est le Shift Hunter. Si je Shift Hunter les deux, il en perd aucun des deux. Hein. Enfin, sur ce tour-là, il en perd aucun des deux. Même, du coup, il en perd aucun des trois, si Shift Hunter intelligemment. Sur ce tour. Est-ce qu'on a des nouvelles unités en train d'arriver? Coursier, coursier, coursier. Ok, mais il n'y a pas de second souffle véritablement pertinent du côté de Pipo. Toujours 729 de force militaire. C'est 884 de Chuck. Actuellement, les plus impactants, les plus imposants. Plutôt, pas impactants, imposants. Actuellement, il a pris la ville en haut. Bah oui. Mais non, la Valette. Ouais. Merde. Ouais, bah pas de bélier. Hein. Pas de bélier. Bah pas de bélier. Pas de... Il est resté à la maison, le bélier, finalement. Ouais. Merci à Kat pour le Prime, 68e mois, on le lit quand même en live, voilà, on publie à tout le monde, merci beaucoup pour le soutien. Ça fait merci à Kat. Ça fait 6 ans quasiment. Donc merci beaucoup à lui. Juste retour sur la game de Chuck, là ce up de homme d'armes, qu'est-ce qu'on en pense au final? Est-ce que c'était ok, c'était positif, c'était négatif, c'était neutre? Comment tu le vois? Je pense que c'était un bon play s'il avait été couplé avec d'autres unités. Ok, mais là, si on enlève le si, là actuellement, fact, c'était un play neutre, négatif. Ça a coûté 600 gold. Oui, mais ça. Pour rien. Ça a même pas pillé, genre, on a même pas pillé des cases pour rentabiliser ce push. Ok. On a forcé des up en face, mais il avait mercenaire. Et on a floppy en 100 GPT. Donc c'est-à-dire qu'on se met en 8 GPT contre un mec en 100 GPT maintenant. Tu vois ce que je veux dire?
Donc c'est vraiment même négatif moins. C'est-à-dire qu'on a utilisé du gold, on en utilise encore contre un mec qui n'utilise plus de gold sur son front et qui va en fournir à son équipe pour les prochains plays. Donc vraiment, dommage à part de Chuck parce que c'était un super play, moi j'ai adoré, mais c'était pas très bien réalisé, pas très bien senti au final, pas très bien finement joué en fait. Oh, pas mal, là, les deux coursiers, les trois coursiers qui ont été joués n'ont pas été si mauvais que ça. Le général a été renvoyé, mais voilà, on a plus de quartier diplo qui a été pillé. Et l'autre aussi va être pillé normalement au prochain tour, on va avoir du mal à suivre ce coursier français. Ok, donc un petit coursier qui arrive aussi en front ici. Et on est en train de faire un trébuchet depuis tout à l'heure. On y va justement du côté de la pips. Et on regarde... Et regarde mec. Ouais. Tiens, je te parlais des écuries. C'est prod depuis 10 tours, ça a été des coursiers, ouais. Des trébuchets. Ah, c'est toute l'XP perdue ça. Non mais c'est peut-être un level 2 sur certains coursiers qui lui aurait permis de... Regarde. Ce coursier serait level 2. Ça c'est vrai. Ça c'est une écurie de tes niveaux 2. Voilà la vérité, la réalité des plays. Ce coursier aurait eu le level 2 avec l'écurie. Donc il aurait permis d'avoir la promotion supplémentaire. Il avait le plus 5 contre la cavalerie évidemment. Mais il aurait pu avoir. Donc c'est PM. C'est PM la promotion de gauche, ouais. Je crois, hein. Donc du coup on aurait été bon pour pouvoir piller des quartiers avec en utilisant un seul PM sur ces unités là. Donc ça aurait pu être un peu impactant, je pense. À droite, c'est le contournement. Donc oui, c'est pillage, c'est PM à gauche. On n'a pas oublié l'espion du côté de Malm. On est en train de le mettre sur écoute. Il y a le campement en train de... Oh, le petit Malon, effectivement, il est rentré. Est-ce qu'il va réussir à piller une case? Ça dépend des PC. Tu sais pourquoi je pense qu'il va piller? Parce que là, Pipo, il va vouloir peut-être first move ses poney chez Malm. Ouais, il faut qu'il fasse un choix en fait. Est-ce que je défends ma mine ou est-ce que je pille le quartier diplo? Bah, si on réfléchit un petit peu, est-ce qu'il peut se faire tuer ce coursier? Non. Tu shift hunter ça? Quand même, hein? Bon, non. Attends. Non, mec. Ouais, non, ok, il peut pas. Non. Ouais, par contre, il peut se faire bloquer. Genre là, les cavaliers de mal, mon shift hunter, et du coup après, voilà. Alors que là, on pourrait peut-être aller piller une autre case derrière, à voir. Je pense qu'il y a un shift hunter à mettre, il n'y a plus que deux coursiers, pas besoin de mettre pas besoin de mettre un gros fast move, tu sais, un gros first move dans le prochain tour sur ces deux coursiers là, juste un shift hunter. Après tu débloques ton shift hunter et tu essaies de tuer ce malon. À voir maintenant qu'est-ce qui va être décidé. Le mapouche, c'est plus simple pour lui, il a juste à cliquer ça en début de tour, c'est sa première action à faire normalement dans la partie. Oh, il back. Oh, il se fait tuer en plus. Oh, il back, il se fait tuer. Oh non, le... Oh, ça c'est... Je suis désolé, hein, mais... On ça c'est eu... vraiment un play de... On a eu le level 2, on a eu le level 2. Ok, nickel. Oh non! Ne meurs pas, t'as le level 2. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien le bouge, limite en lag, tu sais, c'est... il bouge en wifi. Genre, je me fais tard. Je bouge, je prends ma promotion. J'ai lag. J'ai lag. Ok, donc on a la promotion niveau 2, la déprédation. Le pillage ne coûte qu'un seul PM. Ça fait yé de BDC. Celui-là, s'il passe à gauche, là tu fais center à gauche, et tu vas vraiment le plus loin possible dans le land, là où tu peux pas te faire rattraper, et là tu... Tu vas là, là. Là, tu vas... là, normalement, il a la vision sur fesse, parce qu'ils ont su fesse, donc ils ont l'info, tu vois. Ah oui, tu fais ça, tu là, fais tu carrément ça. Tu feras ça là, sur le... Bah, du coup, le maïs, parce que tu peux pas center plus loin, et après, tu cliques. Tu cliques, et tu vas là, et tu peux piller, parce que tu vas sortir, tu vas arriver sur le blé, et après, ça va te coûter 4 mèmes pour arriver sur le charbon, enfin la mine. Et comme t'as des prédations, tu vas pouvoir piller. Donc, c'est pas encore fini du côté de Malm. Il joue super bien ce coursier, mais il peut faire du dégât. Ouais. Faudrait Shift Hunter du côté de Malm. Genre devant le coursier, peut-être. Histoire de se mettre... Ouais, pour faire bugger son Shift Hunter. Ouais. ça pourrait être une réaction un peu bizarre. Ça pourrait être pas mal. Mais aussi, d'un autre côté, il faut faire attention à ce que la ville ne soit pas toute seule. Parce qu'on a quand même des coursiers français... qui pourrait double tap, last move, first move, tu sais, au cas où qu'il n'y ait pas de choix fait dans le milieu du tour de la part de Pipo. Tu vois le move que j'imagine? Ouais, je vois le move, mais j'ai l'impression qu'il a la tête dans le guidon, Pipo. Il a déjà pas tapé la ville. Ouais, voilà. Donc... Je pense qu'il ne le fera pas. Petit Malon dans le bac, ici. Et ça, c'est dommage, en vrai, par contre. Je veux juste pour souligner, c'est dommage, parce que, ok, on rase une 16 bleue. Voilà. C'est bien, ça. Ça c'est bien. Mais hein. Juste pour Pipo, c'est dommage qu'il voit pas le play de prendre des villes, d'essayer de snipe des villes avec deux coursiers. C'est vraiment des choses que tu peux faire avec la France. Genre une ville, pas de mur, tac, juste arrive, tu mets deux hits, t'es mid life, c'est fini. First move et tu prends une ville quoi. Ça c'est vraiment des plays qu'il faut essayer de voir quand vous jouez ce genre de cible. Alors, un shift hunter d'un côté ou pas?
Voilà. Oh alors... non, faut aller dans le land. Non, non, Nalanda, c'est bien ancien Nalanda. Il doit y avoir des cases à piller, il va avoir du campus, il va revenir après. Tu sais, il peut rester là. Il reviendra là... pas, Malm, il va juste bloquer, il reviendra pas. C'est nul, c'est nul, comme je le dis, c'est nul. Ok, en tout cas, c'était bien senti du côté de Malm. Au niveau des unités qui ont été placées au bon endroit, au bon moment, on a même récupéré cette case. Alors, c'est quand même, hein, il y avait un autre play à faire. Hein. Sur la ville, encore une fois, victoire majeure. Ah, mais tu la prends celle-là, hein, vraiment, la smooth first move, tu peux la prendre, hein, ouais. Avec deux coursiers. Hein. C'était un vrai play. Si tu iron un peu l'étape. On regarde un petit peu les heals, on relève la tête par rapport à la game. Qui est en train de resettle, qui est en train de re-snowball, qui est en train de préparer un prochain front militaire. Floppy, qu'est-ce qui se passe, Floppy? Il a appuyé sur la machine, il a appuyé sur le bouton. Là, je vois des unités militaires sur toutes les cases. Il y a des hommes d'armes, des arbas, des coursiers, des petits scouts pour donner du soutien. De partout, on est à combien? On est à 807 de force militaire, quasiment autant que, bah, au final, son oppresseur gaulois en face de lui. Un nouveau campement. Ici, dans les parages, on est à 287, 213 en termes de heals du côté de Joss avec 226 de science. C'est pas mal du côté de Malm qui est toujours, regardez, à stack. Le seul problème, c'est la différence en termes de gold. Et peut-être maintenant, la différence en termes de tech. On est tour 63, on jette un œil. Qu'est-ce que c'est les techs d'avance dans la partie 28, 27, 25, 24. En face, on est à 25, 24, wow. 21. On est à 4 techs d'avance en ayant la grande bibliothèque. En ayant du... Et ça, c'est la libre pensée. Hein. En ayant aussi, hein. De la science d'avance actuellement peu, mais en ayant surtout les trois cités états bleus d'avance. Et c'est ça le problème. C'est que si on est déjà devant dans cette version-là, j'ai un petit peu peur justement pour la suite de la partie pour rattraper certaines techs. Ah, oh, mais j'ai vu des trucs là, les scientifiques. J'ai vu un plus 2. Oui. T'as vu quoi, Newton? Newton du côté du coupé, c'est ça que t'avais vu? On a récupéré Hildegard, on a récupéré Bisheng du côté du Gaulois, et on a récupéré Omar Kayan pour la steak de LDK. Le prochain, c'est Galilée. On a encore Ibn Khaldun, celui qui va nous donner de la production et de la science supplémentaire par palier d'activité que nous avons dans nos villes. Les deux derniers coursiers, je pense. Important. Oui. Important, et d'ailleurs, Bagordi qui continue. Est-ce qu'on fait des projets du coup pour le Maori? Parce qu'on a la tempo hein, pour le faire, vu que bah, Malm, là, il est un peu en train de, entre guillemets, on va dire, ressortir la tête de l'eau après avoir défendu les coursiers. Ah, Newton sur le nouveau campus qui va apparaître, ça c'est bien joué. Oh, c'est bien ça. Oh là, les 170 de production qui sont, hop, supprimés tout d'un coup. La bibliothèque 45, 125, je crois, du côté de l'université. Alors, par contre, Floppy, c'est dommage qu'il reste chez lui. Hein. Allez, Floppy, il veut pas mourir. Mais mec, maintenant, c'est bon, je pense. Enfin, là, il est en train de regagner un peu le match-up. Sauf la prod, regardez, 50 de prod de différence. Il manque un petit truc en plus, peut-être. On est sur banque maintenant, du côté de Flop. Est-ce qu'on part théorie scientifique sans partir sur Indus? Sans partir sur balistique, c'est bizarre quand même un peu les BO d'Adersha. Est-ce que tu as un point de vue spécial justement par rapport à l'arbre technologique? Qu'est-ce qu'on doit cliquer? Je rappelle, et après tu vas pouvoir enchaîner, je rappelle qu'on récupère sur théorie scientifique, donc ici, deux sciences sur nos routes avec l'Adersha. Voilà. Donc c'est un petit snowball supplémentaire. Mais par contre... Je pense que Floppy il subit entre guillemets un peu la game, enfin dans le sens où il a défendu le push de Chuck, donc il essaie juste de suivre la tempo en fait globale. Il sait que c'est pas lui le carry de la team, mais en vrai, il a bien défendu. Je pense qu'il pourrait être quand même beaucoup mieux dans la game. Je pense qu'il a peut-être dû faire des mauvais choix au mauvais moment. Comme là, le choix de pas non plus aller grignoter Chuck. On a beaucoup d'arbas. Ouais, je suis d'accord. Lane, on tape avec les arbas alors que Chuck a rien. Ça, c'est dommage. Ça, vous savez, c'est des petits trucs ça. Quand vous jouez à Civ, juste mettre une pression comme ça, ça met de la pression au joueur adverse et il peut du coup faire des erreurs dans ses choix de sim, etc. Alors que là, Chuck, bah, il est libre d'esprit dans son sim, donc il fait vraiment ce qu'il veut. Et là, il est en train de faire des petits projets de campus d'ailleurs, qui vient de switcher. Ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on a tout récupéré. Ah, tout a été récupéré. Malm qui a récupéré quand même Ibn. Est-ce qu'on est comment au niveau de... Bah je pense pas qu'on soit terrible, hein. Beaucoup de population, un mec qui est venu nous griffe coursier. Deux continents. Ah non! Oh là là, mais on n'avait pas vu ça! On n'avait pas vu les continents. On n'avait pas vu exactement ça. On a deux continents, trois peut-être, avec bah, le Gaulois qui s'est settled ici, donc c'est quand même pas mal. Attends, oui, trois continents, donc bah, on n'est pas trop mal. En termes d'activité, on va regarder ça. Voilà, plus zéro, plus zéro. Ah là, zéro. Bon, c'est dommage, mais au moins, ça évite que la team adverse l'ait. Exactement. Et c'est pas étonnant, au vu de la situation. Ouais, parce que Gandhi qui l'a, à mon avis, avec son colisée et tout, il aurait été vraiment bien. Parce que Gandhi a assez peu de villes. Donc je pense que lui, l'activité, ouais. Eh bien, tranquille. Et on a le Maori. Qu'est-ce que le Maori vient foutre ici? Il vient lui spread l'activité. Il vient lui spread l'activité.
Pourquoi pas? C'est un petit peu dommage quand même de ne pas avoir réfléchi un peu plus peut-être long terme si on avait vraiment voulu faire ça, et c'est très très bien joué. Peut-être qu'un work ethic aurait été plus profitable pour lui dans la situation. Work ethic sur 8 villes, ça fait 8 x 6 parce que vous avez hôtel et temps plus les bonus activités, donc tu peux rajouter peut-être un petit 20% en plus. Donc tu vas avoir 42 prod en plus qui va arriver. Là on va lui mettre de l'activité sur de l'activité alors que le mec est déjà en plus 5. Bon, c'est bien quand il sera plus en plus 5. Et donc du coup peut-être une volonté de mettre un peu plus de villes pour pouvoir spread plus d'empire et spread le maximum d'activités un peu partout. Oh, il y a des malons. Ils sont passés. Ils ont passé comment? Bah ouais, ça va, il a bouché en haut. Il a bouché en haut, tranquille. Il a bouché en haut, il va sûrement tuer les petites unités qui sont derrière. Alors je sais pas parce que c'est un Gandhi hein. T'aimes pas taper un Gandhi, c'est toujours ça, toujours problème. Ah, c'est toujours ça le problème. Mais tu sais qu'en vrai à Pau, bon, son land est pas facile à jouer, mais je trouve il a en termes de sim dans la game, il a dû faire des mauvais choix, je pense. Parce que là. Manque des trucs, il manque. Comment des trucs. En vrai, il est peut-être bien en yield. Il est pas trop mal, mais il pourrait être mieux. Ouais. Il peut être mieux. Ouais. Il a un peu de tout, il est en menu. Il est en menu, donc c'est stat. Voilà, il est nature peinture, le mec. Il est nature peinture, là, il lâche deux campements, je sais pas trop pourquoi. Trois campements, waouh. C'est le petit fascisme, ça. Ouais, bah, c'est comme il était. Je sais pas comment il push. Ouais, si des débarquements, en vrai, il a l'avantage de pouvoir faire ça. Est-ce qu'il veut se mettre en achombre, prendre la carte de plus 5, aller mid-tri? Il est science militaire là, Pau. Il est pas parti top-tri. Et d'ailleurs, en parlant de top-tri, ingénieur militaire du côté de Joss. Joss, est-ce que tu as déjà Indus? Ça m'étonnerait au vu quand même de la game au niveau de la tempo générale. Regardez, tu as le charbon, c'est bon. Il a déjà sur Indus. Il est déjà Indus. Les gars, ne lui achetez les zines. Allez, prochain tour usine, mais on aurait pu l'acheter, les gars, quand même. Voilà, on a du GPT. C'est vraiment bien dans la game. Hein. Oui. On a les techs d'avance. Là, il faut que là, son prochain objectif, c'est Oxford. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il a un spot pour faire Oxford? Regarde, resettle une ville, une deuxième. T'as un land super ici. Tu poses un campus qui sera en minimum en plus 4. Tu poses une plateforme co. Tu vas avoir 7 ou 8 cases à travailler qui vont être en 2-3. Et c'est tranquille. Voilà, c'est une, deux villes là. C'est quand même dommage. C'est colon volé, mec. Ça, oui. C'est cool en volet. Bah oui, mais il a pas voulu après. Si dit, non, tu peux en faire un autre, hein. C'est pas grave, hein. On mais a attends, quand contre, je suis en train de voir son land là. Il a pas de spot université d'Oxford, je crois. Ouais, c'est pas facile avec le Maori en vrai. C'est pas tous les jours qu'on peut se l'approprier. Parce que ça, c'est vraiment pour sa game et pour que Malm ne le redépasse pas ou ne revienne pas dans la game, c'est vraiment important qu'il lock l'université d'Oxford. Écoute, moi j'ai bien une ville ici, hein, mais bon, va falloir chop, il va falloir avoir conservation un peu plus tard. C'est chaud. Conservation, c'est chaud. On a 91 de culture actuellement, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Une ville, deux villes, je crois, qui ont été remises sur ce tour du côté de Chuck. Il était pas en salle ancestrale, hein, il était en audience, mais ça revient. Ça revient petit à petit, écoutez, la game a l'air d'être longue, il est en 2668, il n'est pas totalement fini. À un moment dans la partie, peut-être qu'il arrivera à remettre beaucoup d'unités un peu sur land. Malheureusement, c'est toujours cette audience, moi pour moi, qui aura été vraiment le truc qui aura été vraiment dommage dans sa partie, avec son plan de jeu, avec son choix, beaucoup d'unités militaires qui sont en train de coûter du gold et qui vont... En fait, son choix de non-trône de guerre va peut-être lui dire de ne pas refaire de gros push à 2k gold avec de la cavalerie ou ce genre de choses pour pas prendre trop de gold, justement, de génération de gold à son équipe. Voilà, c'est un truc que j'ai un peu l'impression. On a de la cavalerie maintenant du côté de la France. Oh. C'est sur qui qu'on va? Je sais pas trop sur qui qu'on va là. Parce qu'en vrai, c'est compliqué, non? Bah, maintenant que le front tout est fermé, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on essaie de ma push? Ouais, encore, il a mis un campement dans la choc. Ah, tu sais ce qui manque en vrai là? Un tunnel? Ouais, j'allais le dire. Mais... non, mais même pas du bon mal. Regarde le mapouche, gros. Il y a un tunnel, il est magnifique, frère. Ah, tu mets un petit tunnel là? Sur la faille là. Ah, là, tu le mets là, c'est tout droit. Ah, là, et tu vois, je t'avais parlé de cette ville. On l'avait dit, cette ville, elle était trop importante. Cette ville, du coup, c'est toi qui as l'ascendant pour mettre un tunnel et genre tu te déverses dans son land. Ça aurait été incroyable. Ouais. Mais là, du coup, je pense que ça va juste rien faire. Hein, c'est quoi ça? C'est un manque un peu de vision, d'expérience? Un ingénieur! C'est un peu de manque d'expérience de jeu, non? Tu trouves pas? Genre. J'ai l'impression, ouais. Genre des petits trucs qui peuvent te débloquer. Parce que là, en vrai, il le voit depuis longtemps, son land, qu'il est complètement bloqué par les montagnes. Tu dois à un moment te dire, ok, j'ai un land bloqué par les montagnes, il me faut un ingénieur à un moment, à tel endroit ou à tel machin, etc. C'est hyper important. Et il lui manque 3-4 000 heures de civ compétitif, quoi. On peut pas le blâmer. Pour voir cet ingénieur. On peut pas le blâmer sur ça, voilà.
Comment ça va réagir du côté du Mapouche maintenant? Parce que je crois pas qu'il y ait d'espions hein, du côté du Mapouche. Si, j'en ai vu un, excusez-moi, du côté de La Rochelle. On pourrait avoir aussi quelque chose qui peut être un peu alambiqué, mais assez intéressant, puisqu'on n'est pas très bien en termes de science du côté de Chuck. On pourrait avoir peut-être des cavaleries qui pourraient venir dans le bac et venir justement bah, prendre toute cette frontline là. Qu'est-ce qui est important quand on va faire de la cavalerie légère? C'est exactement ce qu'on fait un petit peu, laisser d'un côté de côté de la défense et des chars du côté de l'attaque. Trouver les endroits où il y a le plus de cases open pour pouvoir rentrer dans le land et ainsi piller. Et donc du coup, les villes, vous avez vu, ont été posées avec les différents campements, les différentes unités pour bloquer le maximum de cases tout en utilisant le moins d'unités. Et bien là, on a 1000 unités à mettre si on veut bloquer quoi que ce soit. Donc ça serait stratégiquement intéressant, un peu long, je suis d'accord, mais intéressant de faire voyager 6-7 cavaleries dans le land ici pour obliger, encore une fois, 10-15 unités de production militaire à poser. Et au vu des productions du Gaulois, il n'aura pas trop le temps et il sera encore submergé par les différentiels de bonus militaires, etc. Je vous rappelle, dernière chose et après je te laisse embrayer sur ce que tu veux, que nous avons le déguisement du côté de Emmerich, qui est donc l'espion français, qui permet de ne pas avoir de délai pour établir une présence ennemie, une présence dans une ville ennemie. Donc il peut désactiver son espion, le mettre dans la capitale gauloise, activer sa mise en écoute et avoir un +9 contre le mec. Mais en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est... Encore une fois, je pense que c'est l'expérience qui parle. Genre Pipo, il ne voit pas là, le play sur Chuck et sincèrement, je pense que tu mets beaucoup de bons joueurs militaires dans la pose de Pipo. Il a déjà fait le dégât, on va dire, entre guillemets, sur Mal. Ouais, bien sûr, il sait. LDK. Et en fait, ta pub, entre guillemets, tu sais que tu ne peux pas y retourner parce que la défense est en place. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est, ok, là, j'ai un push cavalerie, où est-ce que je peux investir ce push cavalerie pour qu'il soit le plus rentable dans la game? Et là, le plus rentable, c'est juste, tu vas chez Chuck, tu passes par le sud, tu vas chez Chuck, et j'ai, ah, ok, il le voit, mais du coup, pourquoi tu as up toutes les cavaleries à droite? Pourquoi tu les as pas toutes up à gauche? Ok, en tout cas, il a vu le play tunnel, et ça me fait plaisir. Ah, on est parti! Ouais, mais pourquoi les cavaleries sont à droite, tu vois, je sais pas. C'est bizarre. Genre pourquoi tu retournes sur un mur de voilà, sur un mur de piqué qui va être pendant... Ça c'est dommage. Ça pour moi, ça c'est une perte de temps et de c'est un investissement inutile. Et par contre, sur GPT et Pipo, hein, la salle d'audience, hein, moins 85 GPT. Non, ça c'est criminel. Hein, moi je pense. Hein. Moi je te dis, Trone c'était dans sa pose, c'était nécessaire. Parce qu'en plus, il regarde, tu vois, c'est bien, il a 10 de pop, mais est-ce qu'il a reposé des quartiers? Moi je crois que tu regardes, il a pas reposé de quartier, hein. Il a juste campement campus depuis le début et on savait de par sa position qu'il n'aurait pas plus de quartier que campement campus dans sa game. Piquet-tire, on oblige quand même le joueur Frissime en face à ne pas aller Indus. Tour 68, ça fait 5 tours maintenant que nous avons notre backliner qui est sur Indus. Normalement, quand tu as confiance à ton équipe et quand tu joues collectif, ça, c'est des éléments importants, tu vois. On critique un peu parce que je suis d'accord un peu avec toi, mais le fait qu'il retourne là, ça oblige Piquet-tire. Mais ça, Lège, il l'aurait forcé quoi qu'il arrive parce que juste t'as, ah ouais, tu penses même qu'une mais t'as une cavalerie à Rennes et tu la montres aux frontières du CRI. Ouais. Juste tu fais ça et le mec se dit putain, faut que j'aille piquer tir, c'est obligé. En fait, ça c'est des plays que tu peux faire et juste en fait, bah t'as tout à gauche quoi. Genre en mode bah non, tu vois, je te montre des unités à toi pour bait et en fait le reste de l'armée et bah c'est pas chez toi. Allez, et ça serait bien qu'il n'y aille. Oh attends, mais on est en impasse là. Après ils sont pas renforcés, ils viennent d'être up. Ouais, c'est vrai. On va pouvoir... pas encore de bonus de non, c'est pas bon, c'est pas bon, derrière. C'est pas bon. Faut pas perdre toutes ces cavaleries. Il va rien se passer. Terrible, dommage. Faut pas perdre toutes ces cavaleries, ça va pas être terrible. Par contre, bah ça force hein, quand même. Peut-être dans le bac à refaire des unités militaires. Non, même pas d'unités militaires dans le bac qui ont été reforcées. Et on a Nalanda, j'ai l'impression, qui a été récupéré. Non, Expli, 25 émissaires et Genève, 31. On a réussi à tuer la cité-état qui était ici de je ne sais plus qui. D'ailleurs, peut-être que ça a été libéré, il y a eu un bail, je vois des malons alors que ça avait été pris de la part de la France. On va regarder un petit peu le score. Non, au niveau des faveurs diplomatiques, il n'y a pas une dingue du côté de LSC, donc pas trop de problèmes. Par contre, il n'y a plus d'unité du côté de la France. Et du côté des deux autres cités-états, c'est bien les joueurs LSC qui ont les cités-états bleus. Et ça, c'est vraiment important. Depuis le début de la partie, c'est eux qui les détiennent. Et c'est un élément majeur du fait qu'on ne soit pas trop distancé en termes de science dans cette partie du côté de la Steak Company. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le mettre dans l'eau. Pourquoi faire? Je crois qu'il voulait pas être scout, sauf que bah ça a été scout parce qu'il y a l'espion. Oui, d'accord. Il voulait faire une surprise, je pense. Je pense qu'il voulait faire un tunnel surprise, sans être scout par l'espadasse. Hein. Mais bon, hein, BDC, comme on dit. Bah ouais, l'espion, quoi. Ah, c'est dommage.
Après, il aurait pu faire un truc, justement, Ring 3. Non, il peut faire un truc genre là. Ah, que Mal, regarde, Mal, il a acheté la case de montagne. Ouais, mais ce, ça sert à rien. C'est un Ring 4. Mais c'était... Non, c'était pour protéger le land de Chuck. C'est un peu bizarre. C'est... Ça sert à rien. Je sais pas. Ouais, ça sert à rien. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, mais... Ah non plus. Ouais, je pense que c'est un truc. Alors, non, est-ce qu'il va taper c'est... Tape pas, mon frérot, hein. Bah non, avec les unités de soutien, il est pas encore retranché là. Il est pas encore retranché là. Oh oh! Alors ça c'est bien joué par contre. Alors on a des pointeurs quand même du côté d'Apo, ça c'est bien joué. On a mis des pointeurs sur la côte. Et hyper bien joué. On a une petite chapelle en même temps. On a, voilà, comme tu le disais, des chevaliers un peu partout. Il y a quelques ballons de l'autre côté. C'est des coursiers, hein. Tour 69. Hein. Normalement ça fait pas grand chose ce genre de choses. Ça fait pas grand chose. Et ils vont être scoutés. Mais tu sais que ça c'est là ce qu'a fait Apo. Et ça arrive de temps en temps des joueurs qui font ce genre d'erreur, qui n'en mettent pas. Là mm-hmm. les pointeurs qu'il a mis, ils sont presque game breaker pour lui parce que du coup il va voir les unités arriver et il va pouvoir défendre, il va pouvoir être en réponse. Et il y a souvent des joueurs qui sont des mauvais pointeurs, mauvais, mis au mauvais endroit. Je me demande même s'il va avoir la possibilité de débarquer LDK parce que là on a des récifs. On peut se mettre une petite case ici, on va se mettre une petite case peut-être, non, on peut rester là où on est. Et puis après on se met où? Sur la case de plaine inondable? Petite chapelle, un coursier qui arrive. C'est, voilà, lui il va arriver ici, il va taper sur la plaine inondable du mec. Lui il veut pas débarquer. Oui. Il y a un colon en fait avec LDK. Oui j'ai vu. Il veut pas, bah ouais, bah en fait il veut juste poser une ville. Ouais mais bah des... c'est pas possible en fait comme ça, enfin si avec les deux chevaliers. C'est compliqué, mais en vrai mais c'est faisable hein. C'est faisable, il y a un truc à faire, je suis d'accord. Après Apo normalement, là il a vu l'amiral apparaître, tu vois, genre comme ça là, tour 69, tu vois un amiral apparaître à tes côtes, tu te dis bon, normalement tu dois flairer quelque chose du côté d'Apo. Exactement. Bon. Pourquoi je l'ai pas vu tout seul comme ça. Pourquoi je l'ai pas vu à 10 tours hein, c'est... Pourquoi c'est maintenant que tu décides de rescout un petit peu mes côtes? C'est chelou ça. Alors que s'il avait fait un petit peu, tu vois, s'il avait fait une patrouille sur toute la côte pendant toute la game, ce serait Joseph le mec. D'ailleurs, on n'a pas ce on n'a pas on se passe ici là. On a... C'est vrai que ça fait, on a fait longtemps on n'a pas trop été les voir. Oh, 3 PM, on a le général, on va pouvoir taper, on va avoir, on va avoir 2-3 unités qui vont se faire taper dessus. On en est où? On est sur fond des méthodes du côté de Chud, donc on va pouvoir aussi up les mousquetaires. Normalement, rien qui va se passer. 11 villes du côté de Chuck. Chuck revient bien en termes de sim. Attention, il est le deuxième simmer de son équipe actuellement. Late en termes de tech, c'est extrêmement important, on le sait, mais il est toujours là. En fait, c'est que ça peut être terrifiant cette boule de coursier si elle est pas gérée. Ouais. Est-ce qu'il y a du gold? Il y a pas beaucoup. Hein. Je pense qu'ils ont du gold. Il y a 400, 500, 600, 700. 700 prendre si on économise. Je pense qu'on en génère pas. On a pas trop. On génère pas tant de gold que ça. Pas trop, mais ça va en vrai. Si on. Ah, si on dépense pas tout maintenant. Oui, on a été obligé de mousquetaire. Ouais, on a été obligé de mousquetaire. Il y a déjà un homme d'armes qui est parti. Et il y a une masse d'arba, messieurs, dames. On se demande si balistique, ça aurait pas pu être un peu pertinent, tu vois, dans la situation. Parce que comme on le disait, c'est un no man's land entre Tarsus et Bibrax, là, les cases de plat. Et quand on arrive à prendre un peu cette position-là, bah on a la possibilité, avec trébucher, etc., décaler, bombarde, décaler, essayer de prendre Bibrax, mettre de la pression. Je vous rappelle que du côté de Chuck, bah on est en 30 GPT, on a préféré refaire des villes que et essayer de re-snowball dans la partie que re-solidifier un front et essayer de remettre du gold. On veut essayer de d'être peut-être quelqu'un contre ce Maori. Je trouve ça un peu étonnant au final, tu vois, je suis en train de réfléchir et d'analyser en même temps que je suis en train de parler, mais je trouve ça un peu étonnant ce resettle vers le sud de son land, sachant que le Maori, son play, bah c'est avion en fait. Pas de... Colon. Ouais, un petit colon qui va rentrer dans le land. Mais il y a pas d'autre play que avion là du côté du Maori. Bah en vrai le play est safe hein. Et, bah ouais. Non, hein. Y a pas d'autre play hein. Genre, tu fais juste des avions et puis voilà. Hein. Et en plus ça va aller vite hein. Il est complètement, enfin il est IRL entre guillemets. Je pense si tu regardes les techs, il doit quand même avoir pas mal de techs d'avance. Joyce sur Chuck, ouais. Donc défendre des avions, on a 35 techs et du côté de Chuck on est à 24. Bon, allez bisous. Est-ce qu'on a prévu l'université là ou toujours pas du côté de Joss? Est-ce qu'on a la tech déjà? On est sur banque donc on n'a pas encore la tech.
On est sur Cité Interdite, 6 tours, et j'ai vu 6 tours ici aussi. France, Pipo, Emric, espion niveau 2, toujours, qui est ici. On l'a pas déplacé, on n'a pas voulu faire de bail comme ça. On a récupéré les deux ingénieurs de prod du côté du Gaulois, et on a du côté du Maori l'avantage en termes de génération de personnages illustres, en tout cas du côté des ingénieurs. Je vous rappelle que les écrivains ne peuvent pas être recrutés du côté de notre ami Maori, et que c'est plutôt le copain Gandhi, le copain indien, qui est en train de se récupérer les écrivains. C'est du last move là, hein. Normalement. Ah, après, c'est 2 PM. Hein. Carto. Oh non! En vrai, je pense pas. Pourquoi tu t'en vas? Reste là! Reste en récolte! En vrai, je crois qu'il a acheté des chars lourds balistiques qu'il veut prochain tour. Je pense qu'il a flairé un play. Ouais. Je pense qu'il veut des cuirassiers. Il était un peu con là. Il aurait pu en acheter 6, 7. Pourquoi il a pas fait ça? Il a envie d'up. Bah, il a 1500 de gold. Il achète 3 chars lourds en plus, 2 à la fois. Non, mauvais play de la part de la Lapo. Quand on joue une cible. Je pense même au niveau de son BO, de son choix de quartier, je pense qu'il y a des erreurs. Hein. C'est pas du stat, je pense, dans sa game. Ouais. Je sais pas. Moi, je préfère faire 2 colons de plus avec Coral. Mais bon, dans une game où tu te fais prendre de la pression, où y a pas de colisée en face, où les theaters n'ont pas été sortis de la part de l'équipe adverse. C'est vrai qu'il est free. Il est quand même free, je comprends. En vrai, je comprends ce choix, mais je pense au vu de son land, c'était pas ça qu'il devait poser comme quartier. Ok. T'aurais préféré quoi? Plus de zone indus plutôt pour... Zone indus, des ports. On aurait pu imaginer sincèrement un BO. Tu fais première heure, du coup, t'as Monu, lieu saint, et je pense que tu fais port Platco et tu fais une libre pensée deuxième heure avec ton Gandhi. Pourquoi pas? Si t'as des poissons, si t'as des agency, mais les agency sont pas terribles, hein, encore une fois. Si c'est une libre pensée... Oui, je sais, mais si t'as moins de 10 de science, moins de 10 de science contre une monnaie, ça souffle un peu, quoi. Bon, on est toujours dans la game, hein, du côté de Malm, hein, qui essaye de garder la tête sur les épaules. Il est super bien, Malm, hein. Et oui, 358, tech balistique actuellement, c'est ça son problème dans la partie, c'est qu'on est obligé de partir sur le mid-tree pour pouvoir se défendre de tout ça. Apology, Chuck, Malm, Floppy, voilà l'ordre du Loppy. On a Joss qui est dernier. Donc au niveau de la cité interdite, si on n'a pas un chop, si on n'a pas un truc comme ça, si on n'a pas un peu d'activité, on ne trouve pas un peu de production quelque part, ça sera dans les mains de LLC et ça sera dans les mains de Malm dans la game. 7 tours du côté du Potala, on avait récupéré le Mahabodhi, on le rappelle. On avait pris quoi déjà? Dar Ermer et lieu sacré du côté du protestantisme. On avait des meilleurs choix à faire, je pense. du côté de cette fin de religion. Mais c'est ok. On a récupéré un peu plus de culture sur le Dar Ermer. On va dire que c'est fine. Prochain colon, c'est de sortir. Il a couvert toutes les villes. Il doit avoir quelques commandeurs par-ci par-là. Ouais. C'est ok. C'est pas si pire, on va dire. Pas si pire, mais t'as 700 fois là qui ne sont jamais utilisés de la game. Alors que éducation jésuite, tu spread aussi tout autant, tu spread à ton Gandhi et tu vas voir sur la troisième ère la possibilité peut-être d'acheter quoi que ce soit, des marais, des biblios, avec ta foi générée. Et je trouve que ça marche bien en fait parce que. Pardon, excuse-moi, on a les cavalerie, cavalerie. Check, cavalerie chez Chuck, juste pour voir. C'est passé ou pas? C'est, hein. Ok, bah, je t'ai remis ton machin, c'est juste pour voir si c'était passé. C'est passé, ou c'est, si passé ça... c'est passé, c'est passé. On a réussi à passer un piquet de tir maintenant. Est-ce qu'il a déplacé Eric? Eric n'a pas été déplacé. Mais quelle erreur! Ah là là, ça me tend. C'est dommage. Je suis tendu, Soft. Ah, et puis il y a des cavaleries qui sont morts là à droite, hein, je te le dis. Ah, c'est cavalerie à droite. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouh, la frégate Armada qui a été posée là. Alors c'est sûr que sur la côte c'est celle qui va être la reine. Mais par contre pour poser le colon, peut-être une autre paire de manches, mon petit pote. Ça va être une autre paire de manches, mon petit pardon, pote. Pardon, du coup je te laisse terminer donc. Encore Vat à l'embras. Bah, je me rappelle plus, ouais. Mec. À l'embras. Ah, tant pis, désolé. C'est pas grave. Encore Vat. Non mais deux universités. Encore Vat, cité interdite, Alhambra, c'est que de la bande d'ondeur pour faire une transition militaire sur du tank pour raser quelqu'un. C'est-à-dire que là, il n'est pas en train de repartir en plus top 3, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe depuis tout à l'heure? Non, il n'y a toujours pas de charbon. Donc, on est parti. On va aller hélico, là. S'il ne reclique pas Indus, là, maintenant, c'est trop bizarre. Donc, ça veut dire que... Voilà, Indus. C'est bon. Bon. Ouais, il faut Indus au bout d'un moment. Ouais. Parce qu'en plus, encore une fois, c'est Malm le Frismer. Hein. C'est Malm qui porte son équipe, entre guillemets, on va dire, là, dans, ouais. Et dans le sac à dos. Il va falloir acheter la petite usine, acheter peut-être
Oui, la petite usine pour avoir le bonus en zone. On n'a pas beaucoup de gold. LDK, il a 600 GP, il a 600 gold en banque actuellement. On n'utilise pas beaucoup les gold depuis le début de la game du côté de Deshark. On manque un peu de proactivité sur ça. Et lui, c'est bon, hein, il est en train de resettle. J'allais encore un peu une fois le blame, mais c'est vrai qu'il en a besoin là, d'aller resettle ses différentes villes, de mettre ses villes pour aviation et de mettre ses villes pour simplement poser 2-3 campus en plus. Il va se faire dépasser en termes de science et c'est déjà fait avec eh bien, les deux cités tableaux qui ont été récupérées depuis tout à l'heure depuis de la part des joueurs LSC. Est-ce que c'est pas la perte de libre-pensée qui fait que on n'a pas trop regardé? Non, non, il n'y a pas encore. 3 tours. 3 tours, ok. Ah ouais, et puis en plus, il va perdre de la science sur Malm. Ah, les cités tableaux qui vont faire une grosse diff. Hein. C'est normal. Par contre, la grosse diff aussi, hein. Là, on aurait pu avoir le one-shot, par exemple, sur la cavalerie avec l'espion. L'espion ici, qui peut être enlevé à tout moment. On l'oublie alors qu'on n'a pas grand-chose à faire du côté de la pips. On est en train de faire des chars lourds, des chevaliers en pré-build. Il y a deux bâtisseurs sur le land. En bas, on a quoi? Du pillage du côté de la Hunza, c'est bien. Il arrive à trouver à gauche, à droite, des pillages un peu partout. Mais c'est normal par rapport à sa position. Il faut qu'il soit juste bah, le plus effectif possible. Quand on gagne, il faut gagner le plus possible. Quand on perd, il faut perdre le moins possible. Et là, il ne le fait pas exactement comme on l'imagine. Attention, cette unité, là, le piquet de tir. Pas smooth, la pipo. Oh là là. Ah, c'est le froid qu'il faut focus, normalement. Il m'a l'air d'être plus important, ici. Il a l'air d'être plus important. Une petite cavalerie, là. Il vient d'être tué. C'est pas mal du côté de Chuck. Bonne petite défense. Et on a maintenant Jacques de Saint-Georges en train d'arriver. Ah, celui-là, il n'avait pas vu arriver. Si, peut-être, parce qu'il y avait deux ballons. Et il va pouvoir peut-être piller la prochaine ferme. ouais, piller et prendre la promote. Excuse-moi. Est-ce qu'on a un général pour tout ça? On a un général sur ce tour. Et on l'avait pas pris du côté de notre ami Pipo. Encore une fois, une petite erreur parce que j'imagine qu'il va pop dans Paris. Il y a le plus de population. Et donc du coup, on aurait pu, avec la route, le déplacer directement, j'imagine, jusqu'au bétail. Pour avoir un peu plus de force militaire autour de ces unités. Le mousquetaire, est-ce qu'il prend? Le mousquetaire ne prend rien du tout. Hein. Voilà, défaite majeure. Ah bah là, c'est... Ouais, roi bah, des éburons. Hein. Roi des éburons, espion. Mais non, en vrai, Pipo, par contre, bon, il fait plein de petites erreurs et on souligne plus ses erreurs. Mais sinon, en vrai, depuis le début, il fait quand même une grosse game. Il a eu beaucoup d'impact. Il a forcé beaucoup de militaires de la part sur la Stack Company. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste, c'est rigolo quoi. Mais par contre, ils peuvent quand même débarquer, je pense. Ça peut là, débarquer, il peut se passer un truc. Il peut aller piller, il peut se passer des choses. Ça, en tout cas, ça va forcer Apo à bailler des unités avec sa foi à la chapelle. Il va falloir qu'il se défende un petit peu. En vrai, c'est pas mal quand même d'être un peu proactif sur ce, ouais, ce grand diffrissime depuis le début. Ouais, il faut faire quelque chose du côté de LDK, il a défendu maintenant. Il y a une petite tour de siège en plus qui est là. Il la prod, hein, je vous rappelle, il n'a pas eu la statue de Zeus. Et donc du coup, il fallait qu'il fasse un premier débarquement quand même pour qu'il y ait une relevancy du côté de ses plays, du côté de son impact dans le game. Pour qu'il fasse quelque chose, tout simplement. Il fait du goal, c'est bien. Il en fait un peu. Mais maintenant, avec ses 185-186, il n'a pas vraiment d'espoir de tenir le late game. Il va, j'imagine, partir sur le bot tree, avoir de la cavalerie, partir peut-être acier, tank, pour mettre un peu de pression sur ce Gandhi. Mais sinon, bon, bah, on a un Aztec qui n'aura pas la performance qu'on aurait pu imaginer dans une game d'Aztec Free Sim. Comment ça se passe ici? Les premiers moves. Et d'autre côté, Shift Hunter. Shift Hunter? Shift Hunter de quoi? De cavalerie? Ah, Shift Hunter cavalerie en dehors de la ville. Shift Hunter l'autre sur la case de désert pour prendre la pause, pour décaler. Hop, 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 pas mal. Voilà, ça c'est Prégate bien, 3 c'est étoiles. Bien réalisé. Et on prend pas la ville du coup. On prend pas la ville, on back. Je comprends, il a envie de défendre au niveau de son land. Je comprends aussi. Derrière la rivière. Le grand, ouais. Il est pas mal là. Hein. Il est pas mal, il y a pas d'espions du côté de l'Aztec, du côté de... Je crois qu'ils ont pas vu ces villes, hein, tout simplement. Non, frère, c'est vrai ça, c'est une possibilité. Eh oui, mon ami. Il te voit pas les villes de cette personne, en fait. Ah oui, il a bouché le trou, tu te rappelles, hein, sur sa petite péninsule. Et quand le scout est arrivé en early, il est en mode, mais il vient d'où, lui? Et maintenant, pas été scout par là. Et ben c'est pareil, on va se mettre un petit cuirassier, peut-être sur deux cases ici, sur le diamant et sur la 1-2. Alors attention, parce qu'on a toujours la frégate Armada qui va pouvoir clean les unités sur la côte. Mais on va essayer le plus longtemps possible, en tout cas, de ne pas se faire remarquer. Cuirassier en production du côté d'une Sif Chapelle. Ah, ça, par contre, faut pas. Hein. Bah, c'est pas qu'il faut pas, mais hein. C'est dommage. C'est eux qui ont plus de goal et c'est eux qui font du hard build de game. Tu vois, c'est très, très étonnant. Ah non, ça, il faut pas, hein, cela. En plus, comme tu dis, il y a la chapelle, t'as fait du gold. Tu demandes à quelqu'un de stack ton fer. Ah mais non, mais il a fait des campements. Mais... Ah oui.
Ah, le fer, il doit être. Il peut pas déstacker. Bah non, mais c'était tout à l'heure, tu sais, avec Ballistique et tout, il avait un petit moment où il pouvait genre acheter 5 ou 6 chars lourds fois gold, et il l'a pas fait, et ça c'était important pour se faire genre bah, le petit pré-build de temps, coup de cuirassier pour se défendre d'une interjection de la sorte. Oh, tu sais pas c'est là, ok, non. Théorie scientifique pour Malm, prochain tour, peut-être une Oxford qui va être lancée. Je pense. On a le Maori qui va voir Léonard de Vinci apparemment. On n'a pas récupéré le prochain ingénieur des merveilles. Le dernier, c'était Isidore. Donc le prochain sera peut-être celui pour faire plus rapidement les Wonders. Est-ce qu'on est en train de le projeter? Macache, rien du tout. Université en 3, université en 7. Il y a Oxford ici en 7. C'est lancé. Et en vrai, Malm, est-ce qu'il aurait la production pour la faire avancer sans l'ingénieur? Ça serait donc... C'est dur, hein. Et est-ce qu'on peut le poser déjà? On peut le poser sur le blé, là. Tu vois où? Oh, 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 oh. Et là, et ça refait chier. C'est putain, finesse. Il est en train de revenir. Mais c'est pas possible, quoi. S'il arrive à tuer, le bon move, tu swaps le piquetier avec l'arba. Ouais, de fou. De fou. Parce que là, si cet arba meurt, c'est à nouveau des courchers qui rentrent dans ton lance. Et lui, il va first move, Pipo, ça. Voilà, bien joué. Là, c'est très bien joué, ouais. Bien joué. L'autre côté, on a réussi à... Regarde le coursier qui était là, toujours. Oh là là. Il est revenu. Niveau 2. Et il est pas encore niveau 2. C'est les écurie problème. Écurie problème, punaise. Chuck qui a reboot. On n'a pas push du bon côté. On n'a pas push par le bon côté. J'ai rebouché le trou, les gars. Et tu vois, ça c'est encore une fois, je pense à un manque de vision de jeu là. Vraiment, le push au sud était vraiment plus simple pour Pipo. Genre, le land est full open. Là, tu juste un filtre, tu peux snipe une ville si jamais Chuck, voilà, il est un peu greedy. Ah, tu fais tout. En fait, tu fais même ce que tu veux parce que le temps que t'aies assez d'unités pour endiguer une boule de 8 ou 9 cavaleries. Mec. Ça me fait rire, pardon. C'est genre, il te faut que t'aies 15 piquets sur la front lane. Enfin, c'est genre trop dur. Donc non, ça aurait été juste plus simple. Il se facilite pas la tâche, le Pipo. Des fois, il faut faire moins pour faire mieux. Il a voulu faire trop rapide, trop vite, etc. sur ce play-là, qui était en plus vu à des millions de kilomètres. Donc un peu dommage du côté de la Pips. Et ici, de ce côté-là, bon, on essaye de se replacer. Ça permet de quoi? Ça permet de détourner l'attention. Ça, on peut le dire quand même. L'Oxford, elle est pas posée là. Alors qu'on vient d'avoir des théories scientifiques du côté de Malm. On vient de l'avoir? Ok, je crois. Oui, science militaire, ouais. Ou il a rechangé. Science économique. Ah. Science économique. Donc je pense que, tu vois, ouais. On aurait peut-être pu la poser, tu avais dit sur le blé ici. Donc ouais. C'était quoi comme ville? C'était Phyto... Non, c'est Pakcho. Donc c'est une bonne ville en plus, une ville avec un petit atelier de base. On peut la poser là, et à la place, ben, on est obligé de faire un piquet tir parce qu'on est un peu sous pression, on voit des cavaleries françaises. En plus, c'est bizarre, pourquoi ils nous rattaquent, etc. Le gonze. Enfin, c'est chelou, son truc. Et donc du coup, peut... Ah. Stack prod, on réfléchit. En vrai, il peut stack prod peut-être un tour, et si je vois, je réfléchis. Ouais, mais le piquet tir en un tour, ça m'a l'air... Ah, je pense. Ah, 9 tours. Il le pose. Aïe, aïe, aïe. Il le pose. Regarde. Non, mais non, bien sûr non, mais c'est bon. Ah, c'est trop... Déjà ça troll, je le dis. Ça dépend. Déjà, ça troll. Si t'as un petit mausolée... Mais il a pris 20... Mais non, il a pris 2 Vinci, alors que là, il sait... que pour lui, ce qui est le plus important, c'est là dans sa game, c'est l'Oxford. Et là, il se dit, oh, je vais prendre trop de culture. Ah bah voilà, bah bravo, bah t'as pas d'Oxford. Donc du coup, Malm va rattraper ce retard de tech qu'il y a sur toi, alors que t'étais super bien dans la game. Et du coup, il va peut-être pouvoir raser ton français, alors que toi, raser la Gaule, bah, c'est pas pour tout de suite. Et ça va, enfin... Et y a pas de mausolée d'Alicarnas. Y a pas de mausolée, en plus. Donc le Léonard de Vinci, qui est beaucoup moins value qu'on pouvait l'imaginer. Puisque quand tu claques un double Léonard et que t'as des ateliers qui font plus 6 de culture, tout d'un coup, c'est pas mal. Parce que Léonard, en plus, si on se rappelle bien, ça va être un boost. Technologie aléatoire de l'ère moderne, comme Eureka. Et ça, c'est... Il va s'en mordre les doigts, mec. Parce que quand il va voir qu'il va perdre l'Oxford à cause de Saint-G, il va vraiment s'en mordre les doigts, par contre. Je suis d'accord avec toi.